down. Damn, it's then you gon' pay up. You'll crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade out. Damn, it's then you gon' pay up. You'll crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade out. Damn, damn, it's then you gon' pay up. You'll crank that volume, turn it way up. Turn it way up, turn it way up. Crank that volume, turn it way up. Way up. Stade du monde avec la meilleure équipe du monde, le Paris Saint-Germain qui représente Paris et qui va affronter en huitième de finale aller la Real Sociedad qui représente la Sociedad et toute l'ambiance. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce qu'il y a du monde ce soir au parc? Ouais! Allez Paris, ce soir on se... Ouais, c'est les Espagnols là-bas. Ils vont perdre. Ils vont perdre de toute manière. C'est eux, ils vont perdre. Est-ce qu'on peut se connecter avec Michel Montana, le papa de Tony? Michel, non, comment ça va? Non, je suis pas le papa de Tony, non. Ça va, Malik? Ça va bien? Ah oui, eh, c'est génial, un premier stand-up quand même au Parc des Princes. Ah, c'est un rêve qui se réalise. Est-ce que t'es chaud? Il y a l'ambiance? Est-ce qu'il va y avoir de l'ambiance? Décris-nous un petit peu comment tu le sens ce soir, toi. À mon avis, ça va être énorme. Ouais. Bon, on sait qu'Auteuil prépare un tifo. Okay. On leur fait confiance. Ils sont de retour, ils sont tous là ce soir. Il y aura aussi deux tifos, dont un en tribune Paris et un du côté de Boulogne. Donc là, bien entendu, il faudra être prêt à l'entrée des joueurs tout à l'heure, juste avant le coup d'envoi. Mais donc, on a déjà trois tribunes qui vont être à bloc, à fond. Incroyable. Et toi, Malik, t'es à fond? Je suis à fond. On va direct en quart de finale, j'espère. En tout cas, j'annonce un beau score ce soir. Je ne vais pas me porter l'œil, mais allez, un 2-0, on signe, Michel, non? Ah bah oui, tu parles de porter l'œil. Je voudrais juste rappeler quand même à tous les supporters rouges et bleus, il y a 7 ans, jour pour jour, le Paris Saint-Germain battait le Grand Barça, ici même, 4-0. Voilà, je veux juste envoyer des ondes positives ce soir. Exactement, le même score, on prend tout de suite, pour le match aller, bien sûr. Je prends aussi. Et toi, donc, ton pronostic? Écoute, moi, je t'ai dit 2-0, mais là, tu m'as chauffé, j'ai envie de... Ah, attends. On oui, interrompt une conversation, les gars, mais ouais. On arrive en retard, t'as comblé l'antenne. T'es gentil, tu peux retourner à ta place, Malik, ah, moi, là, c'est notre émission. Ok, hein. Mais je me plaisais plutôt pas mal. Tu repars avec le micro, okay, tu fais ce que tu veux. Micro, voilà, merci, tu reprends Michel. Ton rouge à lèvres. Merci, Ambre. Merci, désolé. Bonne émission. Voilà, désolé, merci. On était un petit peu en retard, ouais, c'est bon. Merci, Malik, super, pour la première partie. Tu t'es un peu emballé, là, Malik. Ouais, mais c'était la Saint-Valentin, j'étais pépère à la maison, je me suis dit, je vais venir... J'ai rien à faire, je vais venir. Ok, super. Bah, donc tu viens parce que t'as rien à faire, c'est ouais, bien. Exactement. Bienvenue. Bon, merci beaucoup. On va reprendre les rênes, tranquille. Bien merci sûr. Malik d'avoir assuré la transition de notre absence. On va découvrir le sommaire de l'émission, Alexis. Le programme de ce kick-off, vous l'aurez vu, on a de magnifiques invités. Malik Bentala qui est arrivé un petit peu plus tôt que prévu. Voilà, on ne s'y attendait pas, mais qui était bien présent. Un des plus fervents supporters du Paris Saint-Germain. Et il sera suivi d'une des légendes du Paris Saint-Germain. Ouais, d'ailleurs, Malik, s'il a envie de squatter le plateau, on ne sait pas si on va pouvoir le déloger, mais non, il peut rester le temps qu'il veut. Ouais. Vous l'avez compris, oui. On va faire la première partie de cette émission avec Malik Bentala. Avant, c'est la tradition, on va découvrir l'affiche du match. Ouais, c'est les Espagnols derrière toi, ça commence à... On devrait les siffler un petit peu. Ils sont en train ouais. de nous chauffer, t'inquiète, on va y aller. Et donc c'est Greg, la connu fille. Pour ses fresques et dessins. Je sens qu'elle va être drôle cette première partie d'émission, qui nous signe cette affiche du match. À voilà. tout moment, Malik, tu nous dis, on envoie des gains, si tu veux qu'on les éteigne. Elle a craqué un fumier là-bas avec Non, 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 on va éviter ça, on va éviter ça. On va attendre en tout cas pour faire chauffer un petit peu l'atmosphère. Daniel Bravo tout à l'heure qui nous rejoindra, vous pouvez également lui poser vos questions. Il y a un QR code qui va s'afficher, ce QR code. Et Malik, d'ailleurs, c'est toi aussi Malik, hein. Ouais, si tu as des questions à poser à Daniel Bravo, je suppose que tu l'as vu jouer, tu as vu pas mal de ses buts, de ses rencontres, donc n'hésite pas si tu as des questions, parfait. Tu les notes, tu les poseras à Daniel Bravo qui sera là dans quelques minutes. Et donc voilà, amis supporters du Paris Saint-Germain, vous n'hésitez pas à flash coder et au cours de l'émission, on choisira au compte-goutte vos questions pour Daniel Bravo. Alors Malik, on est hyper content. Il faut quand même le dire, on est un peu sérieux, on est hyper heureux de t'avoir avec nous ici dans Kick-Off, dans l'avant-match, en bord terrain, parce que déjà, quelle affiche ouais. ce soir. Huitième de finale, allez, même si pour toi, on va direct en quart, non oui. Il y a deux fois, a priori, 90 minutes.
Et ça se passe notamment chez nous, ici à la maison au Parc des Princes, la première manche. Ouais. Et on a envie que tu nous racontes la genèse de ton histoire avec le Paris Saint-Germain. Ah, j'ai le sang rouge et bleu depuis toujours. Moi, j'ai mon papa qui était ami avec... qui est toujours d'ailleurs avec Mustapha Dalleb. Ouais. Donc je suis tombé très jeune amoureux du PSG. Dans la marmite Paris Saint-Germain, c'est ma vie, ça conditionne tout. C'est-à-dire que quand on perd, je passe une mauvaise semaine. On est pareil. Voilà, quand on gagne, je suis heureux. Et les soirées dans le noir, toi aussi, tu exactement, les as exactement. Donc le PSG, et puis moi, il y a un souvenir, quand je suis tout petit, un des premiers souvenirs, c'est le fameux J'étais à Bucarest, le 5-0 au parc, avec Rai, Leonardo. Triplé de Rai, bien sûr. Donc ce maillot incroyable, je crois que c'est pour moi le plus beau maillot, le fameux Echter de 97-98. Et d'ailleurs, ambiance de folie ce soir-là. C'était une folie. Match aller perdu sur tapis vert en plus. L'histoire du fax qu'on n'a jamais trouvé, Laurent Fournier. Et on gagne 5-0 au retour. Ouais. Donc ouais, moi c'est depuis toujours le PSG. Bon, là, notre historien du Paris Saint-Germain avec Malik Ben. Donc là, t'es là en tant que quoi? Comédien, 12e homme ou joueur, hein, si tu veux, on peut demander. Streamer, pâtissier, je sais pas. Écoute, c'est la Saint-Valentin. L'amour de ma vie, c'est le PSG. Donc je suis là pour la Saint-Valentin. Ah ouais, tu vois, j'ai les poils. Ouais, c'est beau. C'est beau. Je suis là le plus souvent possible. Dès que je peux, je viens. Et je viens que ce soit avec le cup ou que ce soit sur les tribunes latérales. J'essaie de venir au maximum. Ou sur kick-off. Voilà, exactement. Ou sur kick-off pour essayer de prendre notre place. Mais je vais essayer de garder mon job ce soir. Malik, du coup, tu nous dis que c'est une passion que tu as depuis longtemps. ça va être dur de faire toutes les missions. Mais t'inquiète pas. C'est le début de l'émission. Nous, le parc commence à se remplir. Les portes viennent de s'ouvrir. Il y a un tifo de fou, apparemment. Eh bah, on verra. Toi, t'as écouté Michel Montana. Ouais. Bonne source. Mais ça va se remplir au fur et à mesure. Et ce soir, l'ambiance, mais je te promets, elle va être bouillante. Ah ouais, ouais. Ouais. Ça promet d'être bouillant. Alors, on a ressorti les photos des dossiers un petit peu. D'accord. Les archives. Et en effet, on a la preuve que toi, tu n'es pas un supporter tardif. C'était hier. Alors, est-ce que tu te souviens de tous les joueurs? Talal El Karkouri, Maurizio Pochettino et Ogbeche. C'était moi qui traînais au camp des loges. Exceptionnel, quand c'était encore ouvert à l'époque. Exactement, quand c'était ouvert, je venais, j'allais voir les Didier Domi, je me rappelle, les Yasser, les Rai. Non, c'était une belle époque. Mais enfin, comment tu expliques que... ça dépend. Alors, tu parlais de ton papa, ami avec Dalleb, mais ça n'a pas dû être facile d'être supporter du Paris Saint-Germain quand on vient du Sud. Bah, surtout, on rappelle que je viens du Gard et j'ai aimé le PSG tout de suite et ça a été très dur. Surtout les années 2008-2009, ça n'a pas été évident. Mais quand on aime le PSG, c'est pour la vie. C'est pour la vie, ouais. C'est... En haut, en bas, on supportera toujours le PSG. Je suis d'accord. Et puis aujourd'hui, peut-être encore plus qu'avant. Plus, exactement. On a encore d'autres photos souvenirs, l'album photo Dominique Bentala. On disait l'un des plus fervents supporters du Paris Saint-Germain. Il y en a une qu'on a du mal à comprendre ou à décrire, c'est celle-ci. C'était quand? Pourquoi? Explique-nous un petit peu ça. C'était en 2018. J'avais eu la chance de recevoir un prix de la part de GQ. Il m'avait demandé dans quel endroit tu voudrais qu'on aille faire la photo avec le prix. J'ai pensé tout de suite au parc. Et on m'a gentiment donné les clés. Et tu les as gardées ou pas? Non, j'ai dû les rendre au boss, malheureusement. Mais c'est la maison. J'aime ce club, j'aime ce stade. Et j'espère que ce soir, on va faire la fête. Bon, il y a une bonne odeur. L'odeur et le parfum de la Ligue des Champions en général, c'est toujours bien. On a une dernière photo, forcément. Ouais. On sait que tu es un grand fan du Paris Saint-Germain et aussi un fervent supporter de l'équipe de France. Donc cette photo, elle était obligatoire avec les champions du monde parisiens. 98, on s'en rappelle tous. <C'est vrai. rire> En effet. C'était en Russie. C'était en Russie avec les Titi et la Coupe du Monde. C'était un souvenir incroyable. Et un petit big up à Presco, en espérant qu'ils reviennent bientôt et qu'ils reviennent encore plus fort qu'avant. Et à Kylian et à Alphonse aussi, bien évidemment, mais ils ne sont pas blessés. Et oui, merci. Exactement. Et du coup, toi, tu as vu grandir ce Paris Saint-Germain. Ouais. Tu l'as vu là aujourd'hui, finalement. Je crois que c'est la 12e saison consécutive où on passe en phase finale de Ligue des Champions. C'est un truc de malade sur le papier. Je crois qu'il n'y a que le Barça, Bayern, Real qui ont fait pareil sur la période. Qu'est-ce que tu en penses de cette évolution, notamment depuis l'arrivée des Qataris? C'est incroyable la chance qu'on a d'avoir QSI, d'avoir ces investissements, d'avoir ce club. C'est une chance inouïe, surtout quand on a connu des années beaucoup plus sombres. Après, malgré les années sombres, il y a eu des souvenirs incroyables. Moi, je me rappelle d'un PSG 20 en 2008, un 4-0 avec le but à la dernière seconde de Lyundula. Et c'est vrai qu'on a vécu des moments, mais bon, le stade était moins rempli, c'était plus compliqué.
Et aujourd'hui, d'avoir tous ces joueurs et de passer en phase finale 12 années de suite, c'est historique. Maintenant, on va aller la chercher, j'espère. Bon, en tout cas, c'est bien parti pour, parce qu'il y a un très bon match qui nous attend. Tu disais, tu as vu un petit peu l'évolution de ce club. Là, il y a un nouveau campus au Paris Saint-Germain, le campus PSG. Et justement, ce week-end, tu connais un petit peu les semaines de Ligue des Champions, les entraînements qui précèdent les matchs de Ligue des Champions. Il y a toujours énormément de monde qui se rend au campus. Juste histoire que tu t'en rends compte, regarde un petit peu, c'était dimanche dernier, avec justement les supporters du Paris Saint-Germain. D'être là, ça fait plaisir, avec une bonne énergie, une bonne humeur. Alors on a vu évidemment les images des ultras qui étaient présents au campus, les ultras qui seront présents ce soir, Michel l'a annoncé, Malik l'a dit aussi, l'ambiance commence à monter, ce soir il devrait y avoir un beau tifo, c'est vrai, qui part notamment de la tribune d'Auteuil. Dans l'histoire de la Ligue des Champions ici au Parc des Princes, il y en a eu quelques-uns mémorables. Alors, on n'est pas exhaustif, forcément, on a sorti quelques-uns. Moi, j'adore celui-ci. Ouais, il est beau. C'était face à Naples, parce que ça raconte... Moi, je me reconnais là-dedans, la filiation entre un papa et finalement ce qu'il donne à son enfant. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu celui contre le Bayern Munich également. Luffy. One Piece. Ouais, la petite référence à One Piece. N'hésite pas à leur donner une petite note entre 1 et 10, même si je me doute qu'elles vont tous avoisiner le 10. Il y avait le bateau de l'autre côté de Luffy. 10, ouais. C'était parce qu'il faut rappeler que c'est un travail de malade. Hein. À la mano, hein, des gars qui viennent faire des permissions à Auteuil. Vraiment, je veux leur rendre hommage ce soir. Il y avait face à Milan, tout récemment, c'était cette année, Belmondo. Et on se rappelle de la cible qu'il y avait de l'autre côté, parce que c'est souvent des compositions avec ce que tu ne dois pas faire derrière lui, évidemment. Malik, ça, voilà. Et enfin, on s'est fait un petit kiff. On a rajouté un peu le tifo qu'il faisait tout stade. Et ça, c'était face... Manchester City. Manchester City. Et ça, en fait, c'est parce qu'on ne pouvait pas venir. C'était en plein Covid. Ouais, je m'en rappelle. Et les Ultras, ils avaient fait tous les monuments de Paris. Ils avaient rempli le stade. Et encore une fois, un travail de malade. Toi qui connais, qui as déjà vécu des matchs en tribune au milieu des Ultras, déjà, qu'est-ce que tu penses de leur taf comme ça au quotidien? C'est incroyable. Et honnêtement, faudrait tirer un grand coup de chapeau à nos supporters parce que pour avoir fait beaucoup de déplacements et pour même devant la télé, quand tu vois ça, ils ont éteint beaucoup de stades en Europe. C'est clair, mais c'est en termes d'ambiance, en termes de bruit. C'est souvent le retour que font Même les étrangers te le diront. Ouais, mais je pense qu'on a vraiment les meilleurs supporters du monde en termes de ferveur. Donc ce soir, ça va être encore pire. Ouais, c'est encore significatif de tout l'amour des supporters. Il se passe un truc, il y a un vrai truc particulier avec le Paris Saint-Germain. Et moi, j'avais envie de faire une mention spéciale parce qu'on n'en parle jamais, mais ceux qui sont au tambour... Du côté d'Auteuil, c'est des chefs. La plupart des supporters qui viennent nous disent on a les meilleurs tambours d'Europe. C'est vrai. Mais parce qu'ils donnent un rythme de malade. Et même en déplacement, c'est vrai, dans les virages. Mais c'est un collectif, quoi. Oui, bien sûr. Moi, je me rappelle de même... je me rappelle à Old Trafford, à Liverpool, dans des stades anglais, au Celtic, en Italie, à Naples. Enfin bref, c'est incroyable. On a des super supporters. Malik, Ambre, on rentre dans le match. Ouais. Let's go, on va parler Ligue des Champions. Et du coup, on parle Ligue des Champions. Malik, si tu veux bien, on va se rafraîchir la mémoire parce que là, on passe aux choses sérieuses. Ouais. Les phases finales, mais on va revoir en image, vraiment en moins d'une minute, un shot, un condensé de toute la phase de groupe des Rouges et Bleus. C'est parti. We hit the town. We the rock, keep it real, we get.
Et le Paris Saint-Germain, tu le disais, en qualifié pour la 12e fois d'affilée pour un 8e de finale en Ligue des Champions. Coup d'envoi dans un petit peu plus d'une heure contre la Real Sociedad. Malik, on va revoir ensemble les résultats du Paris Saint-Germain et le classement de ce groupe F. On peut le dire, le groupe de la mort avec le Borussia Dortmund, le Milan AC, Newcastle. D'ailleurs, moi, naturellement, j'évoque le groupe de la mort. Mais est-ce que pour toi, c'était le groupe le plus compliqué de cette Ligue des Champions, de cette phase de groupe? Oui, je pense. Bien sûr, largement, avec le niveau des équipes qui était assez proche. D'ailleurs, on a vu que ça s'est joué sur la dernière journée. Avec un match incroyable de Warren Zaïre Emery. On aura l'occasion d'en parler. Exactement. Donc, ça a été le groupe le plus complexe. Et encore une fois, on en est sorti. Donc, pour une fois qu'on a. Enfin, non, je ne vais pas me porter l'œil. J'allais dire, on a eu un tirage. C'est ni le Bayern, ni City. Non, mais ça va. Ça fait 17 ans qu'on tire Bayern. Il n'a pas tort que pour un premier de groupe, parce qu'il faut rappeler qu'on est tombé en étant deuxième sur un premier de groupe, Real Sociedad. Exactement. Une équipe qui n'a pas atteint l'écart depuis, en tout cas, depuis une seule ans, fois. Depuis 20 ans. 20 ans. Sur le papier, c'est vrai que t'as pas c'est tort. C'est plus ou moins vrai. Et justement, là, quand on voit un petit peu là, les rencontres du Paris Saint-Germain, quel match tu retiens? Le match que je retiendrai, ça serait peut-être le premier avec PSG Dortmund qu'on a maîtrisé de A à Z. Et Warren homme du match. avec le magnifique but d'Achraf. C'était la nouvelle. C'est toujours particulier le premier match de Ligue des Champions de la saison, la nouvelle équipe, les nouvelles recrues, tout ça. Donc le PSG Dortmund, il a bien été maîtrisé. Ouais, c'est clair. Et puis là, ce soir, donc on l'a dit, on va se plonger dans les huitièmes de finale. On va regarder rapidement les affiches qui nous attendent. Alors hier soir, les ogres un peu se sont imposés. Le Real et Manchester City face au RB Leipzig, où Scheimans n'a pas démérité. Hein, et Copenhague. Aujourd'hui, jour de Saint-Valentin. Dans l'autre partie de tableau, c'est le Bayern qui joue. Et du coup, nous, on espère que ça va très bien se passer du côté de ces matchs. Allez, Marquinhos s'est exprimé sur ce tirage. Et après, on va te demander ton avis. Du coup, en effet, on va aller approfondir la Real Sociedad. Mais on écoute le capitaine. Ah non, je me suis trompé. Écoutez, non, c'est Lucas Hernandez qu'on va d'abord écouter, qui pardon évoque justement un petit peu, comme disait Malik, l'effervescence, la ferveur qui se dégage du Parc des Princes. Oui, Lucas moi. Hernandez, on l'écoute. L'ambiance, vraiment, c'est incroyable. Déjà, quand j'étais au Bayern et on venait ici me jouer contre le Paris Saint-Germain, c'était incroyable. Et le vivre en étant joueur du Paris Saint-Germain, c'est des moments magiques. Je pense que quand tu es sur le terrain et t'entends tous les supporters qui t'encouragent et qui sont derrière toi, ça te donne envie de continuer. Et c'est vrai qu'on a besoin d'eux, surtout dans ce moment-là qu'il y a pas mal de matchs qui vont s'enchaîner, des matchs très importants. Du coup, ils vont continuer à être notre joueur numéro 12. Et c'est un public extraordinaire et on le sent, en étant joueur, on le sent sur le terrain. En étant défenseur, quand tu fais un geste défensif, tu écoutes tous les supporters comme si c'était un but. Du coup, voilà. Ça te motive et ça t'encourage encore plus de continuer. Et non, on les entend. Bon, je peux vous dire qu'en étant sur le terrain, on les entend et c'est vrai qu'ils nous font un bien extraordinaire. Lucas Hernandez qui parle de ce 12e homme extraordinaire. Malik en vantait les mérites il y a quelques instants. On imagine Daniel Bravo qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Il va nous en parler aussi. D'ailleurs, si vous voulez vous poser vos questions, eh bien, vous pouvez le faire. Vous sortez vos téléphones et vous flashez ce QR code et vous pourrez lui poser toutes vos questions. On s'en fera le relais. C'est la tradition. On passe dans le vestiaire, Alexis. Ah, yes, et let's go. Malik, tu fais ce que tu veux. Soit tu restes avec nous, soit tu t'en vas. Malik, voilà. Tu restes avec nous. Et Malik, ça t'inspire quoi, ce vestiaire-là? Pas mal, hein? Maillot homme, déjà, magnifique. Pas mal. Très beau. Très beau maillot. Très, très beau maillot. Toi, tu te serais assis à côté de qui, alors, dans le vestiaire? Pas solaire, déjà, mais plutôt, je pense... des potes peut-être Ah tiens Zaïre Emery. Okay. Zaïre Emery pour lui donner de la force. De la force, de trois conseils. Des fruits, des fruits de l'eau. Vrai, Marquinhos, bien. Le capitaine, Kylian Mbappé aussi. Voilà, c'est une vraie chance qu'on vous offre de vous immiscer un peu dans le vestiaire. Les joueurs parisien. Sont arrivés. Ah, ça y est. Okay. On a la vue du drone. On vous laisse profiter de l'arrivée des joueurs et on vous retrouve tout de suite en plateau avec un autre invité spécial. À tout de suite.
Les visages concentrés et toujours la vue magnifique, vue du haut du Paris Saint-Germain. Comme on en a l'habitude, vous êtes donc toujours au Parc des Princes, vous l'aurez compris, toujours sur Kick-Off. On est un petit peu plus d'une heure du coup d'envoi de ce Paris Saint-Germain Real Sociedad. Et j'entends derrière, j'entends les mégaphones qui commencent à s'activer. J'entends les membres du collectif Ultra Paris qui commencent à garnir le Parc des Princes. Malik va être content, l'ambiance va commencer à monter ici au Parc. Et c'est l'heure d'accueillir notre invité. Malik, du coup, qui va rester avec nous. Il a décidé que Kick-Off, c'était son émission ce soir. Et vous l'avez compris, on accueille un nouvel invité, notre légende, Daniel Bravo. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, je suis content qu'il reste. C'est vrai? Ouais, ça me fait plaisir. Il lui disait qu'il était content que tu viennes. Tu vois. Exactement. Deux anciens joueurs? Deux anciens joueurs du club. Moi, je dirais que vous avez un seul point commun, c'est Rai. Tu nous en parlais tout à l'heure. Rai était ton idole absolue. Et toi, tu l'as côtoyé. Bien sûr, j'ai joué avec, avec lui, j'ai eu cette chance-là. Je parlais du rail, moi, pardon. Oui, rail. Ouais, mais rien à voir. Mais oui, c'était la musique qui m'était dans les écouteurs. Ouais, voilà, pardon, avant les parle du joueur, on aime bien aussi. Il était comment, rail, sur le terrain? Ah, c'était un super mec, ça, faut le préciser. Et sur le terrain, c'était un leader. Un leader, je me rappelle, il tirait les pénaltys, il a marqué des pénaltys importants, parce que pour ça, il faut du cran. Et c'est là aussi qu'on voit les leaders, parce que souvent les gens ne savent pas que tirer un pénalty, c'est pas facile. Et Rai, c'était un vrai leader, quelqu'un qui parlait pas beaucoup, mais qui montrait à l'entraînement, qui était toujours présent, à l'heure, très pro. Un super gars et un super joueur. Donc on était dans son sillage, disons. Un leader technique sur le terrain, tu l'as dit, Daniel. Bon, tu n'es pas inconnu ici, mais la coutume veut qu'on te présente quand même un petit peu. Tu as passé cette saison du côté du Paris Saint-Germain, près de 300 matchs, 26 buts, 24 passes décisives. Et puis, tu as un palmarès bien gagné ici. Hein. Tu as tout gagné. Et puis, voilà, tu as régalé les supporters et les habitués du Parc des Princes. Quand tu vois, là, je te vois très attentif à l'idée de redécouvrir un petit peu toutes ces images. Ça te fait quoi, Daniel? Bah, ça fait plaisir, hein. J'ai joué 7 ans à Paris, donc c'est mon club de cœur. Comme Malik. 7 ans, moi. De 1 à 8. Et voilà. Ah, celle-là, elle est belle. Malik, regarde. Facile. Oh là 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 là. Facile. Malik nous disait qu'il était tombé amoureux, malheureusement, du PSG lors du Steaua Bucarest. C'est un an après le départ de Daniel. Mais bon, 280 matchs, ça se respecte. Hein. Oui, ça, c'est une légende. C'est une légende du club. Ah ouais. C'est une légende. Ah, mais les jeunes, de toute façon, voilà, nous, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent découvrir ces images-là, qui sont vieilles. Mais disait Ibra, il y a eu une histoire. On a joué une demi-finale de Ligue des Champions. On a gagné la Coupe des Coupes avec Louis. Regarde tous les trophées en bas. On avait presque plus de place pour tous les mettre. Tellement il y en a. Bah, tu disais, voilà, tu étais un joueur qui a marqué ce club et ce stade. Tu fais partie des légendes du Paris Saint-Germain. Et justement, il y a une question pour toi des abonnés, des supporters. On va la découvrir ensemble. Daniel, si tu veux bien, la première question. Voici Doen Vincenti. Quel est ton plus beau souvenir au Paris Saint-Germain, Daniel? Bon, je vais dire la Coupe des Coupes, parce que on a enfin réussi à gagner quelque chose en Europe, alors qu'on a fait plusieurs fois demi-finale. On a toujours perdu au moins 5 fois en demi-finale. Et là, c'était accéder à la victoire. C'était quand même quelque chose qu'on méritait, je trouve. Donc pour moi, j'en ai plein, mais celui-là, ça reste quand même la première pierre européenne du Paris Saint-Germain. J'allais dire Malik, toi, justement, parce que Malik est un supporter parisien, mais qui vient du Sud. Ouais. J'imagine que, mine de rien, on a dû... Ouais, voilà, c'est vrai. Vous êtes deux. Mais voilà, mais on a dû te charrier pas mal, ouais, évidemment, sur l'Europe. Ouais, mais désolé, mais il y a des gars qui l'ont soulevé, l'Europe. Ils l'ont soulevé, et il y a eu... Non, c'est un souvenir incroyable, cette frappe d'Ngoti à ras de terre, comme ça, tu te dis, bon, ça y est, on passe un cap. C'était historique pour nous, donc... Malgré tout, on fait partie d'un des seuls clubs qui a une Coupe d'Europe. Ouais. On a tendance à l'aux grandes oreilles qui ne va pas tarder, je pense. Oui, ce n'est qu'une histoire de match ou de saison pour le Paris Saint-Germain. On se penche sur la rencontre. Ça va ? Allez, on s'intéresse à notre adversaire du soir. La Real Sociedad qui retrouve la Ligue des Champions pour la première fois depuis 10 ans et puis qui retrouve un match à élimination directe pour la première fois depuis 20 ans. La dernière fois, Malik, dis-toi, c'était en 2022-2023. Ils avaient perdu contre l'Olympique Lyonnais, donc voilà, on recherche toutes les ondes positives. La Real Sociedad, on va rappeler, même si on en a un petit peu parlé, qui a fini première de son groupe. Justement, Malik nous disait, sur le papier,
Sur le papier, c'est un bon tirage. Sur le papier. Sur le papier. Là, je demande l'avis de Daniel. Quand on regarde leur phase de groupe, contrairement à nous, il ne faut pas se mentir. Hein. Nous, on a eu notamment à l'extérieur des accros. On regarde le parcours de la Real Sociedad. Ils ont quand même 4 clean sheets sur leurs 6 matchs. 100% de matchs invaincus. Premier de leur groupe. C'est pas un adversaire facile sur le terrain ce soir. Non, mais le tirage est bon. Ouais. Quand il a lieu, il est bon. Parce qu'il y a City, il y a des monstres qu'il faut éviter, comme le Real. Donc là, on dit c'est bon. Mais ensuite, quand ça arrive, on sait qu'en face, c'est une équipe qui s'est qualifiée, qui est solide, qui est compacte, qui a des bons joueurs, qui n'a pas de stars, mais qui prend peu de buts. En ce moment, ils sont quand même dans une période où ça fait 4 matchs qu'ils n'ont pas marqué. Donc on souhaite que ça dure. C'est une passée là qui fait. Hein. Et disons que c'est une équipe quand même qui sait faire déjouer l'adversaire, qui va mettre des coups, je pense, qui va faire un vrai match de Ligue des Champions. Donc il faut que notamment au milieu, Paris soit costaud. Aujourd'hui, après, devant, je fais confiance, devant, ça peut être magique pour les Parisiens qui ont vraiment des atouts assez incroyables. Et ben ouais, mais surtout on va s'en rendre compte, hein, t'en parlais un petit peu de la dynamique depuis la reprise de la partie de saison en 2024, et puis tu évoquais la force de frappe offensive du Paris Saint-Germain. 8 matchs en 2024, 7 victoires, un seul nul, c'était contre Brest. Ici, quand on regarde un petit peu la Real Sociedad qui épatait la planète foot en Europe en 2023, ça allait un petit peu moins en 2024, mais Daniel, je suis obligé d'abord, le premier professionnel, après je me retournerai vers le deuxième professionnel de cette table. Quand on a une très bonne défense qui affronte une très très bonne attaque, qui a l'avantage au point ? Mieux vaut avoir la meilleure attaque ou la meilleure défense, selon toi ? On ne peut pas dire que Paris ait une mauvaise défense. Après, ce qui m'intéresse, c'est de voir que sur ces matchs de Ligue des Champions, on se transcende. Peut-être qu'on va voir un visage défensif aujourd'hui du Paris Saint-Germain qu'on ne connaît pas forcément. Ils l'ont déjà prouvé, surtout ici au Parc des Princes. Donc il y a un état d'esprit sur ces matchs importants qu'on n'a pas forcément en championnat. Donc ils peuvent avoir une solidité nouvelle ou retrouvée avec toujours ce potentiel offensif. Donc je pense que le plus dur en football, c'est de marquer des buts. Non, on en marque la preuve. Hein. Voilà, mais 27 en 8 matchs là. Paris a l'avantage pour moi. Parce que le plus dur, c'est de marquer des buts et Paris, le fait très de ce bien, côté-là, ouais. ça fait rêver. Et Malik, surtout, ici à domicile, si on compare un peu les phases de groupe, à domicile, c'est vrai que c'est là où on capitalise, c'est là où on réussit à gagner, c'est là où on marque des buts. Exactement. C'est vraiment ce soir, entre guillemets, que ça va se jouer pour toi ? Ça va se jouer, non, il faut faire attention parce que sur le retour aussi, on a bien vu par le passé qu'on avait du mal à l'extérieur. Ceci est un déni. Mais il faut que ce soir, on frappe fort. Et je suis assez confiant, surtout quand je vois le match contre le LOSC. Ouais. On a fait une super prestation. Brest, ouais. Bon, on a été. Les adversaires qui ressemblent un peu hein, dans la configuration. Oui, à Lens, les derniers matchs sont bons. Et Paris a rassuré, disons, sur ces matchs-là, face à des adversaires de haut niveau. Donc, il faut être confiant. Je pense qu'ils le sont. Il ne faut pas prendre l'adversaire à la légère. Ils ne vont pas le faire. Donc, je suis sûr qu'on va avoir un grand match aujourd'hui. Malik, t'as kiffé, toi, Lille ? Ah, moi j'ai kiffé Lille, j'ai kiffé l'état d'esprit. Ouais. Là il y a Kylian qui rentre dans l'équipe en plus ce soir, donc il y a une arme. Luis Enrique avait fait une très très grosse gestion. 8, exactement. 8 joueurs qui avaient tourné. Exactement, donc là ils vont être frais. Je pense qu'on va vraiment presser, les attaquer assez haut. Et on va gagner avec 2-3 buts d'écart, c'est ce que me disait Daniel. Et ben on va écouter le capitaine parisien Marquinhos à l'annonce justement du tirage au sort pour ce 8ème de finale aller face à la Real Sociedad. Déjà, c'est un adversaire qui vient dans un très bon moment. Ils ont eu une phase des groupes aussi difficile avec des bons adversaires. Ils ont fini premier. Je pense que ça montre leur valeur, ça montre comment on doit se préparer pour être en forme hein, pour ce match-là. Et je pense que voilà, d'ici jusqu'à cette rencontre, on a beaucoup de choses qui vont se passer. Notre équipe est en train de grandir, de bien travailler, d'évoluer. Et nous, on sera prêts pour affronter cette équipe de Real Sociedad quand ça arrive le moment. Et voilà, mais le plus important, c'est vraiment d'être performant et faire un bon résultat. On va avoir deux matchs très importants comme des finales pour nous. Et ça sera très important d'arriver en forme dans ce moment.
Le capitaine Marquinhos qui le dit, c'est la première fois de notre histoire en match officiel qu'on affronte la Real Sociedad. On parlait notamment du milieu de terrain, Daniel nous l'introduisait. Et Malik nous disait, eh bien, qui kiffait vraiment Warren Zaïre-Emery. Donc je vous propose, les garçons, qu'on aille au milieu de terrain, nous pencher sur Warren Zaïre-Emery. Il a déjà été élu deux fois homme du match. On regarde ses stats. 17 ans cette saison, déjà 3 buts et 6 passes D. On va zoomer sur la Ligue des Champions. Warren, qu'est-ce que ça donne à 17 piges? Eh bien, plus jeune joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain a joué un match, a marqué un match. Le plus jeune de l'histoire de la Ligue des Champions a fait deux passes sur un match. Le plus jeune titulaire de l'histoire de la Ligue des Champions. L'image qu'on voit au milieu, c'est son trophée d'homme du match. Il en a déjà deux sur cette phase de groupe. Il a fait deux passes des un but. Malik, je vois, ça t'inspire, t'as envie de parler de Warren. Non, mais c'est incroyable pour quelqu'un qui fait pipi au lit encore. Je me dis, c'est... Non, mais c'est fou d'avoir ces stats-là. On a un bijou et c'est pour ça, je pense aussi que le club et les dirigeants veulent mettre en avant la formation. Et avec le magnifique centre d'entraînement qu'on a, je pense qu'il y a de plus en plus de Warren qui vont arriver. Daniel, d'un petit prince à un autre du Paris Saint-Germain, quand on voit tout ça, c'est un phénomène de précocité. C'est lui qui offre le but de la qualification contre Dortmund en 8e de finale. C'était certainement l'un des joueurs les plus importants dans cette phase de groupe, Warren, et il n'a que 17 ans, il aura 18 ans dans deux semaines, quoi. Ouais, il est très précoce, c'est un joueur assez extraordinaire. Parfois j'ai envie de dire c'est un peu dommage qu'on doive compter sur un gamin comme ça pour tirer un peu notamment le milieu vers le haut. Il faut que les autres prennent leurs responsabilités, parce que c'est vrai qu'il est exceptionnel, mais il faut aussi que les autres montrent qu'ils peuvent être des leaders, et que lui, il ne faut pas trop lui mettre de poids sur les épaules. T'inquiète. Pour l'instant, il a géré la pression, il la boit. La pression, il la boit. Avec d'ailleurs, modération. Exactement, toujours, évidemment. On aime bien avec humilité en plus. Voilà, c'est vrai, avec énormément d'humilité. Lui, l'âge. Lui non plus, on ne lui en parle pas. On aime bien en Ligue des Champions faire des petits duels à distance. Du coup, on a été pioché sur quelqu'un qui fait partie aussi du cru de San Sébastien de l'autre côté. Au milieu de terrain, Zubimendi, on a essayé de comparer un peu les stats des uns et des autres. Alors, il faut voir quand même que Warren, il a 8 matchs de moins. 8 matchs de moins que Zubimendi. Mais il a été décisif à 9 reprises contre 5 pour son acolyte. 59 occasions créées. Et c'est là où je m'arrête un petit peu, les occasions créées, c'est les décalages qu'il fait, sa résistance dans les duels. En fait, on a l'impression que Warren progresse de match en match. Moi, il me surprend personnellement. Non, il est monstrueux. On voit qu'il a un centre de gravité en plus très bas. Il est solide sur ses appuis. Le mec, c'est un box-to-box. C'est comme ça qu'on dit à l'anglaise. Mais il est aussi bon défensivement qu'offensivement. Et on ne pensait pas qu'il allait mettre autant de buts et être aussi décisif très tôt. C'est impressionnant. Malik, il peut venir bosser à Bine avec nous. Hein. On va l'embaucher. Hein. Ouais, non, mais tu préfères être ici ou tu préfères être dans les tribunes, Malik? Non, dans les tribunes. Et bon, tu vois, il veut même pas rester ça avec plaisir. Nous. Ça fait plaisir. Il connaît bien, il en parle bien, c'est super. Et Daniel, est-ce qu'il préfère être avec nous sur le terrain? Évidemment, il va nous dire sur le terrain. Donc, personne ne veut de nous pour la Saint-Valentin. C'est parfait. Merci, les gars. Mais ça ne nous empêchera pas de vous faire honneur. Daniel, on a ressorti toi aussi un petit peu de souvenirs des tiroirs, de tes exploits, de tes soirées européennes ici. Et tandis qu'on va beaucoup regarder ces images, et ouais, il y a eu quelques belles soirées, ça m'amène à te demander, la Ligue des Champions, c'est quoi qui fait la diff dans ces soirées européennes? Que ça nous inspire pour ce soir? La VAR. Non, je ne vais pas parler du match d'hier. Parfois, c'est la chance, mais la chance, elle se provoque. Et ce qui fait la différence, je pense, c'est l'union. Le talent ne suffit pas, on le voit avec les grandes équipes. C'est l'esprit collectif, c'est être ensemble, c'est ne rien lâcher. Et il n'y a que comme ça qu'on fait des grandes choses. Mais ils savent le faire, donc j'ai rien à leur apprendre. Et puis ils ont un entraîneur qui a déjà gagné la Ligue des Champions avec le Barça. Donc il a les ingrédients pour ça. Et justement, Daniel, on va jeter un œil un petit peu à ton palmarès. On disait vraiment très bien garni. Tu as près de 5 trophées ici avec le club de la capitale, un championnat, une Coupe de France, 2 Coupes de la Ligue, une Coupe des Coupes. Lequel était le plus compliqué à aller chercher selon toi? À l'époque, c'était le championnat. Le championnat, parce qu'il y avait le Marseille de tapis et c'était très compliqué de pouvoir gagner. Je pense qu'on avait l'équipe pour en gagner plus, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Mais voilà, tous les titres sont durs à aller chercher, mais en général, un championnat, comme c'est de longue haleine, c'est un vrai marathon. C'est plus compliqué. Je peux dire qu'on avait plus une équipe de coupe. Quand on voit le palmarès, on se dit une équipe de coupe. Ouais. Bien sûr. Alors, on a une question. On me dit des supporters pour Daniel. Allez, on va tout de suite la poser. On ne va pas perdre de temps. Med,
Ah bah, on pourra la poser aussi à Malik. Ah ouais, l'oracle. Qui seront les buteurs selon toi ce soir? Déjà, on n'a pas la compo encore. Les attaquants, je veux dire, Barcola, Mbappé et Dembélé. Ah, donc tu vois 3 buts. Ouais. Ok. Allez. Au minimum. Au minimum. Kylian, je pense. Et Barcola, je suis assez raccord. Et moi, je vais rajouter une petite variante. Allez, c'est l'anniversaire de Lucas Hernandez. Donc, Lucas Hernandez. Quel faillot. Voilà. Mais bien vu. Bien vu, les gars. Et toi, j'ai envie de te dire, parce qu'on va devoir te libérer, Malik, ouais. On va aller... Bah, je vais aller m'entraîner, je vais aller m'échauffer, surtout. Ok. Bah, non, il t'attend. Mais ouais, j'avais envie de te demander, avant qu'on te libère, si toi, tu avais une question à poser. Là, je te prends de court, mais en même temps, tu m'as volé ma place. Ah, Daniel. Est-ce que tu as une dernière question j'ai à poser? J'ai une question, Daniel. là, tu mets ton costume de directeur sportif du club. Si tu devais emmener un joueur au Paris Saint-Germain la saison prochaine, ça serait lequel? Waouh. Ça dépendra des départs. Je vais vexer personne. Je ne sais pas, comme ça, c'est difficile, c'est un difficile joueur à dire. Qui fait en Europe à l'heure actuelle? Ben, malheureusement, il y a beaucoup de joueurs de City, notamment. Je pense qu'un Rodri à Paris, quand on pense quand même que ça a toujours été compliqué depuis le départ de Thiago Motta, un Rodri au Paris Saint-Germain, je pense que ça stabiliserait pas mal les choses. Ouais, bonne réponse. Je vais dire qu'on reste avec tout le monde parce que t'es avec nous là. Je vois que t'es okay. Bien. De toute façon, on est bientôt en fin d'émission. Le match, il a démarré. De toute façon. Ouais, non, mais. On a commencé à 18h. Malik, il a envie de rester. On a envie qu'il reste. On va pas tarder à découvrir dans quelques secondes la composition du Paris Saint-Germain. On va d'abord découvrir les joueurs indisponibles pour ce soir. C'est la tradition. Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Milan Skriniar et Lee Kang-in qui revient de la Coupe d'Asie, qui est pas encore dispo, mais qui ne mais saurait il y a combien être. De Coupes d'Asie? Il était parti, il était revenu déjà. Non, oui, il y avait la Coupe d'Asie et la Coupe d'Asie des Nations. La Coupe d'Asie des Nations, c'est ça. Et là, il n'est pas blessé. Non, il est malade. Non, il n'est pas blessé. Il y a aussi peut-être une gestion. Voilà, il y a eu beaucoup de déplacements. Il y a eu une embrouille autour de la table de ping-pong. J'ai vu ça dans les. Ouais. Allez, il est temps de parler de la compo. Et on commence avec le poste de gardien de but. Ce ne sera pas Malik Bentala, mais évidemment Didio Donnarumma dans les buts parisiens. Ah ouais, non, parce que ce n'est pas le meilleur défenseur de la capitale. Au poste de latéral droit, ce sera Achraf Hakimi ce soir. Ah yes. Le capitaine, le numéro 5 en défense centrale, Marquinhos. À ses côtés, le soldat portugais, Mario Danilo Lépes. Pereira. C'est une petite surprise au poste de latéral gauche, Lucas Beraldo. On en a parlé, le petit prince du Parc des Princes, Warren Zaïre-Emery, titulaire ce soir. Il revient doucement, mais sûrement dans l'entrejeu parisien, Fabian Ruiz est titulaire ce soir. Lui aussi a déjà été élu homme du match en Ligue des Champions cette saison, Vitinha est titulaire. Et quel trio! Quel trio! Évidemment, le numéro 10, on aime tous ses dribbles chaloupés, Ousmane Dembélé. L'ambiance commence à monter. Ce soir, il a fait forte impression. Il est titulaire ce soir pour la deuxième fois en Ligue des Champions consécutive, Bradley Barcola. Et à votre avis, qui? Qui d'autre? Que le numéro 7 pour compléter ce 11 de départ, Kylian? Mbappé, bien sûr. Alors on l'a dit, Luis Enrique nous fait des petites surprises et des petites feintes à chaque composition, les gars. Je vois la tête évidemment de Malik Bentala qui est toujours avec nous. Ce soir, il y a de la surprise, de la fraîcheur, de la jeunesse. Et Daniel en parlait, par contre, on l'attendait, ce trio, Barcola, Mbappé, Dembélé. Oui, c'est un trio qui fonctionne très bien. Et évidemment, on l'attendait, il est là et je pense qu'ils vont répondre présent. Il y a beaucoup de vitesse, il y a beaucoup de décalage créé sur les côtés par Barcola et par Dembélé. Et Kylian qui est super complet, donc on ne va pas parler de Kylian. Je pense qu'il y a les moyens de mettre le feu ce soir. Tu veux parler de Kylian ou de Bradley? On a les stats des deux. De qui voulais parler? Non, Daniel me disait qu'il était dégoûté que Hernandez ne joue pas hors antenne. Mais j'ai dit qu'il allait marquer un but et il ne joue pas. Je suis un peu... Bon, c'est pas grave, Daniel, c'est un bon coéquipier, t'es sûr que tu veux toujours être son coéquipier à... Non, mais Beraldo va faire le taf. Alors ouais, du coup, titulaire, il a dit on parle pas de Kylian, mais Kylian, il a quand même des stats de dingue en Ligue des Champions, ça mange pas le pain de le rappeler. D'ailleurs, sur les 3 matchs qu'on a disputés cette saison au Parc des Princes, Kylian a marqué sur les 3 à domicile.
Et ouais, 67 matchs, il a été décisif plus de 67 fois. Mais on peut parler également de Bradley Barcola, parce que tout à l'heure, vous en parliez tous les deux, la jeunesse. Regardez, 8 titularisations sur les 11 derniers matchs. Il a été décisif à 3 reprises sur ses 3 dernières apparitions. Bradley, on ne l'attendait pas forcément dans un rôle de titulaire, on ne va pas se mentir, mais ça fonctionne. Oui, c'est vrai qu'il est jeune. Comme il y a Colomuani qui joue moins, ben il a su prendre la place de Colomuani, ce qui n'est pas rien, qui est international français. Barcola, il montre beaucoup de personnalité, c'est ce que j'aime. Il prend ses responsabilités, il va fixer l'adversaire. Chaque fois qu'il a le ballon, il va de l'avant. Et c'est là qu'on voit le grand joueur. Il n'a pas peur, il prend des risques, il sait marquer des buts. C'est un joueur magnifique et c'est vraiment un joueur pour le Paris Saint-Germain. Malik, je voudrais que tu retires la casquette de consultant et que tu enfiles celle de supporter. Quand tu as appris le transfert de Bradley Barcola pour le Paris Saint-Germain, est-ce que tu t'attendais à une adaptation aussi express de ce jeune joueur ? 6 mois en pro. Hein. Ouais, pas du tout. Je pensais vraiment que ça allait lui prendre une saison d'adaptation parce qu'on parlait de rail tout à l'heure. C'est justement, c'est ça. Il a mis une saison à s'adapter. Et là, je pense que Luis Enrique l'a vraiment, vraiment mis petit à petit comme il fallait. Il lui a fait faire les bonnes entrées au bon moment. Et là, ça devient un titulaire. Et je pense que Kylian, en neuf, je pense qu'il va se réinventer. Et d'ailleurs, on voit ses stats, ça lui va bien. Et puis, on a vu les 30 dernières minutes qu'il a faites face au LOSC. Mais il en parlait, il a vu le match face à Lille. On a les stats. La petite accélération. 28 minutes exactement. Et il a réussi des stats de ouf, 2 tirs, 2 dernières passes, 1 passe D. Alors, la question piège, la question à 1 million d'euros, vous le préférez en tant que titulaire ou en sortie de banc, Daniel ? Titulaire, bien sûr. Ouais. Titulaire, évidemment. Mais tu sais, c'est une bonne question parce que je vous propose d'aller voir le banc des remplaçants ce soir. Alors oui, il y a du lourd sur le banc des remplaçants du Paris Saint-Germain, mais tu sais pourquoi c'est une bonne remarque ? Daniel, 13 de nos joueurs en sortie de banc ont été décisifs cette saison. Contre Brest, Gonzalo Ramos, il rentre, il marque. Et c'est vrai, contre Lille, eh bien Bradley Barcola, il rentre, passe D. Et là, on voit ce soir, Ugarte, Ramos, Asensio, Hernandez, Colomboigny, Mukiele, Soler. Et attends, mais même Mayulu. Ouais. Mais même Mayulu, il est rentré, il marque. Eh oui. Mais c'est pas ça la force, tu parlais d'Ulis Enrique tout à l'heure, de réussir à faire que tout son groupe soit décisif. Oui, ben la force d'une grande équipe, c'est d'avoir aussi un effectif, pas seulement une 11 titulaire. C'est le cas de Paris, mais aussi j'ai envie de dire que quand ceux qui rentrent ont la chance de briller, c'est aussi parce que ceux qui étaient avant ont fatigué l'adversaire, ont su les mettre à mal, et finalement les joueurs frais profitent de ça aussi. Alors, le gars en sortie, bon, ah, vas-y. Il y a deux choses aussi qu'il faut préciser, c'est qu'on est quasiment au complet. Ouais. Ça a rarement été le cas. Ah, c'est vrai. Et on a un banc. Mais tu vois qui est décisif en sortie de banc ce soir ? Je pense qu'un Gonzalo Ramos, il enchaîne. Ouais. Et quand il rentre, il n'est pas mal. Asensio en 2024, ces derniers temps, qui est vraiment pas mal, qui peut jouer aussi, qui a un rôle un petit peu hybride. On revoit les remplaçants. La dernière fois que Gonzalo il est rentré dans un match de ouf, Marseille, et il te met un doublé. Pourquoi pas, ça pourrait être de bonne augure. On est à quelques minutes de rendre l'antenne, on est à 3/4 du coup d'envoi. On va jeter un œil quand même à la composition de la Real Sociedad. Je sais que vous suivez aussi tous les matchs des adversaires du Paris Saint-Germain, avec le retour d'Amari Traoré, retour de la CAN qui sera titulaire, qui connaît bien aussi le Paris Saint-Germain. Malheureusement. Du Rennes, Romain, le Normand, hein, le Français, et puis aussi le Bryce Mendes. Là comme ça, Daniel, je sais que tu suis beaucoup la Liga et que tu suis beaucoup la Real Sociedad. Quel est peut-être le joueur à suivre dont il faut se méfier parmi ce 11-là? Il est blessé. Oui, Oyarzabal, non, il est sur le banc, mais il y a Bryce Mendes. Bon, ça, je pense que c'est une bonne chose pour nous. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de stars dans cette équipe. C'est un collectif, encore fois, un collectif fort. Je pense au milieu qui est très bon. Hein. Zubimendi, Bryce Mendes, Merino. Encore une fois, ils sont très agressifs. Et c'est là où Paris devra répondre aussi sur le plan de l'engagement. Mais j'ai pas de joueur particulièrement à ressortir. Oyarzabal, c'est vraiment le leader de cette formation qui ne joue pas, ça c'est une bonne chose. Mais c'est surtout un collectif fort. J'ai pas envie de ressortir un joueur spécialement. Tu sais mieux que nous ce que c'est qu'être sur le terrain avec ce public. Il nous en parlait tout à l'heure, Malik, notamment les ultras qui préparent un tifo. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce 12e homme, ce soir, Daniel ? C'est le parc déjà. C'est le parc, c'est magique. Les supporters sont géniaux. Et je me rappelle de grands matchs contre Parme à l'époque. En Coupe d'Europe, tous les matchs de Ligue des Champions, le Real Madrid, ils nous ont portés, ils nous ont aidés à nous transcender, et avec on ne sent plus la fatigue sur la fin de match quand ça pousse comme ça. Faut le vivre pour savoir ce que ça fait, et c'est magnifique. Du coup, on va laisser Malik retourner avec eux, avec les autres. Il est chaud.
Avec plaisir. Le mot de la fin, les garçons. Allez Paris. On vous souhaite un bon match. Allez Paris, ouais, on est à fond. Et n'oublions pas qu'il y a un match retour aussi. Exactement. Donc, c'est sur deux matchs. Minutes, ouais, c'est vrai. Merci à merci tous les deux. À vous. En tout cas, merci Daniel, Kamala. Merci à vous. Malik pour cet avant-match unique. Invité. C'était magnifique. Merci il beaucoup. Peut tout faire. Merci à moi. Alexis, dans 45 minutes exactement, le coup d'envoi. On vous souhaite à tous une très belle soirée. Ils l'ont dit. Allez Paris. Ciao. Bon match.
Bonsoir à tous, c'est Arsène, ravi de vous retrouver sur Twitch et YouTube du Paris Saint-Germain. Ce soir, vous le savez, 8e de finale aller du Paris Saint-Germain contre la Real Sociedad. Pardon. Contre la Real Sociedad au Parc des Princes. Et on sera avec des invités pour commenter ce match. Donc restez à l'affût. Le temps pour nous de vous diffuser quelques sujets sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Et on vous commentera le match. On répondra à toutes vos questions dans quelques instants avec bien évidemment Trif Makonda et deux invités. A tout de suite. Ça fait plaisir, avec une bonne énergie, une bonne humeur. Hay que quitar el balón lo antes posible, cosa muy difícil, lo sabemos, y hay que intentar perder el balón lo menos posible, cosa también muy difícil. No olvidemos que la Real es uno de los equipos, creo, en Champions que menos goles ha encajado y es un rival que no regala el balón y que cuando presiona lo hace de manera agresiva y con muy buen nivel. Uno de los mejores equipos, sin ninguna duda, de la competición, por eso se clasificó como primero. Y se clasificó como primero en un grupo en el que estaba el finalista de Champions. O sea que ya el nivel lo tienen y eso es una evidencia.
We'll be right back.
Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch et YouTube du Paris Saint-Germain. Messieurs, aujourd'hui, 8e de finale de Ligue des Champions entre le PSG et la Real Sociedad. On est en belle compagnie, trippy comme d'habitude, mais surtout, Sacha et Moss, comment ça va, monsieur? Bah écoute-moi, ça va. Et vous? Tranquillement. Ça va. Toujours heureux d'être ici, hein, vrai, hein, pour un 8e de finale aller de Ligue des Champions, incroyable. Non, pas mal, on est bien. Et puis on dirait Usher au Super Bowl avec son micro comme ça là. Messieurs, donc on sera en live sur Twitch et YouTube pour répondre aux questions des abonnés sur la chaîne Twitch du Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, bien sûr, on va commenter cette affiche de Ligue des Champions, ce 8e de finale. Tout de suite comme ça, comment vous sentez cette rencontre de Ligue des Champions? Moi, pour être honnête avec toi, je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de venir, parce que je suis stressé. Et c'est une Ligue des Champions, ça veut dire normalement ce genre de match, je te jure, même au stade, j'y vais pas. Oh, parce que je suis trop stressé, je te jure. On va vibrer ensemble, en vrai, c'est cool. Ah, c'est dur, hein. Non, franchement, ça va, c'est le premier 8e de finale. En plus, le premier match, il est à domicile, donc forcément, ça, c'est aussi une saveur particulière avec les supporters qui m'ont donné de l'avant. On sait, que ce soit Tifo, que ce soit les fumigènes qui m'ont faire péter, mais c'est toujours intéressant de revenir avec la Ligue des Champions. Messieurs, j'ai été un peu rapide dans l'introduction parce qu'on est déjà dans le thème de la Ligue des Champions, mais bien sûr, avec nous, Moss, qui est bien sûr freestyler, encore un petit peu quand même freestyler. Oui, ça restera toute ma vie, voilà. De toute façon. De toute façon, je m'appelle Moss Freestyle. Voilà. Quoi qu'il arrive, ça restera. Créateur de contenu, t'étais dans la S3 également avant, ça fait un nombre de shows, je pense, incalculable. Par là-bas, c'est la maison mère. C'est la maison mère. C'est l'école. Tu vois, dans le freestyle, ouais, c'est le PSG. Fontaine, quoi. C'est le PSG. C'est Claire Fontaine. Non, c'est clair. Non, c'est le PSG. Ah. Tu vois, moi, il n'y a pas l'INF. c'est le PSG, moi. Alors, en plus, ça, t'as fait du foot aussi à un bon niveau en régional, c'est ça? J'ai fait jusqu'à 16 NAS à Drancy. Ok. C'est bien ça. Et après, je vais pas mentir, hein, croyez pas, je vais vous dire les croisés, je sais pas quoi. Il y a le freestyle qui est arrivé. Ouais. J'avais fin de ballon au foot, on garde pas beaucoup la balle. D'accord. En plus, tu faisais pas de passe genre à Drancy? Si, mais je suis arrière gauche. Ouais, faut t'en rendre. Je suis arrière gauche et moi je kiffe avoir la balle. D'accord. Je crois que les latéraux, c'est qui touche le plus le ballon dans un match en plus. Vous avez des stats comme ça? Bah, pas il y a 10 ans. Pas mal. C'était pas encore les. C'était pas Nuno. Voilà. Je vois que le foot à 11. C'est vrai que le foot à 11, tu touches pas plus de 2 minutes. Bah ouais, c'est ça. Le ballon dans un match, donc forcément, tu cours sans ballon et quand t'as forcément envie de toucher le ballon. Forcément, c'est compliqué. Bah, soit tu fais du futsal, soit tu fais du freestyle. Ouais, nous, on a beaucoup fait de futsal. Ouais. Et le freestyle, quand ça arrivait, on a regardé en mode frère, c'est incroyable. Ouais, vous avez raison. Moss, du coup, on est sur la chaîne du PSG. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire avec le Paris Saint-Germain? Des petites anecdotes? Peut-être que tu as fait des shows de freestyle au parc? Je sais que tu as déjà fait pas mal de choses comme ça. Je vais te dire un truc. Mon tout premier show en tant que freestyler, c'était pour les 40 ans du club, je crois. Genre, j'avais le maillot. 2010. Ouais, j'avais le maillot avec le doré autour, ouais. En fait, il y avait un concours fait par le PSG en mode faites une vidéo qui nous montre que vous aimez le PSG. Et je dis écoute, je vais la faire la vidéo. Je fais vidéo tout ça avec Annie. Ok. Et je gagne et je me retrouve à faire un show au parc et tout. Et c'est un souvenir de fou. Mais sinon, le PSG, ça remonte à trop longtemps pour moi. Belle anecdote en tout cas. Franchement, c'est le genre d'anecdote qu'on n'entend pas tous les jours. Ouais. Sacha, toi, pareil, non? Ouais, pareil, moi, pour Paris depuis que je suis tout petit. Vidéo pareil. Pareil, freestyle. Moi, je m'appelais Sacha Freestyle de base, mais j'ai changé. Non, vraiment, au parc depuis que je suis tout petit, mon père, il était au parc tous les week-ends et pour toute la Ligue des Champions. Même, il me raconte souvent le 4-1 contre le Real avec la tête de Camboire, il m'en parle tout le temps. Donc, c'est lui qui m'a transmis cette passion et depuis, on suit le PSG à fond. T'as suivi Trippi un peu sur le terrain? Je m'en rappelle de Trippi sur le terrain. Et alors? Pas fou, hein. Et moi, je suis meilleur sur les jeux vidéo. Hein. Oh là là, genre quoi comme jeu? FIFA FM. Ah, il paraît que c'était. C'est sûr que je vais avoir Ballon d'Or après. En réalité, bon, voilà, il peut y avoir des complications, mais. Tu joues avec toi-même des fois? Non, moi j'ai arrêté. Des fois, ça prend la tête. Des fois, je joue jusqu'à 5h du matin, tu dors plus. C'est vrai. J'avais entraînement le lendemain, tu peux pas après. Ouais, ça fatigue. Ah, tu peux pas. Sur le chat, on dit directement pronostic 2-0, victoire du PSG, but de Mbappé Vitinha. On y reviendra juste après sur les pronostics. On va faire un point sur cette rencontre de Ligue des Champions, bien sûr, très 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 importante parce que Ligue des Champions, t'as que le match aller, match retour, donc forcément, t'as pas le droit à l'erreur. Les premiers matchs de Ligue des Champions ont eu lieu hier avec victoire de City et du Real Madrid. Vous avez regardé un petit peu? Ouais, moi j'ai regardé celui du Real. Ouais. Pareil. Et ça aurait pu faire match nul. Ça aurait dû. Après, c'est mon point de vue. Ouais. C'est mon point de vue, mais ça aurait dû faire match nul. Mais bon, après, c'est le Real en Ligue des Champions. Hein. Ouais, même s'ils sont pas forcément dans les meilleures conditions, c'est vrai que souvent ils arrivent à et là, obtenir leur beaucoup de monde. Hein. Ouais. Il leur manquait vraiment beaucoup de monde. Là. L'historique entre le PSG et la Real Sociedad, messieurs, est-ce que vous savez un petit peu ce qui s'est passé?
Je suis même pas sûr qu'ils aient joué ensemble. Voilà, il n'y a pas eu de match officiel, il y a eu des matchs amicaux. Il y en a eu justement 4, mais ça date vraiment en 83, 86, 86, 89. Oh, c'est pas un projet, moi. Je peux même pas donner un joueur de l'équipe du PSG 83. Ah ouais, c'est vrai que pour moi, ce sera compliqué. Par contre, j'ai une anecdote, c'est que Trippi a déjà joué contre la Real Sociedad. J'ai suivi un peu un live il n'y a pas longtemps. Mais est-ce qu'il a gagné? Non. Aïe, 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 c'était la question qu'il fallait pas poser. J'ai perdu. Ah bah, j'ai perdu 1-0, Sarsen, qui l'a mis avant-hier. Son truc. Non, parce que j'ai voulu à Brest. On a fait un match amical, on a fait un aller-retour. Donc on est parti le jour même, on est rentré le soir même. Et on a joué contre la Real Sociedad parce qu'il y avait Montagnier là-bas. Philippe Montagnier, qui est entraîneur, qui connaissait bien Alex Dupont. Donc on a fait un match très plaisant. Il y avait Carlos Vela qui était là-bas. Oh, ok. Il y avait, c'est tout, et Griezmann. Voilà. Ouais. Parce que j'ai changé mon maillot avec Griezmann. Voilà, c'est ça que j'avais Griezmann qui était rentré, j'avais vu. Je l'ai toujours mis abîmé à cause de la machine, j'ai envie de pleurer. Ah ouais. Par contre, c'est terrible comme situation. T'imagines, t'as fait l'aller-retour dans la journée pour perdre. Moi, ça me ferait trop mal. Le retour, il est long. Hein. Le retour, il est long. Il est long. Ah, reste en avion, donc ça va, tu vois. Mais... Bon, y a une heure de plus, le retour. Comme un certain vol. L'ambiance, elle est morose dans l'avion, où personne ne se parle. Messieurs, la forme de la Real Sociedad, c'est une équipe qui est quand même sur un parcours assez dingue en Ligue des Champions. Invaincu dans son groupe, premier de son groupe également devant l'Inter Milan. Par contre, leur forme en championnat, c'est pas vraiment la même. Ils ont très bien commencé le début de saison, la Ligue des Champions aussi, mais là ils sont dans une méforme, on va dire, pas forcément une méforme, mais dans une un peu moins bonne forme qu'au début de saison, avec notamment une 7ème place pour l'instant en championnat, une série de 4 matchs sans victoire et sans inscrire le moindre but. Il y a pas mal de blessés également du côté de la Real Sociedad. Est-ce que vous avez suivi un petit peu ça, ou vaguement, ou... J'ai suivi vaguement, mais moi je pense qu'on peut pas comparer la Liga et la Ligue des Champions, tu me dis si je me trompe, mais en tant que joueur, ils peuvent être un peu en baisse de régime en Liga. Mais là, c'est une autre équipe que Paris va affronter ce soir. C'est pas la Real Sociedad de la Liga, c'est la Real Sociedad de la Ligue des Champions. J'ai cru que la Real de Madrid. Et la Real Sociedad en Ligue des Champions, ils sont très forts, donc quand même, faut se méfier, moi, je pense. De ouf. Non, mais après, ils ont terminé premier de leur groupe, donc c'est pas pour rien. C'est une équipe qui prend peu de buts. Là, sur les 4 matchs, t'as dit, ils n'avaient pas gagné. Ils ont pris qu'un but. C'est contre Osasuna, c'est le dernier match qu'ils ont. Ah, mais s'ils en ont pas mis, ça nous va aussi. Non, mais même s'ils en ont pas mis, c'est que tu sens que quand même ça défend bien. Parce que le seul but qu'ils ont pris, c'est contre Osasuna et c'était ce. Non, mais c'était contre qui les derniers matchs. Alors, on avait Osasuna 1-0, victoire d'Osasuna le dernier match. Ensuite, Mallorca Real Sociedad 0-0. Riron, qui est une équipe top classement, 0-0 contre la Real Sociedad. Et Rayo Vallecano également 0-0 le 27 janvier. Ouais, bah, Trippi le disait. Ils marquent pas, mais ils prennent pas de but. Donc Et d'ailleurs. Mais ces équipes-là, c'est mieux pour nous en vrai, parce que nous, offensivement, c'est fort. Ouais. Ça veut dire, si tu marques pas, tant mieux, mais tu peux pas ne pas prendre de but contre nous en vrai. Mais par contre, la stat également, c'est que ça défend bien, et également en Ligue des Champions. Sur leurs 6 matchs de Ligue des Champions. Ils ont pris beaucoup de buts aussi. Ils ont pris que 2 buts. Ah, 2 buts. Ah ouais, non, c'est solide. Ça défend très bien. 2 buts encaissés dans leurs 6 matchs de Ligue des Champions. Leur composition également, la dernière compo dans la LDC, avait Remiro, Munoz, Lenormand, qui est un joueur français, Zubeldia et Amari Traoré, l'ancien joueur du Stade Rennais. Milieu de terrain, Zubimendi, Zakarian, Mikel Merino. Et sur les côtés, Kubo, Oyarzabal et Oumar. Oyarzabal, c'est leur meilleur joueur. Il est pas disponible pour ce match aujourd'hui. Ok, tant mieux. Ils ont beaucoup de blessés. Ouais, beaucoup de blessés. Il y a 6 blessés du côté de la Real Sociedad. 6 blessés qui jouent titulaire ou 6 blessés dans l'ensemble? Alors là, j'ai pas vérifié exactement, mais il y a Fernandez, Odrio Zola, Baker, Munoz, Tierney et Lustondo. Et Lustondo, je crois qu'il jouait souvent d'ailleurs aussi. Tierney aussi titulaire. Et ouais, et Oyarzabal, du coup, c'est le capitaine qui est présent dans le groupe, mais incertain, et je crois pas qu'il va jouer du coup. Mais voilà, leur joueur à surveiller, surtout, c'est Kubo, le japonais. Kubo, c'est très fort. Ouais, en plus, il a prolongé. Ouais. 29. T'en parlais un petit peu dans un live il y a un jour, non, de Kubo, non? T'en as pas parlé? Je dis qu'il avait prolongé jusqu'en 2029, mais là, en regardant même sur Canal+, ils l'ont présenté, mais voilà, c'est un joueur qui est connu, qui est gaucher, qui joue plus sur le côté droit, parce que ça lui permet de rentrer aussi à l'intérieur pour mettre le bordel dans l'axe du terrain. Donc il faudra faire attention, et ça me fait penser un peu au match face à Lille où tu avais Zegrova sur le côté et tu avais Beraldo et Colomoni qui ont su bien le gérer. Parce que quand tu repenses au match aller, ce qu'il nous a fait, les petits ponts qu'il a mis, ouais. Là tu dis qu'ils l'ont très bien géré parce que la tactique était faite pour qu'ils ne puissent pas être influents sur ce match-là. Donc si tu arrives à faire pareil avec Kubo, bah, c'est parfait, quoi.
Messieurs, on parle de joueurs un petit peu. Pourquoi pas se plonger dans les compositions de ce match, vu que forcément c'est un domaine que tout le monde attend. Avec Donnarumma du côté du Paris Saint-Germain, Hakimi, Danilo, Marquinhos, Beraldo en défenseur gauche. Ça c'est la petite surprise, on s'attendait peut-être à Lucas Hernandez. Et finalement le coach a peut-être opté pour une équipe un peu plus défensive, je pense, Trippier avec Beraldo en défenseur gauche. Non, je pense qu'il a voulu le mettre. Moi je pense, tu sais quoi, c'est Nuno Mendes qui revient. Genre qui est revenu, on va dire, officiellement dans le groupe et tout. Mmh. Et Lucas Hernandez qui le met de plus en plus dans l'axe. Et je pense qu'il veut pas, genre, il peut-être perdre. Il a un carton. Il a un carton en plus de ça. Et en cas de carton jaune, aujourd'hui, Nuno Mendes fait partie de la liste des joueurs qui seraient suspendus lors du prochain match. Hernandez, au match retour. Je me suis trompé, j'ai dit Nuno. Hernandez, pardon, merci. Rêve de Nuno en ce moment. Non, mais du coup, de Nuno, là. Les possibles suspensions, je vais vous dire. Un jaune là. Un jaune, non, mais genre au match retour, ça compte pas pour le. Ah, peut-être que si jamais on est en quart de finale. Je sais pas comment ça s'est remis à zéro. Je crois que ça remis à zéro pour les quarts, non? Ouais. J'espère quand même. Ça devrait être remis à zéro pour les huitièmes. Moi, je trouve que c'est totalement différent, les huitièmes et la phase de groupe. Mais il me semble qu'il s'est remis à zéro pour les quarts. C'est dingue que ce soit encore. Ça se trouve, je dis de la merde. Ça pas remis à zéro avant. Dans le chat, s'ils savent, dites-nous. Normalement, moi, je pense que c'est remis à zéro. Il me semble. Hein. Un blessé titulaire, 5 non titulaires, nous dit le chat Tile 12 sur le chat. Alors, possible suspension, du coup, il y avait Lucas Hernandez, Manuel Ugarte et Achraf Hakimi. Donc, il y en a deux qui jouent pas déjà. Ouais. Bon. Deux sur le banc, Hakimi qui revient de la CAN et qui sera présent aujourd'hui. Et du côté basque, il y a Zubeldia, Mikel Merino qui rateront le match retour en cas de carton jaune. Et je crois que les deux sont titulaires, si Merino, je ne me trompe pas. Fort aussi. Zubeldia et Mikel Merino, ouais. Les deux joueurs sont titulaires du côté de la Real Sociedad. On va y venir d'ailleurs. La compo, on n'a fait que la défense du PSG. Le milieu de terrain, Zaïre Emery, Fabian Ruiz, Vitinha. Fabian Ruiz, on l'a vu en conférence de presse, donc il y avait des suspicions qu'il allait être titulaire. On remercie Fabrice. Ouais, Fabrice l'a annoncé. Hein. C'est vrai que. Je remercie Fabrice parce qu'il l'avait annoncé. Je lui ai dit, ça ne doit pas exister. Mais au final, il est titulaire. Bah, si, ouais. Si le joueur fait la conférence de presse, en général, derrière, il joue. Pourquoi vous pensez qu'il est titulaire face à Ugarte, par exemple? Je pense plus dans les sorties de balle. Mais moi, tu sais que je l'aime bien en 6. Hein. Il est beaucoup plus. En réel, il fait une grosse année. Réel, si, j'aime bien. Fabien Ruiz. De mieux en mieux, mais Ugarte, tu sais que c'est un chien sur le terrain. C'est quoi le choix d'Enrique Non, c'est plus pourquoi dans les sorties, de balle. C'est maîtriser le jeu, je pense. En sortie de balle, t'as quand même Fabian Ruiz qui a une bonne qualité. Il est plus propre, peut-être. Voilà, il est plus propre. Il va aussi au duel, mais c'est vrai qu'il n'a pas un abattage comme Ugarte. Et puis après, Ugarte, il sera emmené à rentrer en deuxième période sur le scénario du match. Il faut dire aussi que notre coach connaît bien la Liga. Il a entraîné en Liga, il a joué aussi en Liga. Et peut-être qu'il a jugé préférable d'avoir des joueurs qui vont un peu plus garder la balle, qui est justement le style espagnol pour cette rencontre, et de mettre Fabian Ruiz à la place de Manuel Ugarte qui garde un peu moins la balle, qui est plus box to box, va essayer de plus défensif également. Mais je pense, moi, mon avis perso, c'est ça. C'est possible, en vrai c'est possible, mais moi je trouve ça pas déconnant. Moi j'aime bien Fabian Ruiz en 6, et ouais, puis voilà, je pense qu'il garde bien le ballon, et on a besoin d'avoir la balle, on a tout le temps le ballon, du coup c'est vrai. L'attaque, messieurs, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Bradley Barcola, 100% français cette attaque, encore une fois. Et 100% vitesse. Hein. 100% vitesse, ouais, c'est là sur en moyenne de vitesse sur FIFA, c'est du 90 facile. Dur à stopper, on va dire. Moi, c'est tout ce que j'aime, là. En fait, moi, là, depuis le début de la saison, Barcola, Dembélé, c'est mes chouchous. J'aime trop. Dembélé, c'est bon, moi. Oui, toi on sait. Je me fais pas. C'est Dembélé. Sur le banc du PSG, c'est bon. Keylor Navas, Manuel Ugarte, Gonzalo Ramos, Marco Asensio, Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani, Nordi Mukiele, Carlos Soler, Ethan Mbappé, Seni Mayolu, Arnaud Tenas et Trippi Makonda. Eh ben non. Moi je suis là. Ah, le banc également du PSG, ça peut être une pièce maîtresse dans cette rencontre quand on voit la qualité également sur le banc. Je pense notamment aux joueurs offensifs, Ramos, Asensio et Kolo Muani qui peuvent rentrer et rapidement faire une différence. Même Seni Mayolu, hein. Moi perso, j'aime beaucoup. Hein. J'adore ce joueur. Moi je te jure, j'aime beaucoup. Hein. Après, moi je suis amoureux des Titi, des trucs comme ça. Moi j'aime trop. J'aime trop. Dès qu'il y a un Titi, même s'il fait quelque chose de beau avant, je dis c'était bien. Hein. C'est bien tenté. Bien tenté. Non, ouais, c'est trop bien pour eux, même pour Ethan Mbappé et Mayolu. Je crois que c'est leur première sélection en LDC, non? Ouais, je crois que c'est ça. Il me semble que Ethan, il était dans le groupe. Toujours dans le groupe, Ethan. Il était dans la Ligue des Champions, il a dû faire. Alors, Mayolu, c'est sa première en tout cas. Ouais, Mayolu, il me semble que ouais, non. Mais je crois que Ethan était là avant. Ça, c'est un banc LDC, tu vois. Ah, le banc, franchement. Carrure LDC, on a Keylor Navas. Il est pas là, Ali. Deuxième gardien. Non, Tanguy Ndicka est malade. Il est malade.
Ouais, Kangini qui est malade de retour de la Coupe d'Asie. Ouais, mais il est jet lag. Ouais, peut-être un petit virus, on sait pas trop. Il est revenu là, quoi. Il est pas revenu il y a longtemps. Il y a également, ouais, il vient de revenir. Emiliano Skriniar, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes qui ne sont pas disponibles dans le point médical du PSG. Emiliano Skriniar et Kimpembe qui poursuivent leur exercice de rééducation. Et Nuno Mendes qui a fait la totalité de l'entraînement avec le groupe. Donc c'est bon signe. C'est pour bientôt. Voilà, c'est pour dans pas longtemps. Mais il me manque en vrai. C'est vrai que ça fait un bon moment qu'on l'a pas vu, Nuno Mendes. C'est quoi le match en Coupe de France contre Nice? Là, c'est Nice, la Coupe de France. Ouais, c'est Nice. Tu penses qu'il va revenir à ce moment-là? J'ai pas la date, mais je te regarde ça tout de suite. Surtout si t'enchaînes les matchs avec la Ligue des Champions. En vrai, mon rêve. Je pense que c'est dans deux semaines, non? Ah non, c'est dans plus longtemps. C'est visiblement le 13 mars. Ouais. Dans un mois. Ouais, il peut peut-être revenir avant, en vrai. Ouais, il va faire des petites fins de match, je pense, non? Dans un mois. Le match qui a commencé dans 10 petites minutes. Franchement, j'ai trop hâte de cette rencontre de Ligue des Champions. 6 joueurs passés par les deux clubs, est-ce que vous les connaissez? Trippi, je sais qu'il a déjà entendu un peu les joueurs, donc je m'adresse à vous deux. Non, moi, je vais tricher. Hein. J'ai regardé, mais je me rappelle plus. Ah ouais non, moi, j'ai pas regardé, mais je vais tricher, je vais dire tous les Espagnols. Si, j'ai vu, il y a Dramé, un joueur qui s'appelle Dramé, non? Ouais. Il y a Dramé. Boukari, Dramé. Bon, Trippi, est-ce que tu te souviens un peu du reste ou j'y vais? Alors, Boukari, il y a Arteta. Arteta, voilà, ouais. Arteta aussi. Il y a Carlos Bueno. Carlos Bueno. Il y a Potillon. Ouais. Il manque un défenseur gauche et un jeu de terrain. Il y a Yuri. Voilà. Il est chaud. Madiki, un milieu de terrain. Un milieu de terrain. Ah oui, c'est vrai, lui aussi, je l'ai vu en plus, j'ai oublié. Un milieu de terrain, des fois. Tu l'avais oublié d'un. Il a joué au Barça. Ils t'ont fait un quiz sur le dernier live, t'as eu du mal à le sortir sur le moment. C'est qui? Il a un frère très connu. Qui a joué là, Rafinha. Voilà, Rafinha, le 6e joueur, passé par également la Real Sociedad. Alors messieurs, j'ai un petit quiz pour vous. On va voir si vous êtes chaud. Vas-y, let's go. Attention, je sais que moi, j'ai laissé tricher là, petit non, regard. Non. Même petit pas, regard. C'est quoi cette réputation que tu me donnes? C'est pas évident. C'est pas évident le quiz. Bon, je vous donne quelques indices parfois de temps en temps pour vous aider un petit peu. Kylian Mbappé est le meilleur buteur parisien en Coupe d'Europe devant Edinson Cavani, 30 buts. Combien de buts a inscrit Mbappé en Coupe d'Europe, messieurs? Mbappé? Ouais. Il en a inscrit 35. Non. 33. 33 pour Trippi, 36 pour Moss. 39. 38. 38. 36. 36. 39. Tu m'as fait un sourire, c'est-à-dire que c'est bon. 34, dernier. C'est lui le tricheur. Il a changé 3 fois. C'est autorisé de changer autant. 34. Et il se fie à mon regard. Il ouais, ouais. 34, alors que 34. Pas du tout, c'était 37, vous étiez entre les deux. Ah. Mais Moss était le plus près direct. Oui, donc c'est premier point pour Moss. Mais il joue au Kems. Regardez le Kems. Alors, quel est le joueur parisien le plus capé en Coupe d'Europe? Verratti. Marquinhos. Non. Marquinhos, est-ce que vous avez le nombre de matchs? Ça fait presque 10 ans qu'il est là. Ouais. Tu peux faire un petit calcul, hein, sachant ouais. Allez, on calcule mon gars. Voilà, faut te dire qu'il y a à peu près 6 matchs déjà de phase de groupe. Après, t'as des matchs, bien sûr, élimination directe. Après, peut-être pas qu'il a joué tous les matchs. Il en a 112. 68. 62. Ah, 112. 112, j'abuse peut-être. Pierre, commence. Mais ça y est, t'as dit un truc. Il a dit sa réponse. Je le regarde, en fait. T'as dit combien? 68. 68, 112 et... Mais toi, tu crois qu'il a gagné 4 fois ou quoi? On sait jamais, on sait jamais. 62. C'était 86, je sais pas qui est le plus près. Je vais la donner à Sacha parce que... Je sais pas qui est le plus près là, je pense. Tu penses que c'est toi, hein. 4, non mais 10. Vous êtes pas loin, vous êtes entre les deux. Moi je suis à 26. Toi t'es à 24, non? T'as ouais. Dit combien, 62? C'est toi. 68, oui. Les deux matchs. C'était pas loin. Alors, le PSG va participer contre la Real Sociedad à son 1e match en Ligue des Champions. À votre avis, c'est le combien-tième match de Ligue des Champions du PSG? De l'histoire? Wow. Ouais. C'est impossible, ça. Ah, mais c'est un gros chiffre. De l'histoire? Ouais. Ouais. Mais est-ce que tu comptes c'est Ligue c'est des chiffre, Champions? C'est un chiffre rond. Ou bien, c'est genre la Coupe de l'histoire d'avant, tout ça? Non, Ligue 400. Ligue des Champions. Non, pas 400, c'est moins. C'est attends. 250. Trippi, t'as pas eu la stat? C'est pas 100 et quelques, un truc comme ça? Marc Nul en a déjà fait 80 et non, quelques. 200, 250, j'ai dit, moi. Non, j'avoue, c'est trop. 200 piles, en fait. 200 piles pour Sacha. 50. 250. 250. 350. 150, messieurs.
Marquinhos, il a fait plus de la moitié des matchs. 150. De Ligue des Champions de Paris, frère, ça fait que 10 ans qu'il est là. Et le bilan du PSG, bien joué, monsieur Oiseau, sur le chat qui avait eu la bonne réponse. Le bilan du PSG, du coup, 79 victoires, 29 nuls et 41 défaites pour le Paris Saint-Germain. Donc, c'est mieux que mon ratio sur FIFA. Ouais, franchement, c'est. Toi, c'est l'inverse, c'est ça. Ouais, moi, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Bon, on va arrêter un peu les questions comme ça, mais quelques petites stats, c'est la Real Sociedad va devenir le 216e adversaire officiel des Parisiens depuis 1970. Le club basque succède à Newcastle et l'US révèle. Et le PSG va jouer son 19e match officiel contre un club espagnol au Parc des Princes. Il y a eu le Real Madrid qu'on a joué 6 fois, le FC Barcelone 6 fois, La Corogne 2 fois, Séville 1 fois, Athletic Bilbao 1 fois, Racing Santander, Valence. Et bilan de 9 victoires, 6 nuls, 3 défaites. Trippi, t'avais joué contre La Corogne, non? Non, là tu vois. Ah non. J'avais 12 ans, mon ami. Ouah, mais je sais pas, je connais pas tous tes matchs non plus. T'as joué contre qui avec en Coupe d'Europe, toi? Moi, en Coupe d'Europe, j'ai joué Benfica, j'ai joué Baté Borisov. Toi, des matchs où tu sors de l'avion, t'es givré là. Ah ouais, c'est loin. C'est où déjà Baté Borisov? C'est Biélorussie, tout ça là. Donc tu sors de là-bas, il fait moins 8, moins 15. Tes chaussures, elles rétrécissent. C'est comment de jouer là-bas, l'ambiance et tout? Ah, c'est froid. C'est ça qui fait froid. Il a dit, j'ai même pas vu les supporters, j'avais froid. Ah non, c'est un froid. Les yeux étaient gelés. C'est un froid sec. Donc ils t'attrapent et franchement, c'est pas agréable. Je sais pas comment ils font pour jouer là-bas. Je sais pas. Après, ils ont l'habitude en vrai. Mais c'est vrai. Début même du match. Non, même si t'as l'habitude là, tu veux pas. Il fait trop froid. Après, c'est eux. Après, ils ont pas le choix. Si, ils peuvent faire comme les Scandinaves, ils jouent pas quand il fait froid. Mais il joue jamais du coup. Si, il joue en été, il joue de juin. On est sur un autre débat. On est sur un météo là. Ils arrêtent en novembre. Dès qu'ils commencent à faire froid, ils arrêtent le championnat et après ils reprennent. Ils sont bien leurs vacances à eux. On décolle. Messieurs, moins de 4 minutes avant le coup d'envoi de ce match. C'est le moment de rentrer un petit peu dans les pronostics pour savoir un petit peu votre ressenti sur cette rencontre, comment vous la sentez, qui seront les buteurs pour vous également. Je commence par Thomas. Moi, 2-0. Ok, 2-0. Et je sais pas qui est le deuxième, mais sache que le premier c'est Warren. Ah ouais, ok. Ah ouais. Osez. Bah c'est notre meilleur buteur en Ligue des Champions cette année. Osez. C'est vrai. 3-0 moi. 3-0. Doublé ouais. D'Mbappé et un but de Dembélé pour faire plaisir à Trippi. Trippi ne sort pas de 1. Non, j'avais dit 3, mais après je sais plus les buteurs, j'ai miqué hier. Je ne me souviens plus là. J'ai dû mettre. J'ai pas mis Dembélé, j'ai mis à la passe. J'ai mis Mbappé. J'ai mis Warren aussi. Et vas-y, je vais mettre Barcola, je pense. Moi, messieurs, toi, vas-y. Je vais être un peu plus timide, parce qu'on l'a dit, hein, le Real Sociedad, c'est une équipe qui défend super bien. 2 buts encaissés en 6 matchs de Ligue des Champions, aucun but encaissé, même, non, 1 but encaissé sur les derniers matchs de Liga. Donc je partirai juste sur un 1-0, parce que je me dis que ça va être compliqué. Non, mais je suis réaliste. J'ai envie de voir avec quelles intentions la Real Sociedad va venir. Est-ce qu'ils vont jouer le nul et fermé, ou est-ce qu'ils vont attaquer, est-ce qu'ils vont essayer de marquer? Sans qu'il n'y a plus le but à l'extérieur, comment je sais pas si c'est une bonne chose de jouer le nul contre nous. Hein. Ouais, c'est 1-0 Kylian. Voilà. 1-0 Kylian. Pour moi, tu sais que si tu joues le nul, tu prends le bouillon. Genre ceux qui nous font le plus mal, c'est ceux qui nous pressent, ceux qui vont nous chercher, tout ça. Ouais, et tout. C'est vrai. Si tu joues le nul contre nous, tu prends le bouillon. Ouais, mais si ils sont sûrs de leur défense, ils vont peut-être attaquer chez eux, ils attendent leur tour. Mais il y a Kylian. Il y a Bradley. Y'a Ousmane. Tu veux pas être sûr de ta défense quand il y a ces mecs là? C'est sûr, on va voir avec le... L'entrée des joueurs sur la pelouse du Parc des Princes pour ce premier match aller de 8ème de finale de Ligue des Champions. On a hâte que ça commence dans quelques petites secondes. Désormais, on vous rappelle la composition avec Donnarumma dans les cages, Hakimi, Danilo, Marquinhos, Beraldo en défense, Zaïre Emery, Fabian Ruiz, Vitinho au milieu de terrain, et devant Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Bradley, Barcola. Là il nous manque juste la petite musique de Ligue des Champions. Le petit trailer, d'ailleurs, on va vous le montrer, le petit trailer de ce match. Vous le faire passer pendant cette musique de Ligue des Champions pour se mettre encore plus dans l'ambiance.
Allez, nous y sommes. Ça y est, les poignées de main entre les joueurs de la Real Sociedad et les joueurs du Paris Saint-Germain. On vous rappelle les pronostics. Hein. C'était du coup 2-0. 2-0, 3-0, 3-1. Et 1-0 sur le chat. Quels sont vos pronostics pour ce match? 4-0 double Barcola, 2-0 Mbappé, Vitinha, passe d'Edouard Rennes. C'est l'anniversaire de Vitinha, puis birthday Vitinha, c'est vrai. On avait l'anniversaire de Vitinha également. J'ai mis 200 euros sur un doublé de Moss. Ah, doublé de Moss. T'as perdu 200 balles. T'as déjà perdu 200 balles. On voit également les cartons jaunes. Hakimi, possible suspension s'il prend un carton jaune, tout comme Lucas Hernandez, Emmanuel Ugarte. Forcément, ça peut être un choix de ne pas mettre Lucas Hernandez pour le préserver pour le match retour aussi. Hein. Ouais, mais je, après, je pense. Non, je pense pas que tu préserves en 8ème de finale à la Ligue des Champions. Oh. Et après, il faut connaître Luis Enrique. Lui, il prend son effectif à cœur, donc il a envie de faire tourner. Il n'a pas, comme certains coachs que j'ai pu connaître, dès que le joueur il est blessé, il attend la dernière minute pour le faire jouer. Il y a des noms peut-être préparer. Donne des noms. Il y a des noms. On veut des noms maintenant. Ah, moi, j'ai aucun scrupule. Moi, je sais qu'Antoine Camboré le faisait. On rigolait, Trippier, on rigolait. Et le match qui reprend. C'est pas une question pour critiquer. C'est que, en fait, t'as des entraîneurs qui sont superstitieux, déjà, la première chose, et puis qui ont envie de gagner. Donc, forcément, si son meilleur joueur est blessé, bah, il va attendre la dernière seconde jusqu'à il dit là, coach, je peux plus. Vraiment, je peux plus, j'arrive pas à marcher. Mais tant qu'il sait, il peut marcher, donc on peut lui donner des petites piqûres et tout, il va jouer. Hein. Alors là, Antoine Comboiré, on en parlait il n'y a pas longtemps. Faites pas ça chez vous. Antoine, que ce soit tous les coachs, Alex Dupont, que ce soit. C'est bon, Trippier, on a dit. On a vu que t'avais le courage, c'est bon. Que ça soit plein de monde. Tout va bien. Moi, quand je serai, moi, si je suis coach, quand je serai coach professionnel, ce sera la même chose. Hein. Fait chaud d'un coup, non? Ouais, j'ai chaud là. Déjà, il y a 1-0 pour nous. Est-ce que vous savez pourquoi? Rien, les gars. Dis-nous. Pour le flow. Et comment ils ont pas de flow à côté de nous. C'est pourquoi vrai. Je t'ai dit rose. Ouais, j'ai un souci de colorimétrie. Je t'ai dit, c'est le flow. Ah non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est vrai que les maillots parisiens, le stade également, le PSG, hein, qui est invaincu, je crois, depuis 13 matchs d'affilée au Parc des Princes, là, actuellement, qui est sur une grosse série au Parc. Oui, il est fort, lui. Il est relou. André Silva. Ah ouais. Ouais, qui vient de Leipzig, qui est prêté par Leipzig à la Real Sociedad et qui, pour l'instant, a joué 13 matchs, il me semble, avec la Real Sociedad. Allez, c'est parti en quelques petites secondes. Et se concentrer. Ça, le coup d'envoi donné par les Parisiens, la classique, et c'est parti dans ce match. La classique, Marquinhos, non, qui n'envoie pas un long ballon devant. Trippi, c'est pas la classique au final. C'est pas la classique parce qu'il est venu nous presser. C'est pas, ouais. Ça, c'est pas la classique. Est-ce qu'on s'attend du coup à une équipe de la Real Sociedad qui va venir nous presser? Là, tu viens de le voir, ils nous ont pressé direct. Hein. Ils nous ont pressé. Maintenant, est-ce que c'est tout le bloc qui va presser parce que t'as 3 devant? Ben, si tu les laisses en 1 contre 1, voire même 1 contre 2, ils vont te faire des différences. Ou c'est tout le bloc qui va monter? Attention. Allez, Barcola, en retrait vers Marquinhos. Oh. C'est compliqué ce ballon. Attention, la première occasion là pour la Real Sociedad. La frappe qui sera détournée. Je sais pas si c'est tourné ou touché ou pas, non? Non, c'est pas touché, mais attention, là, ça a pris un gros risque. Du côté de Barcola, la balle qui est allée jusqu'à André Silva. Heureusement qu'il n'a pas cadré ce ballon. C'était un peu lointain tout de même. Et Donnarumma était dessus. Attention, il était dessus, Donnarumma. Mais quand même, en dame de match. Ouais, 30 secondes déjà, un tir. Stressante. Pour la Real Sociedad, ouais, c'est stressant. Et on les voit tout de suite au pressing hein, dans le camp parisien. La relance compliquée hein, pour les Parisiens qui se font pour l'instant agresser dans notre Parc des Princes. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'ils font que presque toutes les équipes viennent avec ce système de jeu au début. Et si on arrive à ressortir 2-3 fois, ils disent bon, les mecs, c'est chaud. Ouais, c'est clair. On se replie. Mais en tout cas, j'ai la réponse à ma question avec les intentions de. Oh. Attention, la paire de balles parisienne, c'est dans la surface avec Kubo qui va venir faire un crochet, chercher une solution. Le bon retour de Vitinha qui va venir se battre ici au duel. Et récupérer ce ballon, mais non, ça revient encore une fois, le second ballon qui est pour Kubo. Et Vitinha qui vient le récupérer. Bon, on voit que ça va être un combat ce match, quoi qu'il arrive. Ça va être la bagarre là. Hein. Allez, il va y avoir une faute hein, directement du côté de la Real Sociedad, mais il y a beaucoup d'engagement. Ouf, un Marie Traoré là qui est arrivé pour découper Bradley Barcola, ça aurait pu valoir un carton ça. Ouais, boulet devant les gars. Ah ouais. Même. Danilo, on se met souvent en danger également. Sur ça quand même. Hein. Ah, c'est le début de match. Début de match, t'as envie de ressortir proprement. Y a main. Ah, la main du défenseur Zubeldia. Avec lui, il y a Robin Lenormand. C'est carton, ça, punaise. Défenseur français avec lui. Espagnol, monsieur. Ah oui, c'est vrai, espagnol. C'est marrant français, comment il chante son nom dans le stade. Le Normand. Le Normand. Ouais, le Normand. Dis-toi que j'ai connu. T'as joué avec lui? Enfin, c'est lui qui a joué avec moi. Oh. Respect. Non, mais en fait, il a joué avec toi? Je l'ai connu, il était au centre de formation, donc il montait avec nous, avec les pros.
je trouvais très intéressant, mais trop brut encore. C'est-à-dire qu'il faisait trop mal aux entraînements. Il faisait pas exprès, il faisait mal. C'est-à-dire quand t'étais contre lui à l'entraînement, tu disais tiens, t'as réussi à récupérer la balle, bien joué. Ouais, mais en fait, c'est ça. Il faisait pas. Mais en fait, j'aimais bien son état d'esprit de défenseur parce qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est rare. Mais en fait, il faisait trop mal, il faisait pas exprès. Trippi, il me semble qu'il y avait un joueur, j'ai regardé il y a deux jours, contre qui t'as déjà joué quand t'étais à Brest dans l'équipe de la Sociedad qui est encore présent. Qui j'ai joué ? Ouais, lors du Brest Real Sociedad en 2011. Bien joué, bien joué. J'essaie de te retrouver ça. Allez, Mbappé dans la surface, c'est à main. Non, c'est pas sifflé. Non, c'est un milieu de terrain. Allez, Bradley. Bradley Barcola. Je crois, je vais vérifier. Barcola qui vient perdre ce ballon dans la surface de la Real Sociedad, de la récupération très haute des Parisiens avec Lucas Beraldo à gauche qui revient derrière. Je te retrouve ça, Trippi. C'est qui Trippi, je te rappelle pas ? Ça doit être un nom de famille avec un Z là. Attends, je vais te dire ça, mais après tu te souviens pas de tout le joueur contre qui t'as joué, c'est normal. Hein. Moi je me souviens que de ceux qui m'ont fait mal en match. Après il a cherché leur adresse sur internet. Que de ceux qui m'ont fait mal en match. Alors, aujourd'hui sont plus en activité. Ceux qui m'ont c'est pas fini. Laissé respirer en match. C'est fini. Ils voulaient pas me laisser monter, ils voulaient que me travailler. Je crois que Aran Bourou il joue, non ? Attends, je vais regarder. Aran Bourou. On était potes, hein, mais il voulait rien savoir. Non, il joue pas Aran Bourou, mais. Ah, il faut mettre la biscotte, monsieur l'arbitre. Mais il est sur le banc. John Aran Bourou, t'avais joué contre lui. Ah ouais ? Il est sur le banc. Ah, c'est qui ? C'est même pas clair. Il t'a pas marqué, quoi. C'est Johnny. C'est ça que t'es en train de dire. Non, honnêtement, je suis allé là-bas, j'ai fait un voyage. Hein. Oui, bah oui. Là-bas, j'ai fait un voyage. C'est ça, Sébastien. Je pense que j'ai joué. Mais tu crois qu'il a vu la ville ? Il a même pas vu la ville. J'ai même pas vu la ville. On est monté dans le car, on est parti au stade, on a joué 45 minutes après. Dès que le match s'est terminé, on est rentré à la maison. Il y avait Ilustondo, mais là, il est pas dans la feuille de match. Au milieu, gamin. Voilà. Bien joué. Encore. Derrière toi. Allez, Vitinha. Les Parisiens qui sont un peu mieux là après ce gros pressing en début de match. Les gens de la Real Sociedad. Au milieu. Fabien Ruiz, tranquillement. Voilà, trêve là-bas, trouve. Et ouais, t'es mort. Vous l'avez tous vu. On l'a vu, l'appel contre Abraham. T'es mort. Allez, Dembélé, la belle passe pour Hakimi. Ah, dans l'axe. Perdu. Dommage. Non, la belle transversale là vers Bradley Barcola qui va se retrouver en 1 contre 1 sur le côté. L'espace. Provoque. Barcola, dans la surface. Barcola, en retrait. Fabien Ruiz, non, pardon, Hakimi. Sur ce côté. Et derrière la frappe de Fabien Ruiz qui partira. Il aime bien frapper. Hein. Au stade Jean-Bouin. Que de l'intérieur. Pourquoi de l'intérieur ? Il est loin en plus là. Mais nous un boulet de canon là. Elle est arrivée stade Jean-Bouin la frappe là. Elle a croisé la balle de Sacha. La balle. Non mais en tout cas. Toi garçon sur le ballon. On voit Hakimi également qui se positionne au milieu de terrain dans ce début de match. Et moi ça me fait plaisir de retrouver un peu cette relation Hakimi Dembélé, ça m'avait manqué. Hein. Je sais que mais c'est moi, un couloir qui marche trop bien. Dis-toi que moi c'est ce que j'attends de Nuno Barcola. Ouais. Genre ouais. En fait tout le monde attend justement le Hakimi Dembélé, tout le monde sait que c'est fort et tout. Et moi j'attends tellement ce Nuno Barcola. Et bah tiens, on va le retrouver là. Barcola. Sur le côté. Avec Beraldo. Vitinha qui est pressé. Hein. Le milieu de terrain pour l'instant qui est solide hein, du côté de la Real Sociedad. Y'a rien. Patron. Oh oui. Et là on aurait une faute hein, du côté de Vitinha, il me semble. Ouais, Ben Ruiz. Je le trouve gentil l'arbitre. 5 minutes de jeu simplement et on sent vraiment qu'il y a. C'est une intensité Ligue des Champions bien joué, pour l'instant. Bien joué. Allez, allez belle récupération. Dembélé pour Mbappé dans la surface. Mbappé en profondeur, Mbappé la frappe croisée, ce sera détourné par le portier Remiro. Il a pas assez croisé le gamin. La première énorme occasion des Parisiens. Dembélé qui avait servi en profondeur, Mbappé. La vitesse d'Mbappé derrière la frappe croisée qui était peut-être pas assez croisée également. Belle parade de Remiro. Après, il a tiré en bout de course. Trippi, toi, t'aurais fait fin de frappe, c'est ça ? Non. Ah, déjà, j'étais sur Perrault, je pense que j'aurais mis fin pour mettre son. L2 carré croix. Non, mais c'est vrai qu'il a tiré en bout de course. Donc c'est dommage parce que peut-être qu'il aurait mieux croisé s'il était arrivé au bon moment, tu vois. Je pense que c'est ce que tu disais, moi. Ça a pris une action comme ça va les calmer un peu. Bah oui. Tu vois, ah, ça calme. J'ai dit, tu presses. Ça calme un peu. D'un coup, tu te manges 2-3 ressorties de balle, tu dis oh bon. Ah, surtout attends, Mbappé, hein, Mbappé en profondeur. Dembélé avec lui. Non, oui. Dembélé et Mbappé qui vont vers l'avant, je te jure, t'as peur. Et Barcola aussi, qui peut arriver et mettre sa vitesse. Et puis s'il est fatigué, on a Randall qui va arriver. Asensio aussi sur le banc. Asensio, il a dit récemment qu'il préférait jouer dans l'axe. Ouais, j'ai vu aussi cette interview. Il a dit qu'il se sentait bien dans l'axe. Et je le comprends en vrai, hein, parce qu'il est pas très rapide, mais il a une super vision de jeu et tout. Ouais, moi, numéro beaucoup. 10, un peu numéro ouais. 8, 10. J'ai Barcola. Ou 9 pivots, un peu partout. Allez, belle récupération des Parisiens. Oh là là, dommage qu'Ousmane Dembélé. Oh. A pas de chez ce ballon, ça peut revenir avec Zaïre-Emery. En profondeur pour Dembélé, ce sera pas capté par Dembélé. Qu'est-ce qui se passe, mon ami, pourquoi tu veux le mettre dans les pieds ? Ah, c'est dommage, hein. Il y avait une grosse situation pour les Parisiens si ce ballon passait. Tu te rappelles ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les Titi ?
C'est pas grave là. C'est pas grave. Il va marquer, t'as dit. Il va marquer. Ah, on peut le remercier, Warren. Il va le mettre dans la profondeur, il a voulu dans ses pieds. Ah, les Parisiens au pressing là sur la défense de la Real Sociedad. C'est mieux, depuis 2-3 minutes, on est mieux que l'entame de match. Entame de match, on s'est fait peur. Hein. Les gars, pas un compte. Danilo devant Kubo. Oh, oh. Qui récupère tranquillement ce ballon. Il vient de nous presser direct. Je le trouve tellement serein, Danilo. Cherche plus haut, mon ami. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais il y a eu un vrai changement de Danilo. On n'en parle vraiment pas assez de Danilo. Il y a eu un vrai changement, un cap qui a été passé par Danilo. Allez, Vitinha pour s'avérer Mbappé, côté gauche. Mais Barcola, Barcola dans l'axe. L'appel de Barcola. Mbappé, deuxième poteau. Il l'a pas vu, il va solo. Kylian Mbappé dans la surface. Le centre incroyable là pour Dembélé, c'est un... Elle est dure, elle est dure. C'était une passe Ligue des Champions comme on dit. Ah, gars, là, elle est dure, il peut la mettre au sol en vrai. Ah, c'était vraiment une passe Ligue des Champions, voilà, la puissance. Elle fait un petit rebond et tout, elle est dure à contrôler. Un boulet de canon là. À la balle qui reste dans les pieds parisiens. Avec Dembélé qui vient provoquer dans la surface. Ah, Dembélé le crochet, c'est passé. Dembélé le centre. Pourquoi détourné par défense de la Real Sociedad. En tout cas, non, les Parisiens sont mieux. C'est mieux. Alors, il y a quoi? Oh. La faute de Mbappé. Oh. Oh, le bon appel, mon gars. La passe, elle est parfaite. Ouais, l'accélération, tout non, est parfait. Il tire en... Ouais, en bout de course. Son pied d'appui est loin. C'est pour ça qu'il n'arrive pas bien à croiser. Après, son pied d'appui était bien ancré, bien en bout. Bah, il aurait mis... Après, le coup, il fait un bon arrêt quand même. Hein. Ouais. Alex Rémiro. 82 ou 83? Et Mickaël Merino. Faut sauter les mecs. 83. On parlait quoi, des notes sur FIFA? C'est des malades. Non, on n'est pas des geeks. Hein. Ah, c'est des joueurs qu'on voit souvent, on va dire. Oh, on les a pas qu'une fois ou deux, quoi. Ou mille. Les deux équipes, elles sont bien étirées quand même, non? Ouais. C'est dans le milieu que ça va être. Non, il n'y a pas photo. Ravi Galan dans l'axe qui va perdre ce ballon. Ah, là, on va mieux là. Warren. C'est pas Warren. C'est pas Warren. C'est le ballon. Le très bon retour de Warren Zeremri. De Hakimi, pardon. Je me suis emporté là. Mais très bon retour de Warren. Tu veux défendre Warren. Non, parce qu'ils ont dit Warren en même temps, du coup, mon cerveau. Hop. Il a oublié. Je crois qu'il va avoir un appel de balle là. Marquinhos, il va mettre un bon ballon. Tu sais qu'il les aime bien, Marquinhos, celle-là. Ouais, bon, Kylian, il met un bon ballon bien dosé. Après, en plus, il se fait bien crier dessus par le coach. La passe, elle est super. Le coach, il dit wesh. Ça, c'est les ballons que Thiago Silva mettait tout le temps aussi à l'époque. Ouais. Ouais, c'est pour c'est Cavani, c'est pour fils, Ibra, hein. Pour. Ouais, c'est vrai. C'est son fils. C'est son fils. Hein. Sa réincarnation. La belle relance des Parisiens. Tranquillement, c'est avec bon. Donnarumma. Ils ont pris le ballon. Ouais, on est mieux, on a eu 5 minutes compliquées. Ah, c'est un temps de match. Le... Je t'ai dit, t'as vu là ce que je t'ai dit au tout début? Il n'y a plus le pressing là. Non, mais ils ont vu Mbappé partir en courant, ils ont vu qu'il ne rattrapait pas. Si, ils ont vu deux fois. Trévi, tu connais ton football. Hein. Ah ouais, je sais qu'à un moment donné, Trévi, tu connais ton football. Ils vont voir cette connexion. On cherchait Mbappé en profondeur avec Marquinhos, on en parlait il y a quelques secondes. Trop forte. Au moins un peu plus haute, bien donné, le ballon il ralentit, mais là. À quelques centimètres près, là c'était une balle de but hein, pour Mbappé. On va faire une récupération haute encore là. On va les appuyer bien comme il faut. Les Parisiens qui viennent presser, on entend avec le Parc des Princes derrière. Tu l'as. Qui donne de la voix. Parlez-lui. Le Normand, la relance. Côté gauche avec Ravi Galan. Contré par Hakimi. Et on entend les supporters. Et ça fait plaisir. Ah ouais, forcément, Ligue des Champions, ça aide. Oh, Ligue des Champions ou pas, oui. Ils sont là les supporters. Bien joué. Récupération de balle. Warren, il met des coups de physique. Mais on dirait il a 28 ans. Ah, c'est vrai que c'est assez affolant de se dire qu'il a pas encore le bac, qu'il est en train de le passer et que... Il met des coups de physique comme ça. Je jure, il va à l'entraînement. Des grands darons. Il va à l'entraînement trottinette. C'est comme Mbappé avant, quand ça l'a amené à l'entraînement parce qu'il n'avait pas le permis. Bon, je pense que ça l'emmène toujours. Je sais pas toujours, s'il hein. l'a pas encore. Ouais, je pense que ça l'emmène toujours. Ça l'emmène toujours, mais plus pour les mêmes raisons. On l'a croisé plusieurs fois, je l'ai jamais vu en train de conduire. Ouais, monsieur l'arbitre. La perte de balle des Parisiens, attention, dans l'axe. C'est pour ça aussi on l'a mis. Bien placé pour récupérer ce ballon. Derrière, ça peut partir vite en compte, pardon. Donne. Non, Fabien. La mauvaise transmission. Ça, c'est le problème des gauchers.
Ouais, ils n'ont pas de pied droit là pour bien mettre ce ballon. Et c'est récupéré. C'est bien sur l'arbitre. Hakimi avec Dembélé. Dembélé ou un contre. Mais non, mais il est plus là. Dembélé contre le Normand. Oui, je t'ai dit, il est tombé, le Normand. Je t'avais prévenu quoi. Je t'ai dit, le joueur est déjà plus là. C'est quoi la suite? Comment ça se fait qu'il tombe comme ça? Non, mais le Normand. Non, les appuis, gars. Tu peux pas. Tu peux pas. Parce qu'en fait, tu peux pas. Parce qu'il veut intervenir. Il veut absolument récupérer le ballon. T'aurais aimé défendre contre Dembélé sur Dembélé? Il a disparu en vrai. C'est. Impossible. En plus, t'as vu sur le visage de Dembouz, t'as l'impression d'avoir une. Oh lâche. Oh. Moi j'ai une question. Tu me saoules là. J'ai une question, vous allez y répondre. Est-ce que pour vous, Ousmane Dembélé est le meilleur joueur en un contre un au monde? Ouais. Aujourd'hui? Au monde? Ouais, aujourd'hui. Est-ce que Neymar il joue plus? Neymar actuellement. En catégorie à Neymar. Voilà. Ouais. Mais oui, sinon non, oui. Ousmane, non. Ousmane c'est trop. C'est... Ah, contre Lille là, ce qu'il a fait à Thiago Santos, vous connaissez. C'est trop terrifiant. Mis, contre tout le monde, c'est. Non, je te jure, Ousmane c'est trop terrifiant. T'as l'impression qu'il passe à chaque fois ou 8 fois sur 10, ce qui est déjà énorme. Mais le gars fait tomber des joueurs au moins une à deux fois. Mais tu sais qu'il y en a un. Après, moi je dis ça parce que je l'aime beaucoup. Mais t'as vu Bradley? En fait, t'as l'impression. C'est un folant. Non, mais en fait, t'as l'impression qu'on sait tout ce qu'il va faire. T'as l'impression que tout ce qu'il fait, c'est lent. Et le joueur, ça n'arrive pas à le toucher. Ouais, il est explosif après. Eh, c'est fou. Il a un c'est longue jambe. Mais c'est comme Ben Arfa un peu à l'ancienne. Hein il ouais, est... non, il... Ben Arfa, c'était. Oui, mais il est lent. Sur une touche. Tu pouvais pas vraiment savoir ce qu'il allait faire. Ouais. C'était vraiment des trucs affolants. Ah, le pied gauche là. Allez, pourquoi Fabien tu mets le droit? La balle perdue par les Parisiens au milieu de terrain. T'es là. Et attention, ça va repartir là pour Kubo. Avec un Marie Traoré peut-être, récupéré par Bradley, de Bradley Barcola. Mais lui tire dessus. Le pied gauche, punaise, là tu mets ton pied droit pour rien. Tu sais que je peux pas lui en vouloir sur son pied gauche. En fait, tu sais pourquoi je peux jamais en vouloir à un gaucher? Parce que je suis gaucher, je sais que c'est impossible pour nous d'avoir un pied droit. Je te jure, j'ai essayé hein. Frère, je te jure que j'ai travaillé. Ton jeu de pied droit si je vais pas. C'est... Oh, quand même. Quand même. Respecte-moi. Mais je te jure, c'est que des passes simples, même des contrôles parfois simples, c'est en bizarre un peu pied droit. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit. Les gauchers, on n'a pas le droit d'avoir un pied droit. Vous êtes très bon du gauche quand même, donc ça change. Aussi. Mais regarde, Di Maria. Attention à ce coup franc là pour la Sociedad. 40 mètres, deux feintes. Hors jeu. Trois feintes. Hors jeu. C'est tiré deuxième poteau. Attention, il y a du monde, ça a suivi. Heureusement que Danilo a bien suivi. Trois feintes. Mais c'était quoi ça? Une combinaison masterclass. Je croyais que ça buguait. Même Marquinhos, il a dit quoi? Ils sont bas là. En fait. Et il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu parce qu'il y a un joueur qui a suivi au milieu. Parce que là, les Parisiens sont occupés que de ceux qui étaient sur leur ligne. Il n'y a pas hors jeu parce que Danilo avait suivi. Ils n'ont pas pris la formation ceux qui étaient derrière. Donc eux, ceux qui sont derrière, ils attendent vraiment le bon moment qu'ils s'alignent après ils partent. En plus, eux, ils savent c'est lequel qui va vraiment tirer. Ils savent qu'au bout de 12 feintes, c'est le 13ème qui marque. Eh, c'est fou ce que je viens de voir. Ah, c'était pas mal. Hein. Mais ils peuvent plus la refaire maintenant. Et le seul joueur qui n'avait pas couvert côté PSG. Bah, parce qu'ils vont la faire. Et en fait, à un moment donné, c'est peut-être le joueur plus long encore qui va passer. Non, mais surtout, ils peuvent la faire. Là, on l'a fait trois fois. Là, peut-être celle d'avant, c'est deux. Ouais. Celle d'après, tu sais pas. C'est ouf. Le seul joueur, pardon, qui n'avait pas couvert côté PSG, c'était Danilo. C'était et au final, Danilo, c'est lui qui touche la balle. Donc ça va. Même s'il est derrière. Droit. Voilà. En tout cas, une belle combinaison de la part de la Real Sociedad. Moi, je trouve que les coups de pied arrêtés, c'est des domaines qui sont pas assez étudiés par les clubs. En termes de combinaison. Tactique, ouais, combinaison. Bah nous déjà, on les tire rarement en vrai. Ouais, mais je veux dire, il y a tellement de déplacements, de feintes à imaginer qui sont pas encore développés. Ouais. Tu regardes, je pense au hand, au. Je pensais que t'allais parler des combis qu'on a sur FIFA ou. Non. Et après, tu lui donnes la balle, t'as dit, mon frère. Non, mais je trouve qu'il y a beaucoup de combinaisons qui. Mais ils ont fait marcher City avec De Bruyne. Ouais. Il y en a plein. Oh, la passe en plus. Non, mais attends, t'as des. Il faut les joueurs pour aussi. Ouais. Oh là là. Moi, ça me rappelle un but de Oaro servi par Menez je crois en retrait. Oui. Avec Carlo Ancelotti. Si je me souviens, je me souviens. La passe en retrait sur un ah, les gars. On a du mal à ressortir là. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de déchets même des deux côtés en vrai. Allez Fabien Ruiz. Non. Qui va relancer tranquillement avec Donnarumma. Donnarumma qui prend pas de risque là, qui envoie ce ballon et franchement mieux faire ça que dernière place, que prendre des risques. Il lui envoie un missile en plus un peu là, Fabien Ruiz. Vinicius n'existe pas. Vinicius est. Non, abusez pas. Il provoque pas. Il est très bon. Il peut pas provoquer autant que Dembouz. En 1v1. C'est pas le même dribble. Non.
S'il vous plaît, écoutez-moi. Vinicius, c'est un peu. C'est mon travail, il est un V1. C'est un peu comme Mbappé, on va dire. Il y a beaucoup de vitesse. Ouais, un peu de fin de corps par-ci, voilà. Par-là. Avec lui, Barco. Mais Dembélé, c'est la technique et les crochets, quoi. Attention Kubo sur le côté, Kubo qui est passé dans la surface, la frappe, premier poteau qui sera pas cadré. Kubo, c'est un joueur électrique et dangereux, attention. Ah, Galan, on l'a vu. Ouais, comme t'as dit, faut que Barcola vienne aider Beraldo, comme Colomani contre Lille en vrai. Il va me faire la prise à deux parce que sinon t'es cuit. Hein. Taqué Kubo. Et heureusement que son pied d'appui est trop avancé. Hein. Bonne lecture de Donnarumma qui voit que le ballon sort. Il est terrifiant ce petit Kubo. Hein. Parfois le chat je le comprends pas. Gavi peut-être, on parlait de Dembélé, ça sort de Gavi. Non, les gars, se ressaisir, faut se ressaisir les mecs. Ouais, non, mais ça doit être ça, hein, peut-être. Non, faut peut-être Rodri. Je sais pas. Faut se ressaisir les gars. Ah, il y en a. Je sais pas quel match ils regardent, mais. Allez, Zaire Emery. Ah ouais. Défensivement ici qui essaie de récupérer c'est ce ballon. Le dribble il était lent. Il est passé. Le centre deuxième poteau sont vers Kubo, Beraldo qui prend aucun risque, qui met ce ballon en corner pour la Real Sociedad. Pour la Real Sociedad, non? Ouais. Ils reviennent bien sur la Real Sociedad actuellement. Un match à plusieurs teintes hein, pour l'instant. On a commencé avec un gros pressing. On les attire dans notre camp. Ouais, pour contrer. Pour envoyer une patate après. C'est ce que j'espère hein, mais. On ira le contre avec Mbappé. Ah, je connais mon club. Pour le corner, attention, deuxième minute, premier poteau, tête de Vitinha, c'est revenu. Deuxième poteau. Bien frappé ça. Avec Zubedia. Les Parisiens qui sortent, la balle qui revient derrière jusqu'à Alex Remiro. Attention. 82. Non, y a rien. Allez, joue. Et c'est récupéré par les Parisiens. Joue. Petite faute là de. Non, je crois qu'il arrête le jeu. Je crois juste qu'il arrête le jeu. Ah, et qu'est-ce qu'il fait lui? Non, l'arbitre de touche qui siffle faute. Pourquoi? Ah oui. Oh non, il touche pas la tête. Non, sur le ralenti, y a rien. Il lui touche pas la tête, pas du tout. Il se touche la tête après alors qu'il lui touche l'épaule. Ah, c'est n'importe quoi. Il va prendre un jaune en plus? Non, je pense pas. Ouais, bon. L'arbitre qui a été gentil là, parce qu'en vrai, il touche le bras, il n'y a pas de faute à ce niveau. Oyarzabal, 83. Oyarzabal, 80 plus, non? Non, 83. Ah non. Peut-être 84. 84, je crois. Ouais, 84. Je crois, je suis pas sûr. Mais avant, il avait 85 même, c'est leur meilleur joueur, Oyarzabal. 10 buts hein, pour l'instant en début de saison avec la Real Sociedad. Il a fait le dégradé de Donnarumma. On va te dire ça tout de suite. 83. 83, ouais. Ouais. Lui aussi, je l'ai pas. Il a pas 85 il y a pas longtemps. C'était il y a deux ans, je crois. Ouais. L'année dernière, il avait 84. Attends, ça doit être ça. Parce qu'il a un bon pied gauche, lui. Attention, le coup franc là pour l'Air Al Sociedad. C'est tiré, point de pénalty. Tête de Danilo. Danilo toujours, hein. Bah, Danilo toujours présent. Mbappé, c'est vrai. Pas. Mbappé veut que faire semblant de l'avoir. Mbappé, on dirait moi en U15 quand j'avais peur de mettre la tête. Moi aussi j'avais trop peur. Pour pas qu'il m'engueule le coach. Du temps que j'étais défenseur à arrière gauche, je faisais toujours semblant. Oh, il l'a eu. Tout le monde avait peur de mettre la tête. Ah, je suis à 22,85. En vrai, elle faisait mal quand on était petit. Allez, lâche. Wesh. Allez, on va récupérer enfin le ballon au milieu de terrain. Bien joué. Barcola qui cherche Fabien Ruiz, mais on le perd aussitôt. Attention, ça peut aller vite. Pour la Real Sociedad, sur le côté droit avec Takekubo. Il a mis une pure passe. Hein. Allez, Beraldo. Kubo contre Beraldo. Ils ont deux, les mecs. Kubo avec du soutien ici. Mikel Merino. Kubo. Côté. Devant Danilo Pereira. Il va l'aider. Le centre, deuxième poteau. Attention, dangereux. Oh, heureusement que la tête ne sera pas cadrée d'André Silva. Il a sauté tard. Hein. Ah, Dodo, c'est ses photos. Il a sauté tard. Hein. Il fait des photos. Wesh. Attends, mais après. Il saute quand? Ah, mais elle est pas loin au final, elle est vraiment pas loin. Mmh. Elle est à quoi? 50 cm, non? C'est loin, 50, mon ami. Hein. Ouais, mais quand même. Bien joué. En tout cas, cette équipe de la Real Sociedad qui, pour l'instant, nous met en danger. Voilà! Respirez un peu! Là, ça doit aller vite. Allez, Hakimi. C'est là, on doit. Ousmane Dembélé, mais c'est bien revenu du coup de la Real Sociedad. Dembélé qui attend une solution. Allez, avec Hakimi, il n'y a personne au centre, c'est le problème. Dans l'axe. Ça manque un peu de présence dans l'axe.
On avait signé accès. Oh non, proposé. Pourquoi pied droit ? Tu peux pas nous faire ça. La balle perdue des Parisiens. Tu peux pas nous faire ça. Et le pressing tout de suite avec Dembélé au pressing. Ah, tu peux pas nous faire ça, Dembouze. On t'a trop défendu. Ouais, ça passe beaucoup côté droit du côté de la Real Sociedad, non ? Ouais, vers Kubo. Amari, Traoré et Kubo. Très influent. Attention. Oh, Traoré, la belle passe en profondeur vers André Silva. Mais derrière, Danilo, jouer, Marquinhos, ouais. Le carton. T'as pas le droit de tirer, hein. Attention. Hein. Ouais, Danilo, physiquement, bon courage pour le bouger, quoi. Tu pourrais le bouger, Danilo ? Il est mis un coup. Si je lui demande, oui. S'il te plaît, Danilo, dégale-toi. Ça se voit, c'est quelqu'un de cordial. Si je lui demande, c'est sûr, il bouge. Et si tu lui demandes pas ? Mais tu crois que je suis mal élevé ? Je vais pas le bouger. Je bouge, automatiquement. C'est moi, je bouge. Sans lui demander. Évidemment. Donnarumma à la relance. Hein. Faut trouver profondeur. Dembélé, un peu de déchet hein, ce soir dans la transmission. C'est bon. Bien. Allez, milieu de terrain, il y en a espace ici peut-être bien. Avec Warren Zaïre-Emery. Avance encore. La profondeur. Warren qui va venir fixer. Chercher Ousmane Dembélé dans la surface. Dembélé, le centre en retrait contré, ça va revenir. Bien celle-là. Hein. Mbappé. Entrée de surface. Bradley. Pour Barcola, mauvaise prise de balle. Ah, il va pas. Je pense que s'il y allait, il aurait pu l'avoir là. Ouais. Non, mais non, il t'a arrêté là, c'était mort. Ouais, on a beaucoup de déchets hein, ouais, ce soir. Il aurait dû prendre plus d'espace, Barcola. Ouais. Il va sortir même de la surface. Ah, il est là, il l'a hein. Tous les jours. Hein. Ouais. Il la regarde même pas. Il aurait dû. Là pour mieux se mettre en 1 contre 1, là, plus avoir plus d'espace. Allez, 23 minutes de jeu pour l'instant. 0-0, c'est un match avec plusieurs teintes. On voit un PSG qui se faisait presser, ensuite un PSG qui presse, c'est qui avait ça. Plusieurs actions. Après, Real Sociedad a mis le pied sur le ballon et là. Et lui, un nouveau visage qui se voit un petit peu dans ce match. Milieu. Ouais, on est cuit, voilà, il arrêtez en côté. Fait. Hakimi la relance en profondeur. Il est hors-jeu, je crois. Il cherche Ousmane Dembélé. Visiblement pas hors-jeu. Dembélé en profondeur. Dembélé en 1 contre 1. Ousmane Dembélé. La finition, non ! Ce sera le filet extérieur pour Ousmane Dembélé qui n'était visiblement pas en position de hors-jeu. Oh, c'est quoi cette passe de fou ? Ah, si, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu de 30 cm. Pas là. En tout cas, oh là là, mais quelle passe, quel même le contrôle. Tu sais que le pire, c'est que t'as vu quand tu regardes à la télé ? Pour toi, le contrôle là, il était facile, comment il l'a fait ? Ouais. Alors qu'il est dur ce contrôle dur. Là. Il est très dur. Mais il s'excentre un peu avant de tirer. Comme contre je pense. Monaco, là, pour contrôler des pigeons. Non, mais là, tu vois encore ? Tu vois que le contrôle il est dur. Alors que celui-là, il paraît simple. Ouais, non, elle est parfaite cette balle. En tout cas, pas de regret. Il y avait hors-jeu. On revient au hors-jeu et ça met une frayeur en plus là pour les joueurs de la Real Sociedad. Attends, ils ont 12 attaques la Real Sociedad. Et on a la régie qui souhaite une bonne Saint-Valentin. Ce que j'allais dire, dans le studio, ça parle de la Saint-Valentin. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là, les mecs ? Parce qu'il y a François sur le chat qui souhaite une bonne Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous faites là, les mecs ? C'est sûr, ouais. Là, il y a des mecs qui sont au restaurant et regardent en secret le live Twitch. Ah, mais bien sûr. Oui. Allez, Mbappé dans la surface. Mbappé en 1 contre 1, il est sur le côté. Oh. En 1 contre 2, la balle perdue finalement par Kylian Mbappé. C'était compliqué à négocier ce ballon ici. Et Ravi Galan qui va ressortir. Non, pourquoi tu ouais. Sacha, tu l'as déjà fait ça, toi. Bah oui, frère, obligé. T'es obligé. Tu sais que moi, j'ai déjà été au resto et j'ai essayé de voir, elle était où la télé. Ouais. Et tu te places en fond. Je me plaçais, t'es genre. Par face. Mais tu regardes pas direct, ouais. Non, par face. Tu sais, faut qu'elle soit là-bas ouais. Un peu. Quand ça t'en doit, bien. Mais comment t'écoutes Kedji si elle te raconte une histoire importante quand Mbappé part tout seul. Tu peux pas. Je fais semblant, je suis au téléphone. Faut que je la combien, je vais aux toilettes. Non, force à tous ceux qui sont dans ce cas-là, en tout cas. Ah ouais, c'est sûr que... Pousse, là. Tu reviens même moi, j'ai fait la technique petit bouquet, resto le midi, comme ça. Pour tranquille après, voilà. Tu vois, t'es bien. Tranquille pour la soirée. Sinon, il y a la technique aussi, tu prends des places pour le match. Hein. Voilà, ça marche bien aussi. T'en prends deux. Ouais, quand même. Allez, milieu de terrain, Bradley Barcola. Aïe. On perd ce ballon hein, rapidement, on n'a pas une longue possession à chaque fois que le ballon... Oh, ça m'énerve, punaise. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les c'est possessions du PSG sont très rapides. Hein. Ouais, et même de la Real Sociedad, en vrai, moi je trouve que ça va très vite. Ça a beaucoup de déchets même dans les passes. Ouais. Après, c'est bien, parce que ça va d'un coin à l'autre, mais... Si on n'est pas au niveau de la Ligue des Champions, là, du côté des deux équipes, en fait. Sur les transmissions, ouais, on a beaucoup de déchets. Déchets, là, ça me...
Mais l'intensité, par contre, on y est. C'est clair. Après, il ne peut pas dire c'est le terrain, là. Le terrain, il est non, parfait. Non, le terrain, il est nickel. Calderouz. Il n'y a personne qui peut parler de notre pelouse. Parler du terrain. Beraldo, dans l'axe, sans chercher Mbappé. Eh oui. Ouais, il est hors-jeu à Kylian Mbappé, cette passe de Beraldo. Il faut trouver des relais, là, au milieu. Beraldo, il faut qu'il contrôle le ballon, il ne faut pas qu'il la laisse passer. Ouais, t'es compliqué, cette passe. Hein. J'ai l'impression qu'il nous manque un meneur de jeu, un peu à la Thiago Motta, qui peut poser le jeu et orienter. Bah, là, dans la compo, c'est censé être Fabien Ruiz. Parce que, en termes de profil, c'est ce qu'il a voulu mettre. C'est clair. On a Arnaud Tenas sur le banc. le mec à l'ouest. Tu sais que je t'ai regardé en mode ouais. Il est sérieux lui. Arnaud Tenas en MDC. Très bon pied. C'est vrai que. Tu sais que vraiment, il a vraiment, au Barça. Il a vraiment un très bon pied. Hein. Il est chaud au pied. Oh. Revenez un peu. À qui, Gianluigi, à qui tu la donnes? C'est comme Guardiola à l'époque qui voulait peut-être mettre Neuer en défense centrale. Hein. C'est vrai? Il pensait à ça sur certains matchs, ouais. C'est un menteur, c'est que pour les caméras. Il sait très bien que non. Quel buzz s'il fait ça, mec! Oh! Faut pas le laisser, là. Attention, on a l'offensive là pour la Real Sociedad. On approche de la demi-heure de jeu avec Mikel Merino. Dis, mec! La possession pour la Sociedad. Ils vont aller font tourner ce ballon. Le petit Messi. Zubeldia à côté droit. Avec justement Takekubo. Oh là 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 là. Les transversales que Trippi aime bien, mais derrière le mauvais contrôle. C'est technique, heureusement. De Barané Xea. Il était tellement belle qu'il s'est dit. Barané. Son nom est plus facile à dire comme ça. C'est Barané Xea de base, mais je comprends qu'il ait mis juste Barané derrière. Compliqué sinon. Ça se trouve, ça se dit. Même milieu, ça, là. Comme ça se dit Barine. On n'est pas bien au milieu. Ils enlèvent une syllabe. Ouais, tu penses qu'ils enlèvent autant de lettres là? C'est possible. Ah, peut-être qu'il est en partenariat avec IE. XIE, tu vois. Au milieu, on n'est pas. Et il n'a pas le droit en Ligue des Champions de mettre son sponsor. sortez-le. Allez, Marquinhos. Au milieu, on n'est pas bien. Bah ouais, en fait, on perd la bataille du milieu, non, Trippi? Voilà, pour le moment, on n'est pas très bien, hein, parce qu'on n'arrive pas à refermer l'axe du terrain, on défend pas ensemble, et d'ailleurs, dans nos récupérations, on n'arrive pas à sécuriser, donc ils sont bien, c'est des Espagnols, ils bougent. Hein. Sur le chat, on a Pochettino 5 qui nous dit Dembouz Magas, il se replace pas forcément bien ce soir. Tu penses que c'est vrai? Oh. C'est vrai. Il est sur le live. Vous en pensez quoi du placement? Bon, après, c'est le PSG qui a pas forcément le pied sur le ballon non plus. C'est pas forcément le problème, je trouve. Non, c'est pas un problème. Après, travailler avec Chelsea, il doit faire la prise à deux. Ouais. Mais sinon, c'est plus un problème de solution quand on a le ballon. Tu vois, là, ils viennent nous chercher très rapidement. Puis après, c'est voilà, de pas trembler quand t'as le ballon dans les pieds. Ouais. On n'a pas forcément cette maîtrise hein, qu'on aimerait avoir. Ils sont en marquage individuel dans l'axe, au milieu de terrain. Tu vois bien que là, ouais, partout, c'est individuel partout. Allez, Marquinhos. Je ne peux pas trouver les premiers décalages du marquage individuel. Je mettais moi où il était, Achraf. À un moment donné, tu remets un bon ballon bien profond. Ouais, un Mbappé en profondeur là-bas. Ils vont bien reculer, ils vont plus venir. À donner ce ballon à Marquis. Parce qu'ils sont où là? On cherchait Mbappé devant. Ils sont super haut là. Ils sont bloqués. Il y en a qui partent là. Toi, Dembouz là, faut vraiment montrer qu'ils partent. Marquinhos sur le côté droit, la belle passe là pour. Il va pas sacrer le ballon. Ousmane Dembélé. Ah. Et derrière, la bonne défense de Ravi Galan. Il est pas mal là. Ouais. Ravi Galan est très bon, ce défenseur gauche. Il appartient pas au Real, lui, Ravi Galan? Je confonds, mal, je crois, hein. Non? Je sais pas si je confonds Ravi Galan. Il est pressé. Mais le pire, c'est qu'il est. Aussi pressé, il est pas titulaire. Non, Atlético Madrid prêté, ouais. Parce que, comme ils ont dit, ils prennent pas des Espagnols. Hein. Atlético Madrid. La Sociedad, ils prennent pas des Espagnols, ils prennent que des Basques. Que des Basques, quoi. Ah ouais, ouais? Ouais, j'ai vu, mais c'est vraiment une dinguerie. Hein. J'ai vu un reportage sur ce club. Oh hier. Que des Basques ou que des Espagnols. Que des Basques ou des étrangers, pas d'Espagnols. Je crois que c'est Potillon qui est. Bilbao, c'est que des Basques. Ah, dans mon livre, c'est un peu raciste, mais. Mais après, c'est Potillon qui était venu en conférence de presse dans ce club qui avait dit je suis heureux de rejoindre l'Espagne et tout le monde avait dit non, tais-toi, faut pas dire ça. Là-bas, et c'est le Pays Basque, c'est pas l'Espagne. Ravi Galan, il est né à Badajoz dans le sud de l'Espagne donc. Il a dit dans mon livre. c'est comme mon livre, hein. Moi j'aime bien, moi ça me dérange pas. Hein. À Brest, c'est pareil à Brest en jeune. T'es né à Brest toi à Brest, non, à Brest en jeune, c'est. Ils prennent que les joueurs locaux. Au moins, ça forme les locaux, c'est et bien. Quand ils ramènent un joueur d'Île-de-France, faut vraiment qu'il soit au-dessus.
C'est vrai qu'alors que tous les autres clubs, ah, en général, vrai. C'est, ouais, mais c'est l'Île-de-France et partout en France. On fait la même France, chose à Paris. Ah oui, bah moi ça me dérange pas. Non, mais genre, on fait la même chose à Paris, en tout cas, on fait, nous on prend que des mecs d'Île-de-France. Bah oui. Mes cousins, ça va te regarder en mode, hey, tu joues à quoi là? Ah, mais en formation. Oui, en formation. Mais non, mais là je te parle par rapport à, au Real Sociedad. Ouais. Là tu peux, hein. Ça va te regarder bizarre. Oh là là, ça me. Ah, la perte de balle, là, je suis avec Mignon Lax, attention avec Kubo. C'est bien. Ah, les Beraldo. Prise à deux, ça que je te dis. Ouais, ah, c'est ça. Regarde, récupère Bradley, ce ballon. Bradley, il est tous. Allez, vite sur le côté droit, il y a un espace. Oui, tu l'as vu. Voilà. À gauche aussi, Bradley. Monsieur Bradley, bon contrôle. Bon contrôle. Mbappé, voilà, en profondeur. Un peu trop tôt. Mbappé, intercepté par Robin Lenormand. Un peu trop tôt. Tu sais, quand tu vois ces phases de jeu, t'as envie de faire jouer Marquinhos en 6, je te jure. Je te jure, Tourel, il avait vu quelque chose. C'est vrai que c'était fort. Hein. Je te jure, Tourel, il avait vu. Et Mbappé, qui a dépassé la Traoré. Non, Mbappé, la fin, dans la surface. On avait vu. Le corner, c'est bien. Personne, il se plaint, même Mbappé. Il n'y a personne en vrai dans l'axe. Corner c'est, obtenu. C'est lui qui doit y être. Oh, il a tenté le petit pont là, qui est Mbappé. Bon, c'était pas loin hein, de passer devant le Normand. Allez, sur corner. Avec Gonzalo Ramos, ça avait de la présence quand même. Sur corner, notre dernier but, c'est Mian Skriniar. C'est but ça ? Ça, c'est soigné de la tête de Danilo, ça. Dembélé, c'est tiré deuxième poteau. Non, c'est pas me faire ça. Nouveau corner. Il préférait tirer de l'autre côté. C'est un hommage à Angel. Angel Di Maria. C'était un peu rentrant, mais. C'est un hommage à Angel. Mais Angel, il était obligé de la tenter au moins une fois par match. J'adore. Tu sais, s'il le faisait pas, il. Non. Le match, il était pas bon. Il en a mis un ou deux, je crois, quand même. Bien sûr, il en a plus, même. Même beaucoup plus. Mais quel match ? Moi j'ai le souvenir de 1 mais. Il a tapé le ballon et il me sorti. Ouais, nouveau corner pour les Parisiens. De l'autre côté, cette fois-ci, on espère le premier but sur ce corner. 34ème minute. Ce sera un peu contre le cours du jeu, mais on prend. Regarde bien, c'est Hakimi. Elle va revenir sur lui. Ou sur Ratinha. Oui, on l'embête, Danilo. Ça veut dire qu'il va marquer ça. Danilo, tu tombes, penalty. Bah, de la tête, c'est Danilo ou Marquinhos. Danilo Lenormand, il est pas mal. Allez. Premier poteau. Ben, reviens sur qui ? Regarde. Ça revient sur Hakimi, la frappe d'Hakimi contrée. Barcola de la tête, ça passera au-dessus. Il l'avait dit. T'avais senti le truc. Mais Jimmy. T'as pas dit Barcola, t'es au-dessus et tout. Non, parce que pour moi, déjà. Oh là là, ça revenait sur. Après, j'ai vu un match ou deux dans ma vie, quoi. Ah, il ouais, on peut dire qu'il joue au foot. Ah, si elle est pas contrée. Elle a subi sa tête. Ah, elle vient. Elle est un peu haute pour lui. Bon, c'était un peu brouillon, mais action de plus pour les Parisiens. On prend. Ça fait quoi? Ça fait 3 frappes, enfin 3 tirs. Moi j'ai annoncé 1-0, je vous le dis, ça défend bien du côté de la Real Sociedad. Non mais à un moment ils vont se fatiguer. C'est sûr. Ah, c'est ça mon père. C'est Aïr Emri. Moi j'ai l'impression que tous les joueurs ils sont loin des autres. Du côté parisien. Je pense qu'on est un peu trop étiré. Ouais, j'ai l'impression, après peut-être que je me trompe. Tu penses aux gens losanges? T'as dit quoi? Aux gens losanges tu penses? Quand tu fais ça là. Mais qui es-tu? Voilà, oh là là, Ousmane Dembélé, il y va solo. Il passe 5 joueurs et la faute sur Ousmane Dembélé. Mais qui est-il? Pourquoi Gavi fait ça? Rodri fait ça, Rodri. Quand il fait ça là. Ah là 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 là. Il accélère la nuit. Non, tu nous fatigues, Ousmane. Non, mais qui es-tu? Oh là là là. T'as l'impression que la conduite de balle, elle est optimale. T'as pas une conduite de balle meilleure que celle-là, il la pousse pile poil à l'endroit où il va la reprendre avant le joueur. Tu vois qu'il va la perdre des fois, mais pas du tout. Non, il la pousse. Oh, et c'est toi qui es au sol. Allez, t'arrêtes. Pile à l'endroit parfait à chaque fois, c'est dingue. Ah, ils ont blessé Dembélé, ils l'ont blessé. Non. Sa cheville, elle a tourné. C'est lui, là, il a écrasé sa cheville. Dembélé, il est au sol, non, il s'est relevé. Mais non, regarde, il souffre. C'est un nouvel homme. Non, il touche le tibia, je crois, mais ça va. C'est un nouvel homme. Mikel Merino, le capitaine de la Real Sociedad, qui a pris un coup à l'épaule visiblement en même temps. Mais c'est que là, il ment. C'est juste, il est fatigué. C'est juste, il sait ce qu'il vient de se manger là, d'Ousmane. Il fait semblant. Là. Non, ça va, je pense. Ça va, je pense, Trépied. Le Normand, il a pris un carton. Bah oui. Ouais. Il est mort. Ah, c'est le Normand. Je crois que c'était le Normand. Non, c'est le Normand. Moi, je me suis cassé la clavicule comme ça aussi. Ah ouais. Sur un duel. Amine aussi pendant le match. Ouais. C'était comme Normand, ça aussi. Ouais. Normand, il est mort. Il a joué blessé quasiment tout le match. Ouais, Merino, il a plus de calcium que toi, non? Un peu plus, je pense. Enfin, regarde, il est par terre, hein. Ah, ça veut rien dire. Sacha, il s'est relevé, hein. Mais j'ai relevé. En plus, la vérité, c'est que c'était sur une simulation que je me suis blessé. Oh là là. Il a pas ciblé. On vous a dit arrêtez de simuler, les mecs. Ah, le jeu qui a arrêté, hein, pour l'instant. Mais Merino, faut sortir à un moment donné. On dirait il se plaint, tu sais, genre en mode comme mais si c'est lui, il avait subi une faute. Ça fait 2 minutes t'es sur le terrain.
Le banc parisien qu'on aperçoit à l'écran en même temps fait peur, ce banc parisien. Il y a du beau monde sur le banc. Qui tire Achraf ? Il y avait Zoumana Camara ou j'ai rêvé ? Non. À côté d'Mbappé, t'as Mbappé, c'est son coach en soi. J'ai pas vu. Non. Je pense pas. Je pense pas qu'il soit dans, ouais. Je pense pas, hein. Dans le staff. Allez, Hakimi qui va venir tirer ce coup franc. Un peu plus de 40 mètres. Il tire bien, s'il te plaît. Il va le centrer au point de pénalty, visiblement. Peut-être le tirer. C'est centré, deuxième poteau. Marquinhos de la tête. Deuxième poteau. Et non. Fabien Ruiz qui sera pas le premier. Pourquoi il y va pas? Il y a pas de cul. Dieu, le mec. C'est vrai que s'il, ouais, s'il y va, il arrive lancé. Le joueur, il recule, lui, vient en avançant, il le rentre dedans en même temps. Allez, corner jeu rapidement par les Parisiens. Dembélé. Dembélé en 1 contre 1, la belle passe. Hein. Fabien Ruiz avec Hakimi, le centre. Ça va revenir. Vitinha. Voilà, on voit le. Avec Barcola. Bradley Barcola, il est bien. Oh, central. Trois axial, ce centre est capté tranquillement par Alex Remiro. Ah punaise. À une époque, Zoumana était dans le staff, ouais, avec avant. Avec Ancelotti. Coup de pied arrêté. S'occuper des coups de pied. Là, il est entraîneur des 19, non, au PSG. Ouais, exact. Ah oui, il s'embête pas, hein. Jouer. Quel contrôle de Marquinhos. Non, Fabien ne vient pas, donne nous une solution. Ouais, Fabien aussi, je trouve que c'est un peu trop en retraite depuis tout à l'heure. On aimerait. Il prend pas trop de risques, ouais. C'est ça le problème. En fait, on n'a pas ce mec qui casse les lignes. Non. Normalement, c'est Vitinha. Hein. C'est vrai qu'on joue beaucoup en retrait. Il joue 6, ouais. Non, recule. Non. Non. Moi, je trouve pas. C'était Verratti. Oui, ça, après ça, c'est. Là, on parle du Graal. Le pressing des joueurs de la Real Sociedad. On n'y est pas. Ouais, ballon récupéré dans l'axe ici, attention. Oh, le coup. Le petit pont tenté là sur Warren Zeremri. Oui, c'est sur Warren quand même. Ça passera pas. Ah, et 32 minutes. Hein. La possession pour la Real Sociedad. Mais c'est vrai que là, au milieu de terrain, on a un peu de mal quand même. Hein. Ouais. Toi, sur le chat, on me dit on voit pas trop Arène ce soir. C'est pas faux. On voit pas énormément. En fait, tu le vois que quand on récupère le ballon. Ouais, quand on défend, quand on récupère, ouais. Mais sinon, après, c'est vrai que dans la construction, tu le vois pas. Comme Vitinha aussi, tu le vois pas. Ouais, on voit beaucoup Fabien Ruiz à chaque fois que le ballon. Bah, parce qu'il est un peu plus bas. Ouais. Ah, mais il faut qu'il s'oriente mieux pour jouer vers l'avant. C'est ça. Sinon, on joue trop vers l'arrière. Exactement. Vitinha qui va se demander. Marquage individuel. C'est compliqué, hein. Oui, ça, c'est très bon. La belle talonnade. Bien sûr, il va passer. Vitinha pour Barcola. Barcola qui va se voir tacler ici. Oh là là. Attention à Kubo qui est passé là. Fabien. Le bon retour de Fabien Ruiz. Et il y aura un corner visiblement pour la Real Sociedad. Punaise de Paul, elle a tourné au ralenti. Ça, c'est la spéciale d'Embouz en plus. Hein. Quand il a trop vers la ralenti. Après, il n'a pas de pied droit par contre. Les gauchers. Attention à ce corner. Vous croyez, c'est une légende. Il a mis un. Takekubo pour tirer ce corner, le numéro 14. Les bras levés. Ça annonce quoi, le bras levé? Moi, tu sais que j'avais compris ça. Moi, je pense qu'il monte. Trippi. C'est un signe pour c'est quoi la vérité, Trippi, là-dessus? Tu peux avoir des stratégies. Moi, je pense qu'il monte. T'as eu les stratégies, toi? C'était quoi les stratégies en général? Nous? Ouais. Franchement, on avait pas. Hein. Mais tu vois, mais qui tirait les corners chez toi, à ce moment-là? À l'époque, c'était moins développé aussi, peut-être les corners. Trippi, qui tirait les corners à ce moment-là? Mais là, dans la boîte. Roten? Il faisait ça? Il faisait ça quand même? Non, mais ça. Ouais, il faisait ça quand même, mais il n'y avait rien. Droite, on va se débrouiller, t'inquiète pas. Roten, il tirait bien à l'époque. Non, on n'avait pas de. Toi, en jeune, oui. En formation, oui, mais après, quand je suis monté avec les pros, c'est. Tape devant. Chez les pros, qui tirait les corners au PSG quand il était? Bah, Roten, hein. Marco Sierra aussi. Extérieur. Ouh! Roten, ça tirait bien. Attention, cette action, la retournée tentée derrière, non. Balle perdue, ça peut repartir vite devant, non. On trouvera pas un Parisien. Le corner qui n'aura rien donné pour la Real Sociedad. On a trop de mal sur le deuxième ballon, on a trop de mal sur la première passe vers l'avant. J'ai annoncé, moi, nul mi-temps et 1-0 deuxième mi-temps, Mbappé. Deuxième ballon, tu vois, c'est là, il faut qu'on y soit. Alors, il y a faute, monsieur l'arbitre. L'arbitre, il a dit rien, c'est fou. Attention la profondeur. Marquinhos devant André Silva. André Silva qui pousse trop ce ballon. Ça sort. C'est sorti normalement en 6 mètres. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'était Barnet de Xea, pardon. Oh. Il va pas être content, Lucien Riquet. Non, c'est bon. La faute, là, c'est l'arbitre. C'est le Normand? Il va pas finir le match.
Ah ouais. Ouais, non, ouais. Le bras, les genoux. Ouais. C'est ce que vous ou pas. C'est ça que tu voyais. Voilà. La prochaine, ça peut être, ça peut être deuxième jaune. Mais. Oh là là, je comprends pas. Sa casquette est trop basse. Je comprends pas. Allez, profondeur, il y a de l'espace voilà, là pour. Première profondeur. Vitinha. Bon, après, c'est pas le plus rapide en profondeur. Plus rapide du quartier. Mais au moins, ça nous fait grappiller un peu de terrain. La tête Je t'ai dit. Ruiz, t'as pas le droit de faire ça. Je t'ai ça. Dit, il joue comme nous. Mais la tête. Genre, il a été un peu trop en avant. Des fois, il me touchait vraiment, j'étais en merde. Une main, premier poteau, deux mains, second poteau. Oui, mais si, ça, c'est si la légende, c'est... Ça. Oui, mais si c'est ah, ça. Des fois, ils inversent. Des fois, du coup, inversent. On comprend tous. Bah ouais, c'est ça. Non, tu places les joueurs là, dans le point de chute. T'en as un qui va aller sur le gardien, t'en as un au premier poteau et tout. Mais après, des combinaisons, comme on peut voir là, comme on a vu la Real Sociedad, ce qu'ils ont fait, ah, des fois, t'as pas le temps de travailler. Ce qui me perturbait, c'était les combinaisons où tout le monde sort des cages. T'as tout le monde qui se met dans les cages, oh là là, et dans ouais, ils se mettent ouais, en arrière là. Moi, j'aimais bien quand ils faisaient en ligne comme ça, ouais, d'un coup, ça explose. Ah, ouais. Ah oui, carrément, carrément. Mais tout ça en ligne et boum. Parfois ça marche. Ah bon, ça les gars. Ça marche. Ah marcher, bon, les gars, c'est dans l'axe. Bah, Nexéa qui va chercher Kubo sur le côté droit. Sors pas, sors pas. Sors pas. Kubo et Camari, la passe trop profonde, heureusement. Allez, 6 mètres pour le PSG. Première mi-temps, messieurs. On est sur la retenue encore. C'est quoi le discours d'Enrique à la mi-temps, vous pensez? Traoré, il met le ballon sur. Plus de passes. Ouais, poser le jeu. Non, il va régler le milieu de terrain. Ouais, tu penses? Il va régler le milieu de terrain. Il va, parce qu'ils sont beaucoup en marquage, ils subissent un petit peu et on n'est pas sur. Ils sont hauts encore. Hein. Ouais, mais qu'ils soient hauts, c'est pas grave, on est déjà sortis comme ça. Ouais, mais là, ils ont du mal, Paris, à ressortir. Regarde. Ils sont obligés d'allonger. Justement, parce qu'il n'y a pas de solution au milieu. Les solutions au milieu de terrain, on a du monde. On a Carlos Soler, on a Manuel Ugarte. Tu sais, moi, là, à ce moment-là, j'aimerais bien voir Asensio. On a Asensio. Asensio qui va pouvoir faire le lien entre la défense et l'attaque. On a du monde. Hein. Asensio, il peut délivrer des ballons millimétrés pour Mbappé, pour Dembélé. Il a une qualité. Hein. Indéniable. Là, ce qu'il nous faut, c'est un joueur qui puisse se retourner avec le ballon au milieu de terrain. Je pense qu'Asensio, il peut le faire. Hein. Dès qu'on le trouve. Ouais, mais pas en bas. Plus haut, ouais. En bas, il va se faire tamponner. Il a dribblé sans faire exprès, là, j'ai vu. Hein. Voilà. Traoré, rattrapé par Barcola. Oh, dommage. Perte de balle de Barcola, attention derrière. Heureusement qu'il se tourne pas, ouais. Faut faire faute. Non, c'est trop tard. André Silva. C'est un peu déstructuré de partout, j'ai l'impression. Ouais. Mais des deux côtés, ça défend. On défend à l'arrache, ça défend, ça attaque. Allez, Beraldo. Kubo sur le côté. Avec André Silva. Attention. André Silva, il y a un espace là pour les Basques, la frappe sur la barre transversale de Mikel Merino, la grosse frayeur pour Paris Saint-Germain. Oh là 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 là, c'était un missile qu'il a envoyé. Il y a marché là. Il y en a qui a marché. Oh là là. Il était battu, hein, Donnarumma. Ah ouais, elle tombe pas la balle. Ouais, non, c'est barre rentrante ou Lucane, c'est but. Hein. On s'en sort bien sur cette action. Juste avant la mi-temps, c'est. Heureusement que ça passe au-dessus, ouais. Allez, Mbappé pour répondre, peut-être. Là, nous, monsieur l'arbitre, merci. Touche pour les Parisiens, il reste 30 secondes. Si on peut avoir une petite action dans ces 30 dernières secondes, mettre un petit but, on dit pas non. En ce milieu de terrain, on est pas bien. Ils vont se faire engueuler à la mi-temps, là. Ouais, tant c'est mieux. Ce que le chat dit, hein, nos milieux absents. Encore une fois, on dit Pochettino sur le chat. Le milieu de terrain, on est. Ouais, c'est le domaine où un peu on pêche un peu. Non. Allez, Barcola, oui. Avec Vitinha. Vitinha. Allez, siffle la mi-temps. Ouais, c'est compliqué là. Respirez. Voilà, la touche pour les Parisiens. Ah, bon. Faites un cooling break. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est la mi-temps de cette rencontre entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain. Match aller de ce 8ème de finale Ligue des Champions. Pour l'instant, messieurs, 0-0. Le PSG s'est fait peur dans ces dernières secondes suite à une barre transversale trouvée par Mikel Merino. Première mi-temps avec. Plusieurs visages pour le Paris Saint-Germain. Au début, ça a pressé du côté de la Real Sociedad. Après, le PSG a eu quelques actions, notamment celle de Mbappé. Mais derrière, c'est pas un match référence pour l'instant. Ah non, clairement pas. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de déchets techniques des deux côtés, surtout du côté du Paris Saint-Germain. Et comme on a dit, le milieu, il n'est pas trouvé. On n'a pas de solution. Je trouve l'équipe beaucoup trop écartée, qui ne pose pas assez le jeu et trop de déchets techniques pour un match de Ligue des Champions. Moss, ton avis cette première mi-temps? Bah en fait c'est comme ce qu'on avait dit au début hein. Si l'équipe en face de nous, elle nous presse, elle est haute, tout ça, c'est dur.
c'est très dur pour nous. Et ils sont pas tombés dans le « vas-y, on vous attend derrière ». Parce que quand ils attendent derrière, ils l'ont vu. Quand ils attendent derrière, on est trop dangereux. Mais là, là, quand on n'a pas beaucoup d'espace, quand on n'a pas le temps de se retourner et tout, c'est dur. Et il nous manque ce mec au milieu de terrain qui peut faire la liaison, tu vois. Ah, le milieu, un problème, Trippi, tu nous rejoins là-dessus également ? Ouais, le milieu, si, ils sont en souffrance parce que sans ballon, ils ont du mal à se démarquer. Parce qu'on voit que la Real Sociedad fait un marquage individuel intense, même aussi sur nos excentrés. On voit Dembélé, même si on l'a vu par moments faire des choses intéressantes, mais il est muselé par son latéral gauche. Après, moi, c'est plus dans les transitions, on n'est pas très bon. C'est quoi la solution contre un marquage individuel ? Ah, mon gars, c'est de courir. Hein. C'est de multiplier les courses et d'avoir ce temps d'avance qui va te permettre soit de faire une déviation, soit de faire la profondeur aussi. En deux touches très rapidement, trouver un partenaire qui lui aussi devra anticiper. Tu vois, en fait, ça va être que de l'anticipation. Et c'est vrai que là, on n'y est pas et défensivement, les trois n'arrivent pas en fait à se synchroniser. Là, on l'a vu sur la dernière frappe, il manque un numéro 6 au côté de Fabien Ruiz. C'est vrai. Si le numéro 6 est à côté de lui, il ne le trouve pas, soit il va trouver à l'opposé. Et on a eu peu d'occasions quand même. On a eu celle de Mbappé. Après, voilà, on a eu Dembélé hors jeu. Ouais, tu as eu Dembélé hors jeu, mais tu n'en as pas. Et une tête de Barcola, un peu brouillonne. À trouver Mbappé en. C'est vrai qu'Mbappé, il n'a pas beaucoup touché la balle. À partir du moment où tu n'arrives pas à trouver tes milieux de terrain, et derrière, tu n'as pas trouvé son attaquant. Parce que Emery non plus n'a pas beaucoup touché. Vitinha, ouais. On ne l'a pas beaucoup vu. On les a que vus quand on récupérait le ballon très haut, qu'on arrivait à se propulser, tu vois. Et on le disait également, les possessions des Parisiens. Elles étaient à chaque fois très rapides et on avait le ballon à quoi 7-8 secondes maximum, ouais, je pense, en moyenne. On perd vite la balle. Il y a du déchet également qui n'aide pas forcément à se projeter. Même dans le dernier geste aussi. En fait, le problème, c'est que il faut qu'ils soient en mouvement. Tu appelles ça une technique de mouvement. C'est-à-dire que quand tu reçois le ballon, tu ne peux pas le recevoir arrêté. Pour gagner du temps et un dixième de seconde, quand le ballon il arrive, tu es obligé d'être en mouvement. Parce que si tu es arrêté, l'autre il va anticiper. Si tu es en mouvement, même s'il anticipe, il n'aura pas ce temps-là parce que toi, tu auras peut-être déjà vu une autre solution. Tu vois, ouais, t'as un temps d'avance. Tu as toujours un temps d'avance quand tu es en mouvement. Quand donc, encore plus de mouvement pour réussir à mettre ce but et faire la différence pour Trippier. Également, la profondeur, on en parlait un petit peu. Ça fait partie du mouvement et c'est peut-être ce qu'on n'a pas encore exploité à fond. Après, on exploite pas souvent la profondeur avec Luis Enrique. Hein. Ouais. En vrai de vrai, la plupart de nos actions, c'est 38 passes, d'un coup une accélération, passe en retrait et tout. Ça veut dire que les profondeurs, elles sont pas souvent prises et ça peut jouer pour nous aussi. Hein. Ça veut dire les gens savent que maintenant on fait pas beaucoup de jeux en profondeur et on peut en envoyer quoi. Messieurs, on est d'accord sur les avis. Complètement d'accord. Après, moi aussi, il y a le dernier geste. On voit Emery qui peut la mettre bien sur Dembélé, qui la met un peu dans les pieds, la met dans la profondeur. Et en plus, après, ça, c'est mon avis perso. Je préfère voir Mbappé sur le côté que dans l'axe parce qu'il dézone souvent et on a vu plein de situations où il n'y avait personne pour recevoir le ballon dans l'axe. Mais bon, il n'y a pas le choix. Peut-être avec l'entrée de Ramos en seconde mi-temps qui apporte un peu cette présence dans l'axe sur un débordement d'Mbappé ou de Dembélé. Tu fais rentrer Ramos, tu sors qui du coup ? Ça, c'est Enrique qui décide. Et Arnaud Tenas, il rentre quand ? Donc, messieurs, si je fais un petit débrief de ce qu'on aimerait voir en seconde période, ça va être. Des buts, c'est tout. Plus de mouvement. Ouais. Plus de mouvement. Un peu moins de déchets techniques également. Surtout. Et plus de maîtrise également avec le ballon, hein, le garder un petit peu plus longtemps, ne pas la perdre aussi rapidement qu'on a pu le faire. Et je pense que ça devrait mieux se passer si on. Il y a un peu de spectacle aussi. C'est assez surprenant de voir autant de déchets techniques, même du côté de la Real Sociedad. Ouais, on a beaucoup de passes ratées. On est en équipe de finale de Ligue des Champions. Bah, en fait, c'est assez fou. Par le fait que ça soit énormément pressé, t'as pas beaucoup de temps pour faire cette passe, ce contrôle, ce truc, tu vois. Donc, t'es obligé d'avoir du déchet. Hein. C'est clair, mais tu penses que. Non, mais t'es obligé. Enrique, il s'y attendait pas à ce que la Real Sociedad joue haut comme ça ? Ça, il faut lui demander. On peut l'avoir après en conf de presse ici ou pas, Enrique ? Je peux lui demander. Ouais, il y aura une conf de presse après le match, mais ce ne sera pas avec nous, mais ce sera à la fin de ce live, forcément. Il sera là. Messieurs, pour l'instant, donc 0-0 à la mi-temps. On espère plus de mouvement en seconde période et du mouvement également du côté des buts parisiens, parce que bien sûr, c'est notre match à domicile au Parc des Princes. Donc, il faut prendre l'avantage aujourd'hui dans ce match aller avant d'aller jouer là-bas à San Sebastian. Messieurs, petite pause pour nous. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième mi-temps de ce match. À tout de suite.
Turn it way up.
You'll crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damn, damn, it's then you gon' pay up. You'll crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damn, damn, it's then you gon' pay up. You'll crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damn, damn, it's then you gon' pay up. You'll crank that volume, turn it way up. Turn it way up, turn it way up. Crank that volume, turn it way up, way up. Et nous sommes de retour, seconde période de ce match de Ligue des Champions. Huitième de finale, aller qui oppose le Paris Saint-Germain à la Real Sociedad. Messieurs, 0-0 dans cette première mi-temps. On est toujours en compagnie, bien sûr, de Trippi, de Sacha et de Moss pour cette belle affiche. Ouais, non, mais tranquille, c'était le début. En fait, ils n'étaient pas encore chauds. Début timide. Je les ai eus à la mi-temps. Tu les as eus à la mi-temps ? Ouais, t'as eu Enrique ? Ils n'étaient pas encore chauds. Ok. Tu lui as dit quoi à Louis à la mi-temps ? J'ai dit si, pero. C'est tout. On lui a dit sortez monsieur s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai en espagnol. Si, pero. Pero. Adios. Okay. Allez, les Parisiens. Aucun changement, je crois. Hein. Non, pas de changement dans cette seconde période. Première mi-temps, on manquait un peu de mouvement. C'est ce qu'on a dit là au résumé de cette première mi-temps. Un peu de mouvement, un peu plus de. Un peu moins d'erreurs techniques également. Et plus de temps avec le ballon, plus de conservation avec le ballon parce qu'on le perdait très rapidement. Plus de prise de risque aussi, mais ça viendra avec la possession, je pense. Exactement. Première mi-temps où la Real Sociedad a eu la plus grosse action de ce match. C'est vite. Une barre transversale. Qui joue la sentinelle. Parce qu'on veut un peu de jeu, un peu plus de jeu vers l'avant. Ouais. Maintenant, on va voir si c'est vrai qu'il y a un changement. C'est vrai. On va voir s'il va réussir à le faire, mais bon. Vitinha qui prend le rôle de Fabian Ruiz un petit peu d'après la première observation qu'on a pu voir dans ces premières secondes. Et c'est vrai que Vitinha, il peut te faire un petit 1 contre 1, un petit crochet, une petite fin de corps et chercher justement un décalage devant. Chose que Fabian Ruiz fera un peu moins, ce genre Je pense qu'il est plus apte à trouver de la verticalité, Vitinha. De 1v1. Remiro.
Tête de Danilo. Barrené sur le côté. Il n'y a rien. Oui, c'est l'arbitre. Petite faute de Vitinha. Tout le temps, il est siffle. L'arbitre, punaise. Il y a faute. Mais non. On reste dans notre truc. Non. Il n'y a pas faute. Ça se voit, vous n'avez pas joué au foot. Oh là là. Et du côté de la Real Sociedad, pas de changement non plus dans cette première période. Je vous rappelle qu'il y a le Normand qui a un carton jaune. Et c'est le seul joueur averti. Il faut aller le titiller en un contre un là. Allez, Ravi Galan sur le côté. Non, ferme. Avec Barrené, la balle perdue là par. Tu sais qu'on a beaucoup de chance qu'ils perdent beaucoup de ballons d'eux-mêmes. Ouais. Ah, parce qu'ils peuvent trouver des décalages. Ouais, parce qu'en Espagne, ça perd rarement des ballons en général. C'est un football très propre. De conservation. De conservation de passe. Tout va bien. On repart sur les mêmes bases, j'ai l'impression, que la première mi-temps. Ils ne peuvent pas tenir comme ça 90 minutes, comment ils nous pressent là. Voilà, Vitinha, la belle passe. Hein. Intérieur. Allez, Vitinha pour chercher des solutions. Oh, non. Mais il est tout de suite pressé. Hein. Beraldo. Ah, c'était pas mauvais. Hein. C'est tenté. Mais c'est perdu, attention, avec Kubo qui va repartir à l'offensive. Kubo qui est passé devant Beraldo, le bon retour de Fabian Ruiz. Et là, on peut partir vite en compte peut-être. Avec Mbappé peut-être. Allez, Kylian. Oh, il a pas repris. Ça peut non. Pas. Qui gagne ce ballon, mais touche pour les Parisiens. Allez, donne-la. Laisse faire les autres. C'est dommage. Là, je repense à quand ils pouvaient trouver Dembélé, là, Vitinha. C'est ça qui nous manque. Ouais, pour l'instant, on n'a pas eu non plus 50 actions dans ce match. Un point sur les stats, on n'a même pas fait un point sur les stats. Regarde comme il est bien pressé à Kimi directement. Messieurs, les stats de ce match, elles sont plus exceptionnelles. Voilà. Attention avec André Silva dans la surface. André Silva, la frappe contrée, ça va revenir. Et finalement, il y aura une main. T'as vu comment il est venu presser à Kimi. Il a un sprint du milieu de terrain pour venir le presser. La main, l'arbitre. Je vais vous dire les stats de ce match. Je veux s'il avait marqué ou pas. Elles sont pas forcément très très belles, les stats de ce match. On a 4 tirs pour le PSG, 5 pour la Real Sociedad. Je comprends pas. 1 tir cadré pour Paris, 0 pour la Real Sociedad. Allez, ciao. Intérieur. Ça va venir de lui. Allez, Dembélé. Oui, Dembélé pour Mbappé. Un peu trop profond. Ça revient avec Mbappé. Dans l'axe, il n'y a plus personne maintenant. Hakimi, côté droit. Ah, c'est dommage. Par contre, elle, l'appel de Kylian. Hein. Ouais, quand il a fait sans. Oh là là. On repart à gauche. Bradley Barcola, les Parisiens devant la surface, la Real Sociedad. Rapidement. On fait tourner ce ballon avec Vitinha cette fois-ci. Vitinha. Bien joué. Qui va écarter avec Hakimi. Allez, mets là. Hakimi, le centre, premier poteau. Mbappé, c'est contré. Je la voyais. Ouais, moi aussi. Je la voyais, deuxième poteau, elle est en train de rentrer. Malheureusement, c'est pas contré. Elle retouche son pied d'appui, non? Ouais, le mollet, non? Ah non. Ouais. Ah, c'est contré, non? Non, je crois pas contré. Mais bon, ouais, c'est déjà pas mal. Il y a du mieux. C'est ce qu'on veut voir. Parce que je vous le dis, les stats, c'était pas non plus quelque chose d'assez incroyable. La possession pour les Parisiens, tout de même, 59%. J'aimerais bien voir si on a un match cette saison. On n'a pas eu la possession. Ouais, face à Lille. Ah ouais ? Face à Lille, c'est Lille qui avait la possession, c'est pas le Paris Saint-Germain. Et ils se sont fait taper. Enfin, ouais, c'est pas. On se reconcentre. Ouais, face à Lille, quand on est au match avec Sacha, on. 52% possession pour le PSG. Non, sur la fin. Sur la fin. En fait, tout le match, il l'avait pas. Sur tout le match, c'était Lille. Après, sur la fin. C'est sûr, tu gagnes 3-1 à la 80e à la fin du match. Ouais, voilà, et sur la fin, ils ont repris la possession. Mais tu vois, mais sur tout le match, tu dis, ah ouais. Il veut nous faire Arsène. Il m'a fait hier déjà, quand j'étais en live. Il m'a fait hier. Comment il a cliqué vite. Il a dit, aujourd'hui, je vais le faire. Je veux que mon PSG garde la possession. Bon, après, je préfère la possession qui va vers l'avant, mais. Là, pour l'instant, on a des possessions pas forcément qui mènent à des actions tout le temps. Et attention à ce corner, là, pour la Sociedad. Ouais. Le corner, joué à dans deux. Dans l'axe. Avec. Qui est dans la surface. Ça donnera rien, heureusement. Sorti. La balle qui est sortie. Bon pressing de Barcola. Devant Kubo. Allez, 52e minute de ce match. Je pense qu'on va pas tarder à voir des gens partir à l'échauffement du côté de Paris. Ouais, bah sur le banc, on a dit, il y a vraiment du monde. T'as des infos, du beau monde. T'as des infos. Ah bah tiens, regardez. Marco Asensio qu'on aperçoit. Il a dit, regardez, toujours assis. Non, moi je sens bien. Moi je sens bien Randal Colomwani.
On y est. En vrai, je pense que c'est un match où il peut faire quelque chose, Randall. Ils arrivent toujours à être avant nous. Hein. Mais lui, c'est qui ce joueur-là? Après, Randall, ça va être comme Dembélé et Barcola. Ça va être compliqué de lui. Il garde le ballon balle au pied. Je pense que de haut jeu, il peut pas garder le ballon pour essayer de trouver un appui. On aura un peu plus de puissance. C'est ça. Après, il y a de la puissance. C'est voilà, ça qu'on attendait depuis tout à l'heure. Vitinha, qui est passé entre deux joueurs. Il n'y a pas ce joueur. Ouais, à qui? On n'a pas ce joueur. Mais Ousmane. Zaïre Emery. Allez, il n'y a rien, joue. Physiquement, qui résiste, hein. Zaïre Emery. Mais lui, vous êtes sûr de son âge? Solidité, quelle solidité. Danilo avec Zaïre Emery. J'ai l'impression qu'ils prennent bien l'espace sur le terrain. Ah, il m'a fait flipper. Hein. Tiens. Ah, le contrôle un peu loin, atteint Danilo, mais tout va bien. C'est ça. Tu Lucas Beraldo. Ah, allez, mets le combinaison. Mais Fabien, il faut la toucher avant. C'est bien, Fabien. C'est bien. Mbappé au pressing. C'est bien ça. Oh. Avec Vitinha, on n'est pas loin à chaque fois, on est un peu mieux. En fait, on est toujours à c'est ça. C'est à ça. Qui ça. Rend fou. Ouais, faut qu'on arrive à mettre ce premier but. Je pense qu'on va se débloquer après. Parfois, c'est ça. Il là, manque un but et un appel de balle. Ouais. Ou un mec qui se place dans l'intervalle. On l'a pas eu. Je connais un joueur quand il faisait ça. Hein. Oh punaise. Attention, il y a de l'espace là pour la Real Sociedad. Côté gauche avec. On n'a pas le droit, les mecs. Bien joué. Marine sur Ashraf. Le côté. Ah, très bonne défense d'Ashraf. Corner, non? Corner. Ouais, Hakimi en vitesse en général, c'est. Manquerait plus plutôt ça, solide. Ça court vite du côté d'Ashraf. Mais il y a un corner tout de même pour la Real Sociedad. 54e minute de ce match. 5e corner pour la Real Sociedad. Attention au marquage. Barrené qui joue en retrait. Attention, oh, bien fermé. La combinaison. Barrené encore une fois, la passe en profondeur vers Kubo. Kubo pressé, poussé par Barcola, tout va bien. Bien joué. J'ai eu peur qu'il demande une faute. Ah non. J'ai eu peur que Kubo demande une faute, heureusement qu'il n'y a rien eu. Il presse tout de suite il presse. Allez Warren. Warren pour faire la diff. Et un faute, monsieur. Ah ouais, les bras. Hey, c'est qu'il a pas sifflé. Comment ils mettent les bras? Ouais. Là, c'était pas le coup d'épaule, là. C'était vraiment les bras. Perte de balle, du coup, des Parisiens. Zubimendi, en retrait. Avec Alex Remiro. Allez, on presse un peu, là, du côté du PSG. Tu l'as. C'est où, il a pas Fabien Ruiz. Oui, c'est bien joué ça. Non, non, allez, Vitinha avec Mbappé dans les ports-jeux. Mbappé, le crochet, Mbappé. Lâche Barcola à gauche. Allez, Beraldo, bonne récupération. Bradley Barcola qui essaie de passer entre deux joueurs. C'est récupéré, Barcola dans la surface. Barcola, oh, dommage qu'il cherche pas une solution derrière. Je t'ai dit, t'as vu, c'est le moment où t'as l'impression que la balle elle est perdue, il la touche. Bah là, regarde, il s'est passé un truc bizarre. Dommage, là. Chat. Non. Le gardien aussi, pas serein. Pas serein du tout là. Ah, il la retouche derrière, vous avez vu? Non, c'est le gardien qui la retouche. C'est le gardien qui la retouche. Ah oui, il est. Mais on s'en fiche de toute façon. C'est le gardien. Il y a corner. Le corner des Parisiens qui ne donnera rien. Tu peux le dire maintenant. Oh les gars. Bah, il a retouché Brasil. Allez, Vitinha avec Hakimi. Pardon, Mbappé. Allez, Mbappé, passement de jambe. Mbappé, frappe croisée. Oh là là là, c'est touché. C'est contré, c'est presque rentré. Corner pour les Parisiens. Elle était battue. Ah, Marie Traoré restait au sol. Le défenseur. Ça serait le but de la Real Sociedad. Le plus drôle. Il n'y a pas de chasse-ballon. Mais tu vois un but comme ça. Comment je prends? Bah oui. N'importe quel but. Hein. On prend tout. Comment je prends? J'espère qu'il célèbre bien fort en plus. Ah, surtout que, comme je vous l'ai dit, match retour, c'est là-bas. S'il y a des points à prendre on ce soir, il faut y aller quoi. Mais c'est lui qui l'attrape. Hein. Mais cousin, là, là. Ah ouais, le genou. Sur un appui. Kylian, il a même pas essayé de voir s'il est. Avait... Ah, lève-toi là. Ouais, sur le genou. Ça a tourné? C'est pas que ça tourne, c'est que ton cartilage il. Ah, quel dommage. Il a essayé de suivre le cartilage de Kylian. Et ah ouais, qui il est pas autant malléable. Ah, quel dommage. Allez, sors. Ancien joueur du Stade Rennais,
Qu'est-ce qu'il est fort. Ah, est très fort, je te jure, il est vraiment fort. Hein. Ah, je te cache pas que ça me dérange pas tant que ça s'il sort. Hein. Ah, c'est dommage là. Mais c'est le gardien qui l'a touché. Tu vois pas toi. Là, s'il l'a... Tu veux revoir. Tais-moi, regarde. Tais-moi. On voit pas le ralenti. Non, c'est le gardien qui la sort. Mais oui. Mais non, regarde, c'est retouché derrière. Mais n'importe quoi. Ça va être très bien. Oh là là. On sait. T'as, je pense que t'as trop regardé le match. Dembélé, mets-nous un. Allez, corner pour les Parisiens. Pourquoi il est au sol lui? Donnez-le avec le Normand, comme d'hab. Ça, on connaît. Ah, t'as fait raison sur le Normand. Il... Et pourquoi pas Bradley de la tête? Bradley de la tête, c'est grand aussi. Hein. Bon, c'est ouais. Pas le, son point fort, le jeu de tête, mais. Non. Après, Marquinhos. Il est frêle aussi. Hein. Marquinhos, premier poteau. Allez, Dembélé. C'est tiré oui. Pour les poteaux, tête de Marquinhos, ça revient oui, le but du Paris Saint-Germain. Let's go. C'est Kylian Mbappé qui ouvre le score. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. On n'avait pas marqué sur corner depuis, je crois, Newcastle. Milan Skriniar. J'ai cru t'allais dire depuis 2012, avant Jésus-Christ. Bon, attends. C'est Marquinhos qui la prend. Marquinhos, marquis de la tête, deuxième poteau, c'est Mbappé qui a bien suivi. Et 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Je vous ai dit 0-0 mi-temps, 1-0 Mbappé. À part ça, t'as tout juste. Hein. J'ai tout juste pour l'instant. T'es chaud. Moi, c'est toujours pas fini. On est au 2. Ils étaient à 10 en plus, les joueurs de la Real Sociedad. Ah, il n'y a pas hors-jeu. Mais non, pas de hors-jeu. Le numéro 4, t'aurais dû monter. Non, t'aurais pas dû monter. Marquinhos, il est bon pour se défendre. Oh là là. Il a dévié comme ça à chaque fois. Chaque fois, il apprend. Il apprend. Qu'est-ce qu'il apprend ? Par contre, l'épaule du dos. Le gardien, s'il sort vraiment, il peut le gêner plus. Mais il s'y attend pas. Ouais. Non, mais il peut le gêner plus. Il marque du tibia et tout. C'est à l'image du match, hein, le but. Hein. Je t'ai dit tout à l'heure ou pas ? Je t'ai dit un but bizarre, je prends. Un but bizarre, mais qui a de la détermination et c'est un match où il y a quand même de l'engagement. Pas décisif du dos et but du tibia. Non, c'est vrai que c'est un but à l'image du match, je suis totalement d'accord avec vous. C'est l'engagement qui a fait la différence. Ça grinta. Et en vrai, tu sais que là, ça peut nous mettre bien parce que eux ils vont vouloir marquer, c'est-à-dire ils vont grave se découvrir. Allez. Oh, bien joué ça. La régie, par contre, il y a encore écrit 0-0, faut acheter le but. Ouais, joue Bradley. Hors-jeu, allez, profondeur, Mbappé. Rien de courir, Qui essaie d'esquiver. Mais Barcola, un contre un, c'est mieux. Un 6 mètres. C'était pas loin, là, pour qu'il y ait toute cette course pour rien. Ah, maintenant, cette nouvelle règle, enchaîner. Là, cette nouvelle règle là, du hors-jeu, moi, je suis attaquant et j'ai envie de tout casser. Ah ouais. Ouais, tu cours pour rien. T'imagines, tu fais des grands sprints. T'as fini ton action. Après, en plus, parfois c'est évident, lève le drapeau, cousin. Y'a rien. Voilà, sont actifs. Bien joué. Allez, Vitinha. Y'a de l'espace sur le côté Hakimi. Avec Dembélé, allez, pourquoi pas mettre un deuxième but maintenant. Dembélé, le crochet, c'est passé. Hakimi en profondeur, Hakimi le centre en retrait, c'est dévié. Voilà. C'est beau, hein. Là, c'est beau. Là, c'est ce qu'on veut voir. Mais je t'ai dit, ils vont se découvrir. Attendez, Trippi, ne voulez pas ça. Si, mais le centre après. Voilà. Le centre après, en retrait. Tu voulais que lui. Il piquait en l'air, là. Il y a Fabien Ruiz, là, au deuxième, là. Tu sais, les petits piquets où les gens, ils vont vers le but, toi, tu mets en retrait. Ouais, corner pour le PSG. Deuxième, merci. Ousmane Dembélé, deuxième poteau, c'est tiré. On a un joueur parisien qui est tombé, mais. J'ai vu une projection de MMA. Vas-y, mets bien. Vitinha qui remet dans le paquet. Ah, Viti. C'est dévié. Il a juste mis. Allez, Warren Zeremri. Avec Hakimi. Ouf. On garde ce ballon tranquillement. Un peu moins serein, la famille. Oh là là. On s'est déjà retrouvé dans une position comme ça, là, quand il y a les corners. Arrêtez pas. On aurait tous fait pire, arrêtez de rire. Oui, mais c'est bon. Voilà. Mais c'est pour ça que je suis assis ici. Tu nous serais là-bas. Oui, bah oui. Pas que lui, il a le droit de parler. Lucas. Ah, Lucas Hernandez qui s'apprête à rentrer. Carton. Ouais, c'est vrai, on le rappelle, il peut être suspendu en 4 cartons jaunes, Lucas Hernandez. Non, mais il est intelligent, il a de l'expérience, Lucas, quand même. Ça marche pour lui, ça va mettre de l'impact. C'est un bon pressing, les mecs. Ça, c'est un pressing que j'aime. Ouais, bon pressing des Parisiens. L'ensemble. Ah, on est en retard. Et la relance manquée, là, de la part de la Real Sociedad. Non, trop facile, ça. Allez. Ça il va la tirer, hein. Mbappé le centre, deuxième poteau vers Dembélé. En une touche. Ah, dommage qu'il l'armait pas. Là. Dembélé dans la surface. Tiens. Oh là là, les fans de corps Dembélé. Le centre, premier poteau. Tête de le Normand. C'est la dernière fois que tu dis dommage quand Dembélé a la balle. Non, parce que je voulais une balle en retrait, mais au final. Oui, toi tu voulais, mais lui c'est. Ah ouais, il nous a mis une fan de corps là, mais. Oh là 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 là. Incroyable. Quel joueur. C'est terrible. J'aimerais bien défendre contre lui juste pour me dire ah ouais, c'est quoi ce.
ce cheat code. Le corner de Dembélé, deuxième poteau. Franchement, si Danilo, si le Normand il laisse Danilo, Danilo il a chaque point de chute. Une tête des joueurs basques ici, ça va revenir avec Hakimi dans la surface. Hakimi dans la surface, en retrait. Oui, allez, vas-y. Fabien Ruiz. Ah Dembélé le centre, okay. Deuxième poteau, il n'y a pas de présence. Okay. C'était pas moche, hein. Pétard. Et ça revient. Fèche doucement. Pétard, ah, c'est Beraldo. Non, attention, la perte de balle des Parisiens. Non, non c'est bon. Mais il y a Warren. Warren a bien suivi. Vous m'écoutez pas quand je parle. Il y a Warren, je dis. Oh. Vitinha, vous voyez, c'est le petit dribble qui fait qu'on arrive à mieux ressortir au final. Oh. Vous avez vu? Bah, on joue. Ah, c'est peut-être mieux, justement. Ça passe, ça passe. Allez, mais redonne-lui. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué de lui remettre, je pense. Il même Kylian, il dit je joue vers l'avant. Mais c'est oui. Obligé, en fait. Fallait lui redonner, là. Viti, il est bien pour la relance, là. On sent qu'il est. Ah, mais c'est mort. Il est en mort. Confiance. Là, tu perds le ballon alors que t'avais un avantage. On s'en fout. J'aurais préféré la touche Bradley. Hein. Ouais, la relance vers Alex Remiro. Dembélé, c'est quoi n'importe où, garde un peu d'énergie là. Dembélé, mais quel joueur, nous dit le chat. Ah, c'est vrai qu'il enflamme le Parc des Princes. Fait bon vivre là un peu mieux. Asensio à l'échauffement. On est un peu là, là. On dit bien. Asensio, Lucas Hernandez. Moi, je dirais Asensio à la place de Fabien Ruiz. Ouh, la belle récupération d'Hakimi avec Mbappé. Hakimi, Mbappé, la frappe d'Mbappé, oh, la barre transversale. Père de ouf. Pour Kylian Mbappé qui demande un corner derrière, mais je pense pas que ça a été touché. Ah, Oh là là, pourquoi ça rentre pas? Il a envoyé un pétard. Ah, si, touché. Non, elle est touchée. C'est touché hein, par Alex Remiro. Et il y a corner, c'est bon. C'est joué à deux. Dembélé, ouh, la grosse faute sur Dembélé. La biscotte, elle est où? Le carton de ce l'arbitre. Bien sûr. C'est Barrené encore? Non, c'est. Peut-être, ouais, c'est Barrené, je pense, t'as raison. Ah, non. Si, c'est Barrené. Ouais. Parce qu'ils l'ont pas montré derrière. Oh, ah ouais, là, ça, c'est jaune, monsieur l'arbitre. Ah oui. Il faut les appuyer bien comme il faut, là. Allez, le deuxième. Dembélé, est-ce qu'il a perdu un duel ce soir? Je crois pas. Hein. Oui, est-ce qu'il a perdu un duel cette année? Au début. Ouais. au début. Est-ce qu'il a perdu? Non, au début. Au début, je faisais manger. Ah, mais il doit être à 70% de réussite facile. Hein. Au début, de l'intérieur gauche, je faisais mal quand même. C'était même pas lui en plus. Allez. Le coup franc pour les Parisiens. Achraf Hakimi pour venir le tirer. Assez excentré. Ça va être centré dans la boîte normalement. Marquinhos, ça date, on n'a pas vu un but. Il peut l'attenter direct, tu penses? Il peut, mais. Oh, il a joué à gauche. À droite, pardon. Oh, mais c'était avec Dembélé, nouvelle faute. Ça, non, mais là, quand sur même. Ousmane Dembélé. Là, au bout d'un moment, faut sévir, hein, le carton. Pourquoi est-ce qu'on est sur l'espagnol, le Dembélé? Il peut charrier un peu. Toi, tranquillo, il sait dire. Ouais, tranquillo. Tranquillo. Tranquillo de quoi? Tranquillo de quoi? Sa moustache, tu sais qu'il me fait rire, sa moustache à des pouces. C'est un ancien. Mais son perso, il me fait rire. T'en as rien. Allez, Dembélé. Le coup franc, très bien tiré le deuxième poteau, un peu trop Bradley. Profond, mais ça revient. C'est tout moment. Fais-le. Bradley Barcola, la fin de corps. Barcola, dans la surface, loin contre long, un. C'est long. Lâche-la. Il récupère ce ballon tout de même. Ah, il a voulu s'amuser. Hein. Il tentait le petit pont sur André Silva. Mais après, c'est André Silva. Ah, la balle perdue du coup. Hein. Ouais, il aurait dû la mettre au centre, là. Tu te prends même pas. Ouais, il y avait Mbappé au centre. Pourquoi ils ont pas pris le premier coup franc dans la boîte directement? Ah, il y avait une petite faute, hein. Non. Il aurait pu la mettre à Achraf. Compliqué. Fais attention à ce que tu dis, toi. Ouais, pour moi, il aurait pu avoir une petite faute. Hein. Mais il n'y a pas faute. Depuis tout à l'heure, il nous tabasse. Il n'y a pas faute. Et là, il va y avoir faute. Ah, tu sais très bien, rue Lavard, il serait revenu. Oh, Arsène qui rentre. Alors là. Ah, c'est pour ça, depuis tout à l'heure, tu dis le Bradley l'a touché. Là, il y a faute. Il y a quoi sur ton maillot? Ah, Arsène Zakarian qui rentre du côté de la Real Sociedad. Je n'étais pas prêt pour ça. C'est ça, ouais. Alors là, je ne m'y attendais pas. Oui. On va tous faire semblant de te croire. Attention, je te trouve un Moss en face aussi. Hein. Allez, boum, vers l'avant. Voilà, jeu. Gamin. Moss Zubimendi, voilà. Oui. Allez, Warren Zaïre-Emery. Avec Dembélé. Mais c'est compliqué. C'est hein. Pas mauvais, c'est pas l'idée mauvais. Est bonne, mais c'est compliqué. C'est vrai que c'est sorti de balle habituellement. Là faut suivre. Achraf le retirer sur son côté. Hakimi le bon pressing, hein. Il va au Achraf Hakimi. Il l'a vu. Oh, j'aime bien. Voilà, Hakimi qui va venir courir également. Là ça presse, c'est bien ce qu'ils nous font les Parisiens. Non, c'est mort. Oui. Ouais, mais au moins ça les met il en doute. Danger. Je te jure, ils doutent là.
Avec le parc, ça réveille le parc. Ça réveille le parc. Exactement. Ah, Barcola, tu nous as oublié. Mais ils ont très très bien, ouais, très bien sorti de ballon. Ouais. Comment ils ont réussi à garder la balle? La relance avec Rémi Rolle. Attention, attention. C'est que attention, ça fait mal. Ah, ce centre qui ne donnera rien. Damari Traoré. Ça fait vraiment mal au cerveau, ça. Tu sais, t'as tout le monde à presser, ils arrivent à ressortir, tu dis, ah, ouais, je presse plus. Ouais. Tête de je presse plus. Oh là, Marquinhos, qu'est-ce que c'est propre à chaque fois. Heureusement. Heureusement qu'il est là. C'est quoi les stats un peu là? Alors, je vais te les dire. On est actuellement à 8 tirs pour le PSG, 4 cadrés, et 5 tirs pour la Real Sociedad, 0 cadré. Alors qu'à la mi-temps, je crois qu'on était à 4 tirs PSG et 5 Real Sociedad, donc il y a eu Le changement de 4 tirs à 0 deuxième mi-temps. Et possession de 59% pour les Parisiens, ça n'a pas changé, là, je crois. Comme contre Lille, on a la possession. Allez, Danilo. En défense centrale, avec Lucas Beraldo. Donc normalement, changement, c'est Beraldo-Hernandez. Et Asensio, vous le voyez à la place de qui, vous avez dit? Ruiz. Fabien Ruiz. Ouais. En fait, je le vois pas sortir un des trois de devant. Voilà, là, magnifique. Dans l'avant, encore. Allez, Warren. Moi, je vois bien sortir Bradley, je sais pas pourquoi. Ce que j'allais dire aussi, il aime bien sortir Bradley, Enrique. Allez, Mbappé, côté gauche, il y a de l'espace pour les Parisiens. Il n'y a plus personne dans l'axe. Kylian Mbappé, la frappe enroulée, deuxième poteau. Un petit peu trop au-dessus. En fait, le problème, c'est que quand Kylian, il se met côté gauche, du coup, il y a doublon. Il sert plus à rien, Bradley, à ce moment-là. Bah, après, peut le servir. Adapter, après. Il ouvre l'espace, quand même. Tu rentres dans l'axe dès que tu le vois à gauche. Tu vois, ils l'ont fait par moment face à Lille où lui est rentré quand il est rentré, surtout en deuxième période, quand il est rentré, tu vois. Bah, je pense c'est plus. L'autre match d'avant, pardon, face à Brest. Il lui laisse un espace au moins. Ouais. Parce que sinon, il n'aura pas l'occasion de tirer comme ça. Il y en a un qui serait sorti sur lui. Mais bon, il y a du mieux. Pourquoi tu rentres pas Kolo Muani à la place de Barcola et tu fais passer Mbappé à gauche? Parce que Kolo n'est pas à l'échauffement. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Mais qui es-tu, Sacha? L'adjoint. Sacha Enrique. Ah, la Asensio qui va rentrer, tout comme Lucas Hernandez. Lucas, juste prends pas de carton, t'as vu? Pas de Kolo Muani en vue pour l'instant. Moi, je pars sur un Barcola. Je vais changer un peu. Qui sort? Tu dis Barcola? Ouais. Et Beraldo, du coup? Ouais, si, c'est possible. Ouais, Beraldo, c'est sûr, ça, je pense. En vrai, c'est possible qu'il sorte Barcola pour Asensio. Qu'il mette Asensio un peu en faux numéro 9. Oh, le gamin. Beraldo, la belle relance ici. C'est bien ce qu'il a fait. Il le met en faux numéro 9 et après, t'as Mbappé sur le côté. Hein. Donnarumma. Qui est en faux numéro 9, Asensio? Asensio. En 4-2-3, il va passer. En tout cas, je pense qu'il faut replacer Mbappé. À tout moment, il nous fait une folie avec Zer Emery, défenseur gauche, piston. Et du coup, ah, Achraf, il va où? Bah, il reste à droite. Mbappé, tu l'as vu? Il y a un problème. Non. Il est non, mais par terre encore. Il peut te faire des folies parfois. Allez, vas-y, Barcola, vas-y. Allez, Barcola. Allez, un contre un, il pousse ce ballon, c'est passé, Bradley Barcola. Le but de Barcola! C'est ce que t'as dit! Merci Bradley! On sait jamais! Non, mais là, t'as l'impression de couvrir la balle! Ah, il la perd pas! C'est incroyable, il la perd pas! Merci Dembélé, merci! Mais oui! Non, elle est pour lui! Imagine, il va sortir là! Ah, s'il sort en plus! Mais moi j'ai dit, oh non, elle est trop longue! Tu peux pas m'écouter, Sacha! Sacha, tu ne peux pas m'écouter! C'est bon, maintenant je t'écoute, moi! Quand tu penses qu'il la perd, il la perd pas! Maintenant je t'écoute, c'est bon! Merci Bradley. 2-0 pour le Paris Saint-Germain, 71e minute. Le break est fait. Et là, messieurs, on est heureux. Oh ouais. Un contre un après, c'est fini. Fabien Ruiz qui l'emmène bien aussi après sur le côté gauche. Regarde, comment il la prend? Déjà, juste après la première. T'es mal là. Ah, même celle-là. Et là, il est loin. Ah ouais, il est loin. Ah, j'aime trop. Amari Traoré. Lâche. On sent qu'Amari Traoré est diminué. Pointu, hein. Ah ouais. Crochet. Droit et gauche. Là, sur le crochet. Et là sur la frappe. Il cavale de fou. Respect Bradley. Mais en fait, le fait qu'il ait des. Avec sa longue long sortie. Petit pont la finition en fait. Aussi longue jambe, t'as l'impression à chaque fois. Il est très grand. Ouais. Ah bon, c'est pas lui qui va sortir visiblement. Lucas Hernandez qui rentre à la place. C'est pas Danilo qui est sorti? 29, c'est qui? Bah, c'est Bradley. Ouais, c'est Bradley. Ah, ouais. Ah, si, c'est lui.
Messieurs, messieurs. Dernier ballon. Écoutez le coach. Écoutez Arsène Wenger, un peu le coach. Allez. Bon, j'aimerais bien qu'on en rajoute. Mais le problème, c'est si on rajoute, mon pronostic, il est mort. Ah, moi, je suis bon. Ah, moi, je m'en fiche. Mon pronostic, il est plus bon. Mais franchement, on rajoute, on rajoute. Hein. Si on peut en mettre 3, franchement, avant d'aller là-bas, il faut. Il avait dit quoi, Di Maria ? Si on peut leur en mettre 5, on en met 5. À Dortmund, non ? Ouais, contre Dortmund. Oh non, je sais pas. Il a acheté d'autres. Je crois qu'il a acheté d'autres mots. Il a acheté d'autres termes. Tu peux pas faire ça ici. C'est Danilo qui est sorti. Et c'est Beraldo qui est passé dans l'axe. Ah ouais ? Ah ouais, t'as raison. Danilo qui est sorti. Pourquoi ? Il a peut-être pris un coup, hein, Danilo aussi. On l'a vu plusieurs fois au duel. Bon match, hein. Et Dembélé passe à gauche. Ok. Comme quoi, on a des surprises. Comme quoi, on est vraiment pas coach. Personne n'avait dit ça. Je t'ai dit, il peut nous faire des folies. Attention, les gars, attention. Enfin, c'est pas une folie. Il faut pas qu'il marque. Ah, attention. Oh. En fait, faut pas les laisser espérer. Le centre dévié par Lucas Beraldo. Faute, monsieur Rabbit. Hakimi de la tête avec Warren Zaïre-Emery. Touche-le encore. Merci. Et là, on peut aller vite. Envoie là-haut. Envoie là-haut. Allez, Fabien Ruiz. Oh non, ça non les gars, moi j'aime pas ça, moi j'aime pas. Non, faut envoyer. Non, on veut qu'il faut marquer. Mais oui, il faut aller chercher Ousmane. Même faites rentrer Colo s'il faut. Il y a plus de buts à l'extérieur. Faut bien les soigner, bien comme il faut là. Ah là, faut aller chercher un troisième, un 3-0, ouais, franchement. Bien les soigner, là. T'es bien derrière. Allez, profondeur. Bien joué. On cherche Dembélé. On a vu déjà. Ça revient. Allez, c'est Mbappé, bien, c'est bien. Tiens, Mbappé, talonnade, bien. Ça revient Fabien Ruiz. Faut tombe. Tombe, cousin. Remets là-bas. Fabien Ruiz qui cherche Mbappé, un passe incroyable. Contrôle Mbappé du pied gauche. Ce sera pas cadré. Il n'y avait pas de hors-jeu, visiblement. La passe était folle. C'était une passe cachée. Ouais. Ah, il était pas hors-jeu. Hein. Pile poil sur la ligne. Il était tellement long, le run 2. Là, s'il a contrôle pied gauche, enchaînement pied gauche, mais bon. Si elle est à terre, je pense qu'il peut marquer. Là, c'est pour un gaucher, cette passe. Un gaucher, là, il a le temps en plus par rapport à un droitier là pour enchaîner rapidement. C'est vrai, hein, c'est vrai que Vitinha il a fait du bien en vrai. Ouais, on sort beaucoup plus de ballons. J'ai pas toujours été gentil avec lui, mais il a fait du bien là. Mais on le voyait, hein, quand il faisait ses petits crochets, il arrivait à trouver des espaces qu'on n'arrivait pas à trouver. Et là, je pense que maintenant il y a eu un coup de massue également sur la tête des joueurs de la Real Sociedad. Ça leur fait mal. Pour des équipes qui ne prennent pas beaucoup de buts. Ouais. Ils ne savent même pas ce que c'était. Bah, ils ont pris 2 buts en 6 matchs de Ligue des Champions. Ah, mais là, c'est... Et 2 buts contre nous. C'est pas fini. On vous a dit, la vie, elle est méchante. Ah, ça fait plaisir quand même, 2-0. Allez, un petit 3ème et on dort bien, non ? Bonne Saint-Valentin. On met 3, mon gars. En vrai, j'avoue, le 3ème pour la Saint-Valentin, il fait plaisir. Ouais, ce serait propre. Jamais 2 sans 3. Allez, Ousmane. Avec Vitinha. La belle combinaison. Dembélé, la bonne prise de balle. Ousmane Dembélé qui va venir percer dans l'axe ici. Dembélé, il cherchait une passe. Ce sera contré. Et attention au contre. Attention là. Attention à de l'espace là pour la contre-attaque. La Real Sociedad. Fait faute Warren. Warren qui revient. Et l'espace dans l'axe ici. Mais c'est bien revenu de la part du PSG. Deuxième. C'est bon. Kubo. Il va rentrer à l'intérieur, c'était sûr les mecs. Kubo, bon retour de Fabien Ruiz. Encore. Kubo encore. Non, Lucas Hernandez, c'est bon, il va l'avoir. Voilà. Mais il y aura un corner tout de même pour la Real Sociedad, 76ème minute. Il met une intensité, Lucas Hernandez, défensivement. C'est que vraiment, on dirait il t'harcèle. Ouais. Et c'est encore plus flagrant en vrai quand t'es un peu pas loin du terrain. Tu vois. Est-ce que c'est pas le premier but de Barcola en Ligue des Champions ? Je crois. C'est fort possible aussi. Ouais, je crois. Il a pas marqué contre. J'allais dire contre Newcastle, mais non. Non, c'était. Il y a que Mbappé et Warren qui ont marqué, je crois. Et Skriniar. Je sais pas s'il y a eu d'autres buteurs. Je crois pas. Hakimi contre Dortmund. Le corner qui ne donnera rien. Le cafouillage derrière. Attention, c'est détourné. On a eu chaud. Et contre-attaque. Et derrière, ça peut partir vite. Contre-attaque, les gars. Allez. La belle passe. Fabien Ruiz pour Dembélé. Allez, il y a un 3 contre 4. Un compatriote. Ah non, c'est pas lui. Il y a un 4 contre 4 ici. Oh, elle était bien. Elle peut pas nous faire ça. Elle était bien. C'est bien. Mbélé, c'est bien. Elle était pas bien. Mbappé oui, ici. Pour qui ? Pour Asensio ou pour Mbappé ? Pour Mbappé. Non, Mbappé, pour Mbappé. Aïe. Il se sert de l'appel d'Asensio pour Mbappé.
Ah non, faut leur mettre 3, les gars. Ah, il y a la place. Hein. Quand tu penses à la barre de Mbappé, on s'en sort bien également avec la barre de Merino. Pour l'instant, c'est un résultat convenable, hein, vu la physionomie du match. Où viens, viens. Ils ont eu des actions aussi. Oh, il n'est pas monté, on s'est fait avoir. Bien. On est réaliste en deuxième période. Filez les mecs. Frère, faut les tabasser là. Allez, un petit troisième, on dit pas non, ouais. Une manita pour la Saint-Valentin. Pour qui? Dembélé. Des fois, il a des absences, ce joueur. Kubo. Contre Hernandez, bonne défense de Kubo et derrière, c'est la bien suivi. Ça fout par Fabien Ruiz. Et pourquoi il a fait ça? Mettez le troisième, s'il vous plaît. Les Parisiens qui contournent ce ballon tranquillement. Et je crois que la Real Sociedad n'a pas tiré une seule fois en deuxième période pour l'instant. Ils pressent moins aussi, ils ont un peu plus bas, j'ai l'impression. Ah, ils ont plus trop de ballons. Ah, mais là, ils peuvent... Bien joué. Ah, Asensio qui nous a failli nous faire un contrôle incroyable là. Un stop and turn contrôle. Mais pour nous, non? Triple changement pour la Real Sociedad. Ça va, les frères, ça va. Il y a forcément un Moss. Bien sûr, tu vas sortir, toi. Il y a un Moss qui rentre. Alors, Pacheco qui va rentrer à la place de Lenormand. Enfin, attention, il y a plus de chances qu'un Sacha rentre qu'un Moss. Il n'y a pas de Sacha, au fond. Il n'y a pas de Sacha. Il y a tous les prénoms, mais il y a plusieurs John. Oumar Sadik. Oumar Sadik qui va rentrer. À la place de qui, je n'ai pas vu? Il y a Bruno Fernandez. Il y a un air. Et Benat Turrientes à la place de Brice Mendes. Allez, encore un petit quart d'heure dans ce match. Elle est comment l'ambiance là-bas au stade à Saint-Sébastien, Trippi? Apparemment, c'est fou. Hein. Apparemment, c'est fou. J'ai vu une vidéo où il y a tout qui tremble. J'étais à Brest, il n'y avait pas beaucoup de monde au stade. Dans mon avis. Ah, c'était à Brest le match? Non, mais on était à Bresto, on n'est pas. On était pas Et puis, c'était pas un match de Ligue des Champions non plus. Oh non, gamin! Ouais, puis c'était un match amical, mais... J'ai vu des vidéos, il y a de l'envie. Apparemment, c'est fou, hein. Attention, il y a un 2 contre 2 ici avec Kubo en profondeur. Marquinhos qui sera le premier, heureusement. Tu vois ce que fait Donnarumma? Avant, il le faisait pas comme ça. Avant, il contrôlait la balle, il attendait, et là, il faisait la passe. Mais tu sais que... Il prend vraiment beaucoup moins de temps à faire sa passe, et j'aime beaucoup. Tu sais que j'en parle souvent avec Trippi pendant les lives. Certes, il y a eu quelques erreurs parfois, mais on a noté une vraie progression technique balle au pied pour Donnarumma. Il s'est amélioré. Tu sais, même si t'es pas encore 1000% serein, ouais. Je te jure qu'avant, le fait qu'il contrôle, il mette énormément de temps à faire sa passe, ça nous mettait même un peu la pression et tout. On se disait, ouais, est-ce qu'il va y avoir une dernière fois? Alors que là, direct. Oh, trop vrai. En plus, tu défends du mauvais pied. Tiens, toi aussi. Tu défends du mauvais pied. Ah, il est blessé aussi, c'est pour ça. Oh là là. Un pointu. Ouais, double pointu. Pour un premier but en Ligue des Champions, c'est un but exceptionnel. Oh, il est content. C'est rare hein, que lui, il crie comme ça. Ouais. Il est content. Moi, je suis coach, moi. Dès qu'il abuse, je crie. T'es fou, moi, je suis côté Klopp. T'es là, tu cours, tu regardes les supporters. Après, il y a des Mourinho. Il met un but, il va dire Sachou. Faut se concentrer là. Il y a des Sachou sur le chat. Hein. Deux écus. Allez, profondeur. Vitinha qui va essayer de chercher Marco Asensio. Le contrôle incroyable de Marco Asensio. T'as le droit de frapper après un contrôle comme ça en vrai. Personne va t'en vouloir. Ouais, faut tenter le top but. Hein. En plus, lui, il les a. Hein. Ouais. Plein. Lui, il a des highlights. Hein. Il est déjà bien référencé, c'est dans l'algorithme. Oh oui. Ah, et Dembélé. Avec Vitinha au milieu de terrain. Bien joué, Viti. Marquis au mode milieu de terrain, qui fait tourner ce ballon. Même Asensio également pour garder le ballon, ça va bien aider. C'est vrai qu'un changement... Asensio Barcola, au final, t'es plus dans la gestion du ballon un petit peu. Ah oui, là t'es là pour garder la balle. Hein. Attention. Oh. Ouais, Warren s'est fait devancer ici, attention. C'était pas Warren. L'offensive. C'était pas Warren? Non.
Warren ne s'est pas fait dribbler comme ça. Et dans le dé. Dans le dé fort. C'est peut-être pas lui, je me suis dit. Est-ce que t'as vu comment je l'ai fait douter? Ouais, je pensais. Tu vois comment je l'ai fait douter? Tout à l'heure, dès qu'il y a un titi, il dit c'est pas lui. Tu vois, quand tu regardes un écran, t'es pas sûr, donc je me dis. Non, ça va. Dès qu'il y a un titi, dès que c'est Warren et tout, il dit non, c'est pas lui. T'as pas vu, il a douté. Barcola, quand il a fait, il a dit non, c'est pas Barcola. C'est Nema Youlou. Il est dans le dé fort. Laissez mettre titi tranquille là. Et changement pour le PSG. Sortie d'Ousmane Dembélé. Merci aussi. Je t'applaudis, monsieur. Auteur d'un grand match, lui aussi, même s'il n'a pas marqué. À la place de qui? Colo, je pense, non? Colo ou Ramos? Quand Colo, je pense. Quand tu vas voir Ugarte. Non, c'est Colo ou Ramos, là. Comprendre. Ah, c'est possible, mais bon. Tu vas vite comprendre, mon pote. Randal Colomwani. Randal. Allez, Randal Colomwani qui apporte un peu de puissance. Mbappé repasse sur le côté. Dans cette fin de match. Non, je pense Randal sur le côté, moi aussi. Eh hey, mec de Montreuil, va sur le côté, va faire la bagarre avec Traoré là-bas. Ah ouais, tu ouais, penses je pense qu'il va prendre sa puissance sur le côté. La bagarre là-bas. Après, il permute beaucoup. Ouais, ah tu ouais. vois, pour l'instant, c'est Mbappé, ça a permuté, hein, mais... Oui. D'ailleurs, lui aussi, un très belle interview de Randall. Ah, très très belle interview. Je sais plus c'était sur quoi, mais... J'ai vu aussi passer... Vraiment très sympa ce qu'il a dit. Tu sens qu'il est motivé. Ouais, il est vraiment motivé. Il est prêt à tout. Ah oui, genre, il connaît sa situation, il sait ce qu'il a fait, ouais, tout ça et tout. Et toi, il te dit, vous inquiétez pas. Ouais, le retour défensif. Ouais, mais il faut avoir confiance en soi pour dire, oui, ouais. Vous inquiétez Allez, pas. Il y a l'espace ici. Lance-le. Warren en profondeur Mbappé. Pour Kylian Mbappé. Mbappé entrée de surface. Hein. Le crochet de Kylian Mbappé. Les passements de jambes. La passe ensuite pour Warren qui sera contré. De la vitesse. On va reprendre. Mbappé, va reprendre. Passement de jambe, le crochet, Kylian Mbappé, nouveau crochet. Il a tout fait, le centre, deuxième poteau contré. C'est dingue. Pardon, c'était le premier poteau, mais. Colomoni, il savait plus quoi faire. Oh là là. Retrait devant. T'es mort. Il est fatigué, frère. Il vient de rentrer, il a fait 12 appels. Oh, c'est trop de téléphone qu'il a mis. Non, c'est trop. C'est pas faux, t'es attaquant, tu sais te placer, au bout d'un moment, y a trop de fans, tu sais plus te mettre. Ah ouais. T'arrives plus à suivre. Imagine quand Dembouzi il était au Barça, non? Où il fait gauche, droite, droite. Tout le monde attend comme ça dans l'axe. C'est ouf. Allez, le corner, peut-être pour un 3-0, 84ème minute. Mais tirez-les. C'est joué en retrait. Tirez-les. Okay. Allez, ouais, y a un décalage. Allez, vas-y. Joue en retrait, il touche. Il est dans la surface, la frappe contrée. De fou. Ah, je peux pas. Asensio. Asensio, la frappe qui sera captée par Remiro. En retrait pour qu'il puisse tirer une touche. Mais lui, là, il était en pucité. La balle qui était revenue hein, de Beraldo jusqu'à Asensio, entrée de surface. Malheureusement, pas assez puissante là pour aller. Monsieur Highlight. Embêté Alex Remiro. J'aime bien ça. Oh. Ah, comment il s'en sort. Lâche ça là. La profondeur vers Marquinhos. C'est bien géré. Attention derrière le second ballon. Warren qui sera le premier. Tu vois, là, c'était Warren. Avec Fabien Ruiz. Allez, Colomoigny au pressing. Bon, 2-0 pour l'instant, c'est un bon score, messieurs. C'est le mien. Qui a petit 2-0, c'est toi, boss. C'est un très bon score, 2-0 au match de Ligue des Champions. J'avais dit Kylian et Warren. 3, t'es vraiment au max. Parce que 3, même si t'en prends un, derrière, t'es pas forcément stressé. Qui va en prendre un? Non, mais imagine, t'en prends un match retour. Tu vois, un. Tu peux être un peu stressé. Alors que s'il y a 3-0, ça te stresse beaucoup, moi, on va dire. Allez, Colo. Eh oui, Randall. Encore. Colomwani, devancé par Kubo. Il fait un gros match aussi. Ah, il est au taquet. Hein. C'est la dernière fois, Arsène. C'est la dernière fois. Il était content. Il est content. Des fois, j'accepte, mais là. Je peux pas. Tu prends sur toi, tripu ou pas? Ouais, toutes les semaines. Ah, c'est rare, c'est rare. Ah, des fois, il en sort des bonnes, mais là, je prends sur moi. Là. Allez, Donnarumma, qui va écarter à gauche. Oh, Hernandez. On va repartir en... vers Donnarumma, j'allais dire en 6 mètres, mais non. À l'aise. Le petit gain de temps, là, Donnarumma. Allez, on repart à gauche. Lucas Hernandez.
Bon anniversaire, Lucas Hernandez. Quel âge ? 28 ans. Oh là là. Un homme calé sur la formation. Oh bah tu sais. Il a révisé, hein, on va devenir. J'ai fait quelques fiches, quoi. La Vétina, je crois que c'était hier, il me semble. Effectivement, quel âge ? 24. Il a pas fait de fiche. 24 tu sais ou 25, je suis pas sûr. Hein ? Tu sais toi ? Pourquoi tu me poses des questions ? Je crois 24. Tu vois pas, c'est Arsène. Ouais, t'as dit t'as fait des fiches. Non, que sur Lucas. Attention. Il est né en 2000, 24 ans, c'est bien ça. Les fiches sont bonnes, tu vois. Oh bien joué. Là, j'aime bien. Ah, il y a de l'espace là pour les Parisiens. Warren Zaïre-Emery à gauche pour Randal Kolo Muani. Mais non, c'est bien. Randal dans la surface, Randall. Le crochet, la frappe. Randal, ah, les poteaux. Ah, c'est bien. Filet extérieur. Randal. Il la touche. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il la touche le défenseur, il mais sur les lèvres. Non, après, c'est bien. Il a fait la touche à Mbappé. Bah, c'est touché par Traoré. C'est touché. Là, il tire côté ouvert là. Il est bien. C'est touché, mais il n'y a pas eu corner derrière. Ils ont plus le droit à Paris. Ils ont plus le droit. Tous les attaquants maintenant, ils sont obligés d'aller vers la droite et ils ont plus le droit. Changement. 7ème. Pour la Real Sociedad, on se rapproche de la fin du match. Ah, 2-0, on est bien. Javier Galán qui sort, le défenseur gauche, remplacé par un joueur contre qui Trippier a joué, John Aramburu. Tu te rappelles de lui ou pas alors ? Voilà sa tête. En tout cas, il a bien vieilli, mais je me rappelle pas de lui. Hein. Attends, je vérifie. Il a quel âge ? Ah non, 21 ans, c'est pas lui alors, c'est pas possible. C'était son père. Je vous ai dit les fiches. C'est pas contre lui que t'as joué alors. Ah bah là, c'est sûr que non. Mais c'est un club familial. Ah, je crois que c'était Aramburu avec un N. Là, c'est avec un M. Mikel Aramburu, c'est contre lui que t'as joué, je pense. C'est son père en fait. C'est vrai ? Ah ouais ? Je sais pas. Real Sociedad, tu vois, mais il y a moyen. C'est un club familial. Attends, il y a moyen. Je sais pas non, parce qu'il a 44 ans. Retourne sur lui. Ah, c'est possible. Non, mais retourne sur lui. Bah, et tu vas voir dans Wikipédia, ils vont te mettre. Ah non, c'est pas la même lettre. C'est Aramburu avec un N et l'autre c'est avec un M. C'est un cousin éloigné. C'est à 10 ans que j'ai joué contre. Non, ça aurait pu être son fils. Il a quand même fait 402 matchs. Qui ? Mikel Aramburu, celui contre qui t'as joué. Tu fais 9h12 à un moment donné. Attention, quand là, ils sont tous montés là, côté Real Sociedad. Côté. Allez, attention à ce centre qui ne donnera rien, heureusement. 6 mètres pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai que parfois, ces derniers temps, on se fait peur un peu fin de match. On est un peu moins dedans. Là, pour l'instant, on arrive à la 89e sans avoir trop de frayeur, mais il faut bien gérer ces derniers instants. Pacheco aussi, je l'ai beaucoup paqué. T'es pas le seul. Heureusement qu'il n'y a pas Parero non plus en face. Oh là là. On aurait pu en parler longtemps. Bon, au moins, c'est unanime. Oh là là. Super anime. Doucement. C'était en régie ou c'était à la télé ? Je sais pas si c'était en régie. C'était à la télé. Ah ouais, c'est ça. La régie en roue libre. Ah, on commence à vous croire là. Par la Saint-Valentin. Ah ouais, pas se prendre de bulles surtout, encore mieux un troisième, on est d'accord avec vous. Mais bon, ça se dirige plus vers un 2-0. Après, fin de match, peur des espaces. Hein. Temps additionnel, messieurs. 4 minutes. 5. 0, on arrête. Ouais, 4 je sens bien. Ouais, très très impartial ce Trippier Macronda. Après il y a les bouchons et tout, faut rentrer vite. 4 minutes je le sens bien moi aussi. 4 minutes. Ouais. Mais je connais le football les messieurs. Plus 4, temps additionnel. On est dans le temps additionnel. Ouais, surtout pas se prendre de but, c'est ça. Donnarumma à la relance. Côté gauche vers Randal Kolo Muani. Ça c'était faute, hein, tu sais très bien. C'est même pas ça, c'est blessure. 89ème, tu veux jeter ta joue comme ça là. Ah ouais. Ça tire derrière. Élongation. Pourquoi j'ai fait ça ? Ton corps il est fatigué. Et le sol il dit, je suis trop bête. Pourquoi j'ai fait ça ? Il y a 2-0. Oh là là, quelle défense. Achraf Hakimi sur le côté ici. Oh là là, relance derrière. Elle est propre. Avec Marquinhos. Hein, qui se pose pas trop de questions. Je pense qu'il va rester une. Un contre un joué. Ouais, le 3-0. Il en reste, c'est Colo qui l'a fait. En tout cas, faut pas s'en prendre un Marquinhos, la relance avec Beraldo qui prend pas de risque. C'est Colo. Ah bah tiens, peut-être maintenant. Oh Warren, il nous fait des contrôles. C'est compliqué pourtant, il te fait des contrôles de fou. La biscotte. La balle que reçoit Warren, qu'est-ce qui a été dur là ? Ça se voit pas, mais. Ouais, mais c'est Warren, tu sais. Oh, mais ça arbitre. Plus que s'embrouille avec les arbitres. Il vient à la canne, il s'embrouille. Là, il vient, il s'embrouille encore.
Je sais pas s'il jouera le match retour à Marie Traoré. Je sais plus qui était sur liste de suspension. Mais je comprends pourquoi il crie aussi. Ah, y a pas faute. Hein. Je te jure, je comprends pourquoi il crie. Il s'embrouille. Ouais, mais écoute. Mais se calme. Non, mais t'imagines, là, t'as pris jaune sur ça. Imagine, t'es suspendu sur ça. Suspendu, il l'aurait mis. Non, il sera pas suspendu, ouais. Putain, t'imagines, tu prends suspension sur ça. C'est Zubeldia et Merino qui pourraient rater le match retour en cas de carton jaune, mais. Mettez un troisième, s'il vous plaît. Y a pas eu de jaune. 2-0, c'est pas assez pour nous. C'est pas le tarif habituel au parc. C'est vrai que là, c'est un petit happy hour. Là, c'est sympa, là, 2-0. Mais on est gourmand quand même. Hein. Parce qu'ils ont été durs avec nous. Surtout pas 2-1. Pour la Real Sociedad. Le crochet qui ne passera pas. Bonne défense des Parisiens. Vitinha à la relance. Avec Colo. Continuez à croire, vous êtes Barcola, vous. On fait tourner ce ballon. C'est Hakimi. Qu'on a pour toi. Ah, il va avoir un espace, hein, ça presse du côté de la Real Sociedad. C'est ça. Il peut y avoir un espace et une dernière action, comme vous le dites depuis tout à l'heure. Oh, mais lui. Si on fait bien tourner. Non, Viti, là, t'as fait un match. Oh là là. Asensio. Avec Vitinha, Hakimi. Ah non, non, ça c'est trop ça. Même pour nous, c'est trop. Mais là, c'était du football, hein. Ah, mais c'est trop. C'était du football. Il faut doser par moment, faut doser des passes comme ça, là. Mais tu sais pourquoi ils étaient comme ça, là ? Luis Enrique était debout devant eux. Tu crois que je l'ai pas vu ? 4 minutes supplémentaires. Il reste qu'une minute dans le temps additionnel. 2-0, messieurs, c'est pour l'instant un très bon résultat pour le Paris Saint-Germain. Bah, la mi-temps, tu nous dis 2-0, on signe tous. Hein. On signe, mais même début de match. Hein. Ouais. Bon, tu sais, moi je te l'ai dit avant le match. Hein. Moi j'avais dit 1-0. Très parce que toi t'es pessimiste. Toi 3-0. 3-0, j'avais dit. Moi j'ai dit 3. 3, ça aurait été le résultat parfait. Et au final. 2, c'est déjà un très bon résultat. Parce que tu pars. Après, faut pas oublier une chose, eux. Tu pars là-bas. Eux, ils prennent pas de but, on va dire, de base. Mais ils en mettent pas. Ils ont pas mis de but depuis 5 matchs, c'est vrai. Ils en mettent pas. Donc, c'est plutôt bon signe si on a réussi à bien défendre. Si au retour, on met pas de but, mais qu'ils en mettent pas, ça me va aussi. C'est sûr. Ah oui. Bah, dans les calculs, ce serait bon, je pense. Oui, il me semble. Hein. Allez, Fabien Ruiz. Il reste 15 secondes dans ce match. Alors, dernière action. Alors peut-être. Warren Zaïre-Emery à droite avec Hakimi. Le centre contré. Il y aura un corner. Corner ou touche ? Pour le Paris Saint-Germain, ce sera une touche. Ouais. Il faut siffler. Oh, on est bien là. On est dans la surface. Allez, dernière action. Hakimi. Fin de ce match, messieurs. La victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. On est content. On est content. 3 points. Bah non, pas 3 points, mais on peut 3 dire. 3 points, ça doit être ça, ouais. C'est l'habitude, mais c'est comme si c'était 3 points. C'est une victoire. C'est 2-0 pour l'instant. C'est un bel avantage. Avant d'entamer ce match retour à Saint-Sébastien, 2-0 pour un match à la Ligue des Champions. Le travail est fait au Parc des Princes. Les buteurs Mbappé et Barcola. Une deuxième mi-temps qui nous a vraiment régalé parce que c'est ce qu'on voulait, un peu plus de justesse technique. Il y en a eu, notamment dans la finition, où les Parisiens étaient mieux. Et surtout, le gros changement de cette deuxième mi-temps, Vitinha à la relance, c'est ce qui a ouvert le jeu. En vrai, il nous a beaucoup aidé. Hein. Il nous a beaucoup aidé à trouver en fait, cette attaque. Hein. On n'arrivait pas à trouver nos attaquants. Et là, Vitinha nous a bien aidé dans ce domaine-là. Ouais, il a eu un rôle plus créatif que Fabian Ruiz. Et il savait garder le ballon et trouver le décalage, là où Fabian Ruiz avait un peu plus de mal. Donc merci Vitinha et merci Paris. Hein. Merci le coach également, parce que Trippi, toi qui es coach du PSG U11, nous a écouté. Tu peux dire également que ouais, c'est un vrai travail de coach, là, non, ça fait la diff. C'est un bon changement, parce qu'on avait en première période, on était en difficulté. Le fait qu'il ait changé un joueur dans son animation, bah, on a vu quand même un certain changement. Et aussi défensivement, on est allé les chercher très haut. On a vu aussi défensivement, tu avais aussi Warren qui était plus sur le 6 ouais. Du côté de la Real Sociedad. Donc tu bloquais aussi cette solution en attaque pour la Real Sociedad. Ce qui a fait qu'ils nous ont pas mis en difficulté et que le gardien a constamment dégagé dès que le ballon arrivait dans ses pieds. Et après, forcément, offensivement, on marque sur deux exploits. Hein. On marque sur deux exploits. On était réaliste également en deuxième période parce qu'on n'a pas eu non plus 50 occasions. On en a eu 3-4 et au final, on met deux buts. Coup sur coup pour les Parisiens avec Mbappé et Bradley Barcola. C'est ce qu'il faut en Ligue des Champions, ce réalisme. Et là, on l'a eu. Bah c'est ce qui nous manquait hein, depuis le début de la saison, en vrai, hein, ce réalisme en Ligue des Champions. Ouais. Là, on l'a. Et tant mieux, hein, on ressort avec les 3 points. Et gros match de Dembélé aussi.
Moi, Dembélé. Oui, mais ça, c'est normal. Un énorme décalage sur le premier toujours, but. Toujours, toujours. Est-ce que Tribu, tu peux lui dire c'est... On est même plus censé le dire. Hein. C'est la base. Non, on lui rend hommage encore une fois. C'est normal. Il faut le mentionner. Oui, t'as le droit. Personne va t'en vouloir pour ça. Messieurs, pronostic, l'autre match de Ligue des Champions en même temps, Bayern, Lazio. J'ai vu le résultat, moi. J'ai vu le ah, moi, j'ai pas vu. Et je pense pas que le Bayern gagne. Je pense qu'il y a un match nul 0-0, 1-1, un truc comme ça. 1-0 pour la Lazio. Oh. Sur penalty, tir immobilé. Un rouge pour Upamecano côté ouais, Bayern. C'est rouge puis penalty derrière, donc à mon avis, ça. C'est le coach. Ouais, c'est compliqué en plus, hein, pour le Bayern Munich. Tourelle, là, il est méchant. Hein. Et puis, vous avez vu ce qu'il a dit sur Gnabry? C'était à la Lazio, c'était à Rome, le match. En conférence de presse, il lui a dit oui. Pensez quoi de Serge? Il a dit Serge? Qui ça, Serge? Ah, Gnabry. Je sais pas, je le vois pas souvent en ce moment. Ah ouais. Ah ouais. C'est tendu. Violent. Et donc, on revient sur ce match. Une belle opération pour les Parisiens qui prennent une belle avance avant ce match retour qui sera bien sûr à San Sebastián en Espagne. Je vais faire un petit point sur les prochains matchs du Paris Saint-Germain. Donc, on aura Nantes-PSG ce samedi 17 février. Ensuite, PSG-Rennes, Monaco-PSG. Et le match retour, Real Sociedad-PSG, ce sera le 5 mars. Donc, en Espagne, messieurs. On y va ? On sera tous là-bas, c'est on ça fait le live là-bas. Moi, ça me boit. C'est bon la régie et tout ? C'est bon la régie. La régie est topée également pour faire ce la régie match en là-bas. Train de manger des pizzas, je balance, voilà. La régie, elle mange des pizzas. Messieurs, je suis très heureux de ce résultat pour le Paris Saint-Germain. Je pense que vous aussi, c'est presque ce qu'on avait pronostiqué. On a passé une moi, c'est ce que j'ai pronostiqué, personnellement. On a passé une super belle soirée. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, comme d'habitude, Moss et Sacha, sur les réseaux? C'est quoi l'actualité un petit peu? Sur la chaîne YouTube d'Arsène. Voilà, là on peut me retrouver. T'as de la chance. Merci pour la pub, merci pour la pub. Non, sur les réseaux, YouTube, on a des gros projets qui arrivent, on teste beaucoup de sports. On peut avoir des spoils. On va tester beaucoup de sports cette année, course de voiture. Un petit leak. Et un petit leak, tu as un petit leak? Ouais, c'est pas encore tourné. On va tester des quelques trucs dans le MMA. Oh, oh! Tu sais que je fais du MMA! Hein. C'est vrai? Je te jure! Vas-y, on va se battre. On va faire le PSG. Avec grand plaisir! PSG MMA bientôt sur Twitch. Là, voilà. C'est vrai en plus, hein, tu sais qu'il y a vraiment PSG MMA qui arrive. Ah, peut-être. Hein. On sait pas. D'après certaines rumeurs. Ah, c'est possible, on sait pas. Peut-être ça sera Sacha? On verra bien. Peut-être que ça aura lieu ici. On hein, dit rien. Peut-être qu'on va le commenter. Ici? Trippy, merci également. Merci les gars. On peut l'analyse. Retrouver Trippy. Trippy. Moi on me retrouve sur les terrains. Campus du Paris au campus avec mes petits U11. Ils sont bons. Il y a des petites pépites ou pas là pour l'instant? Ça travaille bien. Ouais. Ça travaille bien. Maintenant, c'est à eux de prendre conscience qu'ils sont dans un bon environnement et que pour espérer monter là-haut, il faut travailler, prendre du plaisir. Tu vois comment je les défends, les Titi. J'espère que tu t'en occupes bien. Ça travaille bien. De toute façon, ils sont à un âge où ça commence un petit peu à rentrer dans. À faire comprendre qu'il y a un collectif et c'est plus de l'individualité. Donc on essaye. Et un tournoi du coup bientôt, tu m'as dit? Tournoi 24-25 dans le 51, je connais pas la ville. 51? Mais un gros tournoi. Donc s'il y a des gens qui veulent venir passer une petite après-midi ou un week-end. Mais c'est où le 51? Il sera. Attends, je te dis ça pour terminer ce live quand même. Peux me dire, hey, tu peux me dire n'importe quelle ville. Et je vais dire, ah là-bas. Le Limousin ou je sais pas. C'est un Creuse. Moi, je sens bien Limousin, un truc comme ça. C'est pas possible, Creuse. Département 51. Bah oui, c'est la Marne. C'est la Marne, ouais, ça doit être. Bah, c'est pas Seine-et-Marne, mais. Non, mais c'est que c'est pas loin, ça veut dire. Non, non, c'est pas loin, c'est pas loin. Après, ouais, plus Seine-et-Marne, Val-de-Marne. Ouais. Et à Marne. Marne-la-Vallée. Bah, c'est à droite de la Seine-et-Marne. Tu vois coup, je pense que c'est Reims, t'as raison, mon avis. Je pense que. Ouais, c'est Reims. Il y a Reims, Épernay, Châlons-en-Champagne. Le Champagne, quoi. Pour Trippy, dans pas longtemps, le football Champagne. Et sinon, sur Canal Plus Afrique, la Ligue 1. Voilà. Voilà, pour la suite des aventures de tout le monde. Mais moi, sur la chaîne du Paris Saint-Germain, comme d'habitude. Non, mais sinon, l'actu, ça change pas pour moi. Messieurs, merci, on est heureux. Arsène, merci beaucoup. Oui. On est content. Merci la régie, merci les pizzas, merci à tous. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle rencontre du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait, sur YouTube et sur Twitch. Et on se dit à très très vite. Ciao. Oh, bisous. Ciao l'équipe. Thank you.